bien à vous tous les amis, c'est Listifoot. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live les gars, le lundi soir comme d'habitude. En général c'est toujours la même compétition, c'est la Ligue 2 les amis, avec Annecy face au Havre ce soir. Un match avec un enjeu absolument énorme. Je sais pas si on s'en rend compte, mais vraiment ce match, il y a un énorme enjeu dans ce match. Annecy d'un côté, voilà, Annecy qui va recevoir le Havre. Les Annecyens, on le verra quand on parlera classement, mais Annecy c'est plutôt pour le bas de tableau, vraiment pour le maintien à fond. Pour Annecy on va en parler, et bien sûr pour le Havre c'est le tableau, vous commencez à en avoir l'habitude. Le Havre qui est premier depuis quand même bien longtemps en Ligue 2. Mais attention, petite spécificité, hein, on peut croire que le Havre s'il gagne, bon bah ce sera toujours pareil, ils vont prendre des points sur Bordeaux, gna gna. Non, c'est pas trop ça ce soir. Ce soir c'est si jamais le Havre gagne, alors le Havre sera déjà sûr de monter en Ligue 1. Déjà mathématiquement, on va quand même revoir, parce que maintenant que je vous dis ça, j'ai un doute. Mais bon, on va revoir au niveau du classement. Mais en tout cas voilà, le match de ce soir il est vraiment ultra important pour ces deux équipes là. Notamment après ce qui s'est passé ce week-end, les divers résultats qu'il y a eu dans le bas de tableau pour Annecy et les autres résultats qu'il y a eu dans le haut de tableau, notamment avec une défaite de Bordeaux pour le Havre. On va parler de tout ça dans tous les cas, vous inquiétez pas, parce qu'on va d'ailleurs commencer l'avant-match dès maintenant, hein, avec le classement. Mais d'abord bienvenue à vous tous, j'espère que votre début de semaine s'est passé correctement, c'est plutôt bien passé. Bienvenue à vous tous amis, salut Mohamed qui nous rejoint, salut Igola également, il est présent, salut Enzo, Jérôme, bienvenue à toi Jérôme, bienvenue Loupi, bienvenue Lucas, Noah Gaming, et bienvenue Maël, bienvenue à vous tous les amis. Bienvenue également Primo Taku qui nous met Sochaux, quel gâchis quand même. Voilà, on va parler un peu du classement effectivement les amis. Salut Mélo, voilà Mélo on a l'habitude maintenant. Salut à toi, ça va nickel hein, Enzo, ça va, merci d'avoir mis Martigues Nancy. Ouais les gars, avant de parler du classement, je vous ai mis Martigues Nancy dans les autres scores. Il reste 9 minutes entre Martigues et Nancy. Ce match là c'est un match national, et forcément pour nous tous qui suivons la Ligue 2, bah la nationale ça nous intéresse surtout dans cette fin de saison. Martigues est en train de gagner 1-0. Martigues est donc premier de national avec 3 points d'avance sur le deuxième Concarneau, alors qu'il reste quelques journées. Autant vous dire que Martigues les amis, ils sont bien partis pour monter en Ligue 2. On commentera sûrement des matchs de Martigues dans l'année prochaine. Après il y aura une bataille entre Dunkerque et Concarneau. Peut-être même le Red Star, ils sont encore dans la course, le Red Star pour la deuxième place. Mais Martigues, ils ont l'air quand même d'être plutôt bien partis pour la première place. Quoique attention, il reste une minute entre Martigues et Nancy. Et puis même, hein, il restera encore des matchs, puisqu'il restera deux journées en national. Donc voilà, en national, Martigues est premier avec 59 points. Deuxième, t'as Concarneau avec 56 points, égalité avec Dunkerque, mais qui est troisième avec 56 points également. Le Red Star est quatrième avec 54 points. Et c'est que les deux premiers qui montent. Il reste deux journées. Voilà quoi, on peut commencer à se faire une petite team. On en reparlera notamment lorsqu'on commentera les deux derniers multiplex de la journée 37 et la journée 38 en Ligue 2. On parlera un peu de où on en est en national, parce qu'on va aussi vivre les multiplex en Ligue 1, donc on saura qui va descendre en Ligue 1, bien qu'on ait déjà 3 équipes, 3 Ajaccio et Angers, on sait déjà qu'ils seront en Ligue 2 l'année prochaine. Et bah c'est aussi intéressant de savoir quelles sont les deux équipes de National qui vont monter également en Ligue 2. Donc les amis, j'avais dit qu'on allait commencer l'avant-match avec le classement. Et bah écoutez, on a parlé classement national, mais on n'a pas encore parlé classement de Ligue 2, donc on va directement parler les amis du classement de Ligue 2. Le voilà, le classement les gars, avec les Havrais bien sûr premier, les Annéciens 18e, et on va parler de tout ça les amis. Pas sûr que le stade de Martigues soit homologué pour la Ligue 2. Alors ça c'est vrai que c'est un autre débat. Je vais pas vous mentir, j'ai pas le stade de Martigues en tête. Après ouais, y a toujours un moyen de jouer dans un autre stade, etc. Ils peuvent toujours s'arranger. Donc le classement les amis, le voilà. On va d'abord commencer par parler d'équipe à domicile, c'est-à-dire Annecy. Annecy 18ème, hein. Annecy qui avant le début de cette journée n'était pas dans la zone rouge, hein. Les Annecyens, les amis, qui avant le début de cette journée n'étaient pas dans la zone rouge, et ils sont descendus dans la zone rouge, notamment à cause de la victoire de Laval, la victoire de Dijon également. Et c'est dur, hein, pour les Annecyens forcément, après avoir fait un parcours absolument exceptionnel en Coupe de France. Voilà, c'est un peu comme Nantes, ils auraient pu passer vraiment, ils étaient dans une saison qui était absolument magnifique pour eux, éliminer l'OM, machin, aller en demi quand même de Coupe de France. Mais c'est un peu comme Nantes, ils sont passés à deux doigts de l'exploit, à deux doigts de réussir partiellement en tout cas leur saison, parce que bon, si Nantes gagne la Coupe de France mais descend en Ligue 2, c'est pas fou, c'est pareil pour Annecy. Mais là, Annecy, bon bah voilà, ils sont fait éliminer en Coupe de France, c'était quand même prévisible. Et derrière, le maintien, il est vraiment là, ils ont vraiment chaud aux fesses, les Annecyens, ils vont devoir se relever avec la victoire. Alors que c'est une équipe qui, au milieu de la saison, était plutôt bien partie en plus pour le maintien. Et là, c'est un peu plus compliqué pour eux, donc voilà. Les amis, pour Annecy, mais du coup, Annecy doit quand même gagner, parce qu'ils ont, on va dire, cet avantage entre guillemets par rapport aux autres. C'est que, bah, du coup, forcément, hein, s'ils étaient, les amis, s'ils étaient.
hors de la zone rouge au début de la journée, ça veut dire que potentiellement ils peuvent toujours rester hors de la zone rouge s'ils gagnent aujourd'hui, puisqu'en cas de victoire, Annecy pourrait dépasser les 40 points, avoir 41 points, et en cas de victoire, Annecy, les amis, peut être 14e ou 15e, ça dépend s'ils dépassent ou pas Pau. Mais voilà, une victoire de Annecy, et là, ce serait incroyable hein, pour les Annéciens quand même. Les amis, Annecy, voilà, j'ai dit qu'ils étaient hors de la zone rouge avant que la journée commence. Les amis, et en effet, Annecy, les gars, était 16e. Ils étaient juste en dehors de la zone rouge, 16e à la fin de la 33e journée de. Non, à la fin de la 34e plutôt journée de Ligue. Si je me trompe pas, hein. Si je me trompe pas, dites-le moi, les gars, mais je crois que c'est ça. J'ai peur de me tromper, mais je crois bien que c'est ça. Voilà, voilà en tout cas, les gars, pour tout ce qui est classement. Ah, oui, bien sûr, on va parler du hack quand même dans le classement, hein, les amis. Donc, voilà, quand je disais que ce match est encore plus fou après avoir connu les résultats du week-end, après, voilà, en plus, on a vécu le multiplex et tout ensemble. Ce match, déjà, a un enjeu énorme. Et en plus, après avoir suivi les matchs du week-end, c'est encore un plus grand enjeu. Pourquoi? Parce que, bah, comme je vous l'ai dit, Annecy était hors de la zone rouge. Maintenant, ils sont dans la zone rouge, donc il faut sortir. Et pour Le Havre, c'est pareil. Le Havre. Qui aurait pu hein, toujours se faire rattraper comme d'habitude avec Bordeaux qui gagne, Metz qui gagne, mais là ça s'est pas passé comme d'habitude puisque les Bordelais ont perdu et Metz a gagné quand même. Ce qui veut dire que Le Havre, ils ont 5 points d'avance sur Bordeaux, ils peuvent en avoir 8 si jamais ils gagnent, les Havrais, donc 8 points d'avance sur Bordeaux à 3 journées de la fin. Voilà quoi, ils se mettent plutôt bien les Havrais et ils peuvent avoir 9 points d'avance sur Metz. Or, il reste 3 journées, 3 fois 3 points, parce que bah, tu prends 3 points par match si jamais tu gagnes. Il reste 3 journées, 3 fois 3, ça fait 9. Ça veut dire que Metz peut prendre maximum 9 points, les amis. Donc, le nombre de points qu'il faudrait aux Messins pour rattraper Le Havre, si jamais Le Havre gagne, parce que du coup, si jamais Le Havre gagne, Le Havre, comme je l'ai dit, aura 8 points d'avance sur Bordeaux et donc 9 sur Metz, puisque Metz a 1 point de moins que Bordeaux. Donc ça veut dire que les Messins, si jamais Le Havre gagne ce soir, il faudra qu'ils gagnent tous leurs matchs et que Le Havre perde tous leurs matchs pour qu'ils puissent passer devant le hack. Or, les amis, il y a aussi le goal à virage qu'il faut quand même prendre en compte, les gars. Vous allez voir, alors attendez, le goal à virage des Havrais qui est de plus 29 et celui de Metz qui est de plus 26. Donc déjà, qu'on soit bien d'accord. Bon, après ça, avec le goal à virage, il n'est pas non plus énorme. Enfin, l'écart n'est pas non plus énorme. Mais du coup, il y aura forcément, à mon avis, un match nul pour Le Havre avant le début de. Enfin, avant la fin de ce championnat. Donc, en vrai, Le Havre, s'il gagne ce soir, c'est sûr. Déjà, je pense qu'ils assurent la montée en Ligue 1 et ils se mettent vraiment très, 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 très bien pour le titre. Parce que, bon, tout ce que je dis, c'est mathématique. Hein, quand je vous dis qu'il faut voilà, que Metz, il leur faut 9 points, ils auront 9 points d'avance, la vraie, si jamais ils gagnent par rapport aux Messins. Ça veut dire que Metz peut encore revenir voilà, peut encore passer devant Le Havre. Mais tout ça, c'est mathématique. Bien sûr que Le Havre fera au moins un nul sur les 3 derniers matchs. Déjà, Le Havre a perdu qu'un seul match cette saison. C'est quand même très probable qu'ils en perdent 2 sur leurs 3 derniers matchs et qu'ils fassent un nul. Enfin, qu'ils en perdent 3 tout court. Donc, bon, c'est sûr que Metz ne passera pas devant Le Havre. Donc bon, les amis, on va pas se mentir, hein, Le Havre s'ils gagnent ce soir, c'est bon, ils sont en Ligue 1 officiellement, hein, pratiquement, pas tant que ça mathématiquement, mais presque. Par contre, le titre, effectivement, il ne sera pas encore joué. Voilà les gars, pour tout ce qui est classement. Du coup, les amis, on est resté un peu longtemps hein, quand même sur le classement. Et on va aller voir les compos une fois qu'elles seront sorties. Salut Joël qui nous rejoint. Salut Younes, salut à toi. Je sais, mais le hack contre Valenciennes, t'es pour le hack. Attends, je pense pas que tu devais. Ouais, je pense que tu devais pas parler à moi. Salut Didrox, salut à toi Didrox. Si le Havre gagne, ils sont sûrs à 99% de monter en Ligue 1, les Didrox. Donc voilà, 99% effectivement. Footballistiquement, ils sont sûrs à 100%. Parce que vraiment, ce serait du jamais vu une telle désillusion comme ça. C'est pire que Paris en Champions League si jamais le Havre ne monte pas en Ligue 1 après avoir gagné ce soir. Mais c'est vrai que mathématiquement, c'est pas encore 100% fait. Je pense que le Havre gagne ce soir au match nul, nous met Lucas. J'ai pas encore fait mes pronos, hein, Lucas. Donc les gars, on fera nos pronos dans l'avant-match. On a encore le temps, hein, le match commence dans une demi-heure. Donc voilà, vous inquiétez pas, on y arrive au pronostic. Mais pour le moment, j'ai pas du tout réfléchi. Même si, sans vous mentir, je pense que je vais mettre une victoire du hack. Après, quel score? Je n'en sais rien, les amis, on verra. Tac. Hop, 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 hop. Ok, donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir enchaîner l'avant-match avec les 5 derniers matchs, les amis, de Annecy.
et les 5 derniers matchs du Havre. Voilà. Et après, on ira voir les compos. Est-ce qu'on ferait pas ça? Lister les compos sortis. Ouais, ouais, les compos sont sortis. Effectivement, elles sont sorties sur certains sites. Il y a les schémas de jeu et tout. Mais moi, il faut qu'elles soient sorties d'une manière spécifique si je veux vous les montrer. Vous pouvez les voir quelque part, mais pour pouvoir vous les montrer, il faut attendre encore une ou deux minutes. Mais vous inquiétez pas, ça va arriver dans pas longtemps. De passage, un pouce bleu. À demain pour la Champions League. Et j'annonce déjà la victoire de l'Inter et du Real Madrid. Nous met Patrick. Ah ouais, ok. Donc Inter, ok. Real, on verra ça. Demain, les gars, Inter AC Milan. Je sais pas si je le ferai en live. Il y a de grandes chances que oui. Et même Manchester City, Real. Oui, ça c'est sûr, je le ferai en live. Mais demain, c'est pas sûr à 100%, mais vraiment à 90% sûr. Hein. Demain, on en reparlera. On en reparlera. Allez, les gars, les 5 derniers matchs de Annecy et du Havre. On va commencer par parler des 5 derniers matchs du FC Annecy. D'abord, les Annecyens, du coup, qui restent sur une victoire, 2 défaites, 2 nuls. Beaucoup d'irrégularités, comme on le voit. Une victoire face à Valenciennes, une défaite 3-0 face à Bastia, puis 3-0 face à Rodez. Ils étaient vraiment dans le rouge, hein, quoi, les Annecyens, à ce moment-là. Ils sont un peu, entre guillemets, relevés en faisant un match nul. Face à Quevilly-Rouen, on a vu Quevilly-Rouen qui a tenu notamment en échec Bordeaux ce week-end, donc c'est pas non plus n'importe qui. Nul également face au DFCO, le DFCO qui semble être plutôt bien aussi en ce moment, donc il reste sur 2 nuls qui sont plutôt encourageants, on va dire, pour la suite. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant pour aller battre le Havre qui, comme vous le voyez, bah voilà, est plus fort que jamais, hein. 2 matchs nuls et 3 victoires sur leurs 3 derniers matchs, 1 nul face à Guingamp et face à Quevilly, 1 victoire face à Nîmes, face à Caen et face à Rodez. Au-delà de ces 5 derniers matchs, on le rappelle, le Havre a perdu qu'un seul match cette saison, les amis, c'est absolument incroyable. C'est absolument incroyable, les gars. Le Havre a perdu qu'un seul match cette saison en Ligue 1. C'était face à Valenciennes au tout début de la saison. Donc, est-ce qu'ils vont en perdre encore aujourd'hui? Je ne sais pas. Après, on sait que pour une équipe comme Annecy, rien que le match nul, ça pourrait être pas mal. Puisque si jamais Annecy fait nul, Annecy peut potentiellement sortir la zone rouge. En tout cas, il reviendrait à égalité de points avec Valenciennes qui est 16e et donc en dehors de la zone rouge, hein, puisqu'ils ont 38 points. Annecy, Valenciennes en a 16. Et devant Annecy, il y a Dijon qu'on a 38 également à la 17e place. Donc voilà, un nul, c'est toujours un bon point de prise, surtout quand je joue face au Havre. Et on sait que le Havre, les amis, ils ont quand même fait cette saison 14 matchs nuls. Hein. C'est l'équipe qui a réalisé le plus de matchs nuls, juste devant Quevilly-Rouen, qu'on a réalisé 13. Mais le Havre, c'est quand même l'équipe de Ligue 2 qui a réalisé le plus de matchs nuls cette saison. C'est quand même pas à négliger, c'est-à-dire qu'ils perdent pas beaucoup, seule défaite, mais les matchs nuls, voilà, ça montre que c'est pas non plus impossible de prendre des points pour une équipe qui joue le maintien face à face au Havre qui semble quand même très très bon. Les 5 derniers matchs ayant opposé le Havre à Annecy, il n'y en a eu qu'un seul, les amis, c'était le match aller où les Havrais avaient gagné 2-0 au stade Océan, les amis, pour vous rappeler un petit peu le scénario, comment ça s'était passé. Les Havrais avaient marqué voilà en deuxième mi-temps, hein, les Havrais avaient eu un peu du mal quand même face à cette belle équipe d'Annecy, puisqu'il y avait 0-0 jusqu'à la 74e minute de jeu où Alioui a ouvert le score sur pénalty. 74e, hein, Alioui. Cornet a doublé la mise à la 83e, ce qui a permis au Havre de gagner 2-0. Mais il est important de s'y aller quand même qu'au match aller. Bastien, donc un Annecyen, s'était pris un rouge à la 63e avant qu'il y ait ses deux buts havrais. Sinon, avant, le Havre galérait un peu. Donc bon, il est important quand même de s'y aller que le match aller, c'était pas non plus une évidence pour le Havre. Donc voilà, ils peuvent se tenir un peu là-dessus, les Annecyens. Voilà, du coup, les amis, pour tout ce qui est 5 derniers matchs. Salut Damien, voilà, évite les gros pavés, mais salut à toi Damien. Salut DJ HN, aucun joueur du Havre ne figure au classement des buteurs, elle met prime Otaku. On va justement aller regarder le classement des buteurs, mais d'abord on va aller regarder les compositions, les amis. La compo du Havre et la compo de Annecy. Allez, la compo d'Annecy, je vous l'affiche, la compo du Havre, je vous l'affiche, et on va parler directement de la compo donc d'Annecy. 4-3-3 pour Annecy avec Escalès dans les buts. Jean, Mwanga, La Juji, Temanfo en défense, Vincent Pajot, Desmoncy, Filippono plutôt en défense. Je crois qu'il y avait un Filippoto, là il y a Filippono. Et en attaque, Rochi, Moïse Saïdi, on vient sur le meilleur buteur d'Annecy. On va aller regarder le classement des meilleurs buteurs juste après. Et Chamal en attaque pour les Annecyens. Pour les Havrais, 4-3-3. Desmas dans les buts, au péril, Loris, Sanganté, El Hadjam, Richardson, Lekal, Targaline, Alioui, Casimir et Mahmoud. Belle composition là aussi, hein, pour les Havrais. Bref, deux très belles compos. Je sais pas ce que vous en pensez un peu des compos. Il y a de très bons bancs également, hein, des deux côtés. Quand tu vois que Cornet, le meilleur buteur Havrais, il est sur le banc. Thierry aussi, hein, Jamal Thierry, un très bon joueur sur le banc. Qui talent notamment du côté du Havrais. Vous avez les bancs, vous pouvez les regarder. Le banc du côté de Guy ou le coach annécien. Il y a des bons joueurs également. Tesdud qu'on retrouve sur le banc. Bozetti également sur le banc. Bref, je vous laisse après regarder tout ça. Hein, c'est autre chose. Mais voilà pour les deux compositions. Deux schémas de jeu identiques de la part de Lucas Elsner, le coach slovène, j'ai peur de dire des bêtises, je sais pas si c'est, je confonds joueur et drapeau, mais si je crois que c'est le coach slovène Havrais, et bien sûr voilà la 4-3-3 également aligné par Dio, le coach annécien. Voilà du coup les gars pour les compositions. Lissi t'a dit Bordeaux a perdu, n'importe quoi, ils ont fait match.
J'ai dit que Bordeaux a perdu. Ah bah autant pour moi. Alors oui, bien sûr, ils ont fait match nul hein, face à Quevilly. Enzo, tranquille hein, quand même, frérot. Non, en vrai, excuse-moi. Il m'a agressé, je suis mort. Ouais, je sais pas. T'es sûr que j'ai dit perdu? Bon, après, des fois, je dis. Voilà, des fois, on dit des trucs, on fait pas exprès. Mais oui, non, bien sûr, ils ont fait match nul 0-0. Hein, un bon vieux 0-0 face à Quevilly. T'inquiète pas, frérot, que je m'en rappelle de 0-0. Hein, parce qu'on s'est bien emmerdé. Non, je rigole, je rigole. Je rigole, oh putain, je vais me faire insulter. Non, non, mais en vrai, ouais, 0-0 entre Bordeaux et Quevilly. Ce qui permet justement au Havre de pourquoi pas faire encore un plus gros trou ce soir par rapport à Bordeaux. Voilà, les amis, pour tout ce qui est composition. Bordeaux a perdu 2 points. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Enfin, c'est pas, pour le moment, le Havre n'a pas gagné. Donc, si le Havre fait nul aussi, bon bah. Pas non plus, voilà. Martigues en Ligue 2, pas si sûr finalement. Eh mais les gars, la lutte à la nationale, elle est vraiment, c'est vraiment intéressant en hein, nationale. Hein, je vous l'ai dit, hein. Martigues, ils sont premiers à la en nationale. Attendez, parce que c'était pas terminé, les gars, entre Martigues et Annecy. Non, et Nancy. Me dites pas qu'il y a eu une égalisation de Nancy ou un délire dans le genre là. Les amis, je vous ai mis les autres scores. Ah si, ok, Nancy a égalisé, les gars. Oh, attendez, mais en national, c'est une dinguerie, là, les amis. En national, les gars, comment c'est serré la nationale? Par contre, c'est n'importe quoi parce que. Nancy a égalisé. Ça veut dire que Martigues est premier en national avec 57 points. Le deuxième c'est Concarneau avec 56 points. Le troisième c'est Dunkerque avec 56 points également. Le Red Star a 54 points, quatrième. Et on peut même mettre Versailles qui en a 51, cinquième. A noter que ce sont les deux premiers qui montent. Donc pour le moment Martigues et Concarneau montent. Mais il n'y a que un point qui sépare le premier et le deuxième. Le deuxième et le troisième sont à égalité. Et deux points par exemple séparent le quatrième du deuxième. Donc en fait tout peut se passer. Même Versailles ils sont à seulement entre guillemets 5 points du deuxième. Bon après il reste deux journées en national. Et c'est terminé les gars entre Martigues et Nancy. C'est fini un partout entre Martigues et Nancy. Donc en vrai la nationale les gars intéressant hein. Intéressant de savoir qui va monter un peu en Ligue 2 et tout ça. Franchement c'est intéressant. Bon on va quand même rester sur notre Ligue 2. On est déjà bien occupé avec notre Ligue 2 mais on suivra ça bien sûr dans la fin de saison. Quelle est la différence de but entre le Red Star et Martigues? Je sais pas Medo, je t'invite à faire tes recherches frérot. Je regarderai peut-être en fin de live si tu veux. Mais là faut qu'on enchaîne, désolé mais là faut qu'on enchaîne. Les amis on va justement enchaîner. Mais on va enchaîner avec le classement des meilleurs buteurs. Et je vais regarder si tu veux en attendant la différence de but. Le classement des meilleurs buteurs les gars, le top 10 des meilleurs buteurs en Ligue 2. On rappelle que Mendy avec un doublé pour le Stade Malherbe de Caen est passé deuxième ce week-end. Mekotate toujours premier bien évidemment. Et on retrouve un Annecyen dans ce top 10 hein, Moïse Saïdion, 6ème meilleur buteur avec 13 buts et une passe décisive pour l'attaquant d'Annecy. Il est titulaire ce soir. Dion il va pouvoir être d'une grande utilité pour Annecy. C'est vrai qu'un joueur présent dans le top 10 du classement des buteurs alors que tu joues le maintien avec tes pratiquement dans les derniers hein, ils sont quand même 18ème. On rappelle Annecy, bah faut le faire quand même. Et à contrario du côté du Havre, il n'y a aucun joueur à vrai présent dans le top 10 du classement des meilleurs buteurs. Aucun, alors qu'ils sont premiers. Donc c'est vrai que ça paraît un peu paradoxal quand tu le vois comme ça. Après les amis, je peux aussi vous montrer les buteurs à vrai. En fait, il y a plein de joueurs qui marquent plein de buts en gros, mais pas, il n'y a pas un gros buteur. Quoi. Alors que du côté de Annecy, bon bah si tu regardes les meilleurs buteurs, on le regardera si vous voulez. Il y a Moïse Saïdion et derrière, il n'y a pas grand monde. Les amis, et du coup tu me demandais si le goal à virage de Martigues, etc. en national. Attends, je sais pas si je vais réussir à trouver ça. Ouais, si le goal à virage de Martigues il est de plus 16. Le goal à virage de Dunkerque, il est de plus 15. Le goal à virage de Concarneau, plus 21. Le goal à virage du Red Star, plus 18. Et le goal à virage de Versailles, plus 4. Et d'ailleurs, en fait, Dunkerque est deuxième. Parce qu'en national, c'est le goal à virage particulier, je crois, qui compte. Donc sur Google, ils ont peut-être raison alors. Ils ont mis Dunkerque deuxième. Donc en fait, Martigues est premier et Dunkerque est deuxième. En vrai, j'aimerais bien revoir Dunkerque en Ligue 2. Parce que Dunkerque, je me rappelle, la première fois qu'on a fait des lives Ligue 2 sur la chaîne, il y avait Dunkerque encore en Ligue 2. Du coup, bah, ce serait un peu nostalgique. Tu vois, revoir Dunkerque, ça ferait plaisir. Bref, on en reparlera. Donc voilà du coup les gars pour le top 10 du classement des meilleurs buteurs. Puisque j'en parlais tout à l'heure, on va regarder un peu les meilleurs buteurs à vrai. Ils sont où les buteurs à vrai? Ils sont où? Allez, on va regarder tout ça du coup les gars. Hop. Les buteurs du Havre, eh bien, ils sont là. Voilà, hein. Déjà, t'as Alioui, Lécal, tous les deux 6 buts. 5 buts pour Cornet, 4 pour Thierry. Et puis t'as plein de joueurs avec voilà, 3 et 2 buts. Bref, là, on comprend un peu pourquoi il n'y a personne qui est vraiment présent dans le top 10. Mais Maël, c'est qui ce gars, Maël? Bonsoir Kevin qui nous relance, salut FCGB Forever également, salut à toi. Est-ce qu'il y a des supporters abandonnés un peu parmi nous là? Ah, je crois bien. Déjà je vois Enzo, FCGB Forever effectivement. Bordeaux franchement on abuse, on saura que 25 000 pour Bordeaux contre Laval, le match le plus important car si on perd, bah moi j'ai pris et le stade est rempli pour le dernier match, mais c'est plutôt Laval. Ah en mode tu veux dire... Ah parce que Bordeaux joue encore deux matchs à domicile sur les trois qui restent et en gros tu te...
Enfin, j'ai pas bien compris le message, mais en gros, tu te plains un peu qu'il n'y ait pas assez de monde, c'est ça. Ok, j'avais pas bien compris le sens du message, c'était pour être sûr. C'est logique qu'ils n'ont pas de buteur. C'est l'équipe qui a le plus de chances, qui gagne par un but d'écart de la Ligue 2 avec leur vieux 1-0 tiré par les FCGB Forever. Les gars, il a vraiment il a vidé son sac. Il a vidé son sac, il en pouvait plus. Frérot, si tu veux, on peut en parler, il n'y a pas de problème. Oh, tranquille, tranquille. Non, en vrai, les vrais, pourtant, ils ont pas non plus la moins bonne attaque. Hein. Le Hack, ils ont, c'est vrai, une moins bonne attaque que le FC Metz, que Bordeaux. Hein, ils ont également une moins bonne attaque que Sochaux, que Caen. Bref, ils sont pas réputés pour avoir la meilleure attaque de Ligue 2. Les Havrais, ils ont marqué seulement entre guillemets 44 buts, alors que Bordeaux en a marqué 48, Metz en a marqué 56, Caen qui est 5ème en a marqué 47, donc plus que le Havre. Même Sochaux, hein, qui est 6ème, en a marqué 52, mais c'est le côté défensif du Havre qui leur permet d'être ici, puisque le Havre a encaissé seulement 15 buts par rapport à Bordeaux qui en a pris 26, 30 en ont pris les Messins, 39 carrément en ont pris les Bastiais. Forcément que 15 buts, c'est la moitié des buts qu'ont pris les Messins, et ça c'est quand même aussi une force, hein. Il n'y a pas que l'attaque qui compte dans une équipe, donc voilà pourquoi ils en sont là. Mais c'est vrai que, après, j'ai un caractère dans le sens où le Havre n'est pas non plus le champion le plus spectaculaire, en mode quand il y a un match du Havre, on n'est pas sûr non plus d'avoir du spectacle, c'est normal. Après, vous me direz, le PSG en ce moment, ça, c'est le cas aussi des fois, mais bon, faut être champion aussi, hein. Didier Deschamps, il a été champion du monde en 2018. Nous, c'était un véritable bonheur, mais faut l'avouer aussi, la France n'avait pas forcément le plus beau jeu, quoique on a quand même, il y a quand même eu des beaux matchs, mais bon, tant qu'ils font le job, tant qu'ils sont premiers, c'est ça qu'on veut dans le football, c'est les résultats. Après, c'est sûr que pour les supporters, pour le spectacle, etc., c'est pas le meilleur, mais les résultats sont là et ils vont monter, et c'est tant mieux pour les Havrais, même si je te comprends dans ton énervement, on va dire. Voilà les gars, du coup, allez, match, les amis, commence dans 15 minutes. Le match commence dans 15 minutes entre Annecy et les Havrais. Je vous ai montré les meilleurs buteurs, les gars, du Havre, et je vais vous montrer également les meilleurs buteurs de Annecy, puisqu'on en parlait, on a Moïse Saïdion, et vous allez voir que derrière, il n'y a pas grand monde à part Dion. Regardez-moi ça. Bon, aussi, il y a quand même des joueurs qui sont présents, hein. Moïse Saïdion, l'Ivoirien, avec 13 buts, une passe D, et puis derrière t'as Bozetti avec 5 buts. Mais voilà, on voit que c'est un peu moins complet, on va dire, que la vraie, où il y a plein de joueurs qui ont marqué quelques buts, même si en vrai c'est pas mal. Bah, déjà les gars, je trouve ça assez marrant qu'une équipe comme Annecy, qui est 18ème, a quand même marqué, enfin non, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais c'est vrai que Nîmes par exemple, qui sont 19ème, ils ont marqué 40 buts. Ça veut dire qu'ils ont marqué seulement 4 buts de moins que le premier, alors qu'ils sont 19e. C'est pratiquement les deux opposés. Et pourtant, le premier a marqué 44 buts, le Havre, et l'avant-dernier, Nîmes, 19e, a marqué 40 buts. Forcément que je trouve ça un peu drôle. Et même Annecy, hein, ils ont marqué 35 buts par rapport au Havre, qui en a marqué 44. Bon, c'est quand même 9 de plus, c'est pas non plus négligeable. C'est pas non plus énorme, hein, l'écart, alors que tu prends Paris et Angers en Ligue 1. Bon, bah si vous voulez, on va aller regarder tout ça, les gars. On va regarder ça, Paris et Angers, les gars, en Ligue 1. Attendez, parce que... On va comparer. Donc entre le premier et l'avant-dernier en Ligue 2, l'avant-dernier a marqué que 4 buts de moins que le premier, alors qu'en Ligue 1, Paris, ils ont marqué 84 buts, et l'avant-dernier, 3, ils ont marqué 40, non, ils ont marqué 21. Donc bon, je vous laisse faire le calcul, les gars. Voilà quoi, c'est pas... Voilà. Ils en ont marqué 42. Non, ils en ont marqué 42 en vrai des buts, 3, donc non, my bad. Ils en ont marqué 42 des... Non. Oh ouais, ils ont marqué 42 buts et Paris 84. Bon, c'est quand même pas la même chose non plus, hein. Bon, après, il faut dire aussi que Paris en marque pas mal, c'est vrai. Hop, hop. Alors, les amis, Annecy... Annecy, Laval, Nîmes et Niort pour la relégation de mes primes. Ah, du coup, tu vois Annecy aller en Ligue 2. Salut Maligno, comment tu vas Maligno? Salut à toi. En tant que Girondin, moi je vous dis que j'ai peur de Metz, parce que c'est l'équipe qui joue le mieux au foot en Ligue 2. C'est structuré, il y a une identité de jeu. Le même FCGB Forever, je te rejoins totalement. Ouais, sûrement Damien, on fera Real City. Salut Polo OM. Ouais, je te rejoins par rapport à la coupe. Salut Arthur, qui nous relance, ça va être le début d'un nouveau jeu de la mi-temps ce soir, les amis. Donc les gars, le match commence dans 15 minutes. À bientôt Damien. Vous pouvez toujours voter bien sûr au duel des fans. Vous êtes déjà plus de 130 à avoir voté au duel des fans. 50% sont pour le Havre, 20% sont neutres, et 31% les amis sont pour Annecy. Vous pouvez toujours voter bien sûr, les amis, au duel des fans. Voilà pour soutenir, hein, tout simplement votre club, le Havre, Annecy.
ou si vous êtes neutre, parce qu'il y a quand même 20% de neutre hein, parmi vous, c'est pas négligeable effectivement. Allez-y et réfléchissez les gars, réfléchissez à vos pronostics parce que dans 2 minutes je vous demande vos pronos. Je rappelle que pour le duel des fans vous pouvez voter, vous pouvez aussi utiliser des petites couleurs dans le chat hein. Si vous êtes un supporter d'Annecy vous pouvez mettre un peu de blanc, de rouge dans le chat sans trop en abuser hein, c'est toujours pareil. Si vous êtes supporter du Hague, pareil, vous mettez du bleu, du blanc sans trop en abuser hein, sans mettre des gros pavés non plus. Et puis si vous êtes membre, bien sûr n'hésitez pas à utiliser les petits logos des clubs, le logo d'Annecy, le logo du Havre pour manifester votre soutien. C'est pareil, ça colore un peu le chat, ça montre que vous êtes là et voilà, que vous soutenez votre équipe et c'est toujours, toujours cool. Voilà, ça colore un peu ce chat hein, parce que le chat des fois il est pas trop coloré et c'est mieux quand il y a la couleur. On préfère, et bien sûr ça va un petit peu monter la tension on va dire de ce match. On rappelle un énorme enjeu autour de cette Annecy le Havre ici au Parc des Sports d'Annecy. Ça aussi ça peut avoir son importance, ça se joue à Annecy quand même. Voilà, on le dit rapidement dans ce beau Parc des Sports. Il fait encore jour hein, dehors, je regarde par la fenêtre et du coup ouais, pour le moment il doit faire à peu près, bon peut-être pas aussi jour que ça mais... En tout cas, au niveau de temps, on y est pas mal à mon avis. Ah ouais, attends Didrox, merci à toi Didrox, je vais régler ça. Donc, les gars, voilà, réfléchissez les amis pour vos pronostics. Ouais, exactement. Réfléchissez les gars pour vos pronos et dans 2 minutes, je vous les demande. Salut Astanteuil. Salut Astanteuil. Et nous, du coup, on a tout vu. On a vu classement, on a vu compo, les compos défilent toujours là. Le classement défile bien évidemment ici. On en a parlé hein, de tout ça, effectivement. Le duel des fans, les derniers matchs, le classement des arbitres. On en a parlé. On rappelle hein, contre Martigues et Nancy en national, puisque ça nous intéresse, puisque bah, c'est la Ligue 2, quoi que ça intéresse. Peut-être pas trop les supporters à vrai hein, l'année prochaine. Ils y seront plus en Ligue 2, les Havrais. Mais bon, ça nous intéresse quand même plutôt pas mal. Et puis Annecy, peut-être ils seront plus en Ligue 2 non plus d'ailleurs. Ah, désolé les gars, c'était tentant. Non, en vrai, force à vous tous les amis, franchement force. Et donc j'étais en... Bon, là, je suis perdu. Ah oui si, je voulais parler du calendrier en Ligue 2, quel match il reste pour le Havre pour être champion et quel match il reste pour Annecy pour se maintenir aussi, on va en parler de tout ça. Et je vous propose que voilà vous réfléchissez un peu à vos pronos, je vous pose, voilà, on parlera des pronos juste après. Mais maintenant, on va regarder juste le calendrier. Alors, on rappelle juste, voilà, rapidement, ça fait jamais de mal, les gars, rapidement, on va un petit peu rappeler, si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé tout simplement dans cette 35e journée de Ligue 2, si jamais vous étiez, vous viviez dans une grotte ce week-end. On rappelle les scores, 0-0 entre Quevilly et Bordeaux, 4-2 pour Caen face à Nîmes, 1-0 pour Guingamp face à Sochaux, 2-1 pour les Bastia face à Niort. On rappelle, Valenciennes a fait 1 partout face à Pau, il y a eu 0-0 entre Rennes. C'est le Paris FC, 3-0 pour Dijon face à Amiens. Il y a eu 1-0 pour Metz face à Grenoble. Il y a eu 2-1 également pour Laval face à Saint-Etienne. Et donc ce soir, Annecy-Le Havre. Ouais, hein, je pense que vous le remarquez, c'est pas non plus une journée où il y a eu beaucoup de buts. Hein. Déjà, il y a quand même eu 2-0-0. Il y a eu 2-1-0. Bon, bref, il n'y a pas eu beaucoup de buts hein, à part entre Caen et Nîmes. Sinon, il n'y a plus énormément de buts dans cette journée. À part si ce soir, il y a un festival de buts. La 36e journée de Ligue 2, les Havrais qui vont jouer. Donc voilà, je vous laisse regarder hein, l'autre calendrier. Je vais surtout parler du Havre et de Annecy parce que c'est les équipes qui jouent aujourd'hui. Mais je vous laisse regarder si vous voulez votre club et peut-être ni le Havre ni Annecy. Mais en tout cas, Annecy va jouer face à Niort. Niort-Annecy, ce match va être capital pour Annecy. Il aura lieu dans le multiplex Ligue 2, donc il y a moyen qu'on le vive. Voilà les. Oh, il y aura un match samedi à 14h45 encore. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y aura un match vendredi. Il y aura un match vendredi, c'est quoi ce délire là? Et les Havrais vont jouer face à Valenciennes. Le Havre-Valenciennes, ça va être un beau petit match, ça aussi. Je pense que c'est lundi, on pourra sûrement le faire. La 37e journée de Ligue 2, là aussi je vous laisse regarder un peu tous les matchs. Annecy jouera face à Bordeaux. Force à vous, Annecy, vraiment. Ça va être compliqué de ramener les points, mais c'est possible. Hein. Quoique très compliqué quand même. Et le Havre va affronter Bastia. À noter qu'il y aura un gros Sochaux-Metz hein, notamment. Il y aura des gros matchs aussi pour le maintien. Hein, je ne les dis pas tous. Laval-Nîmes, etc., etc. Voilà, hein, il y aura bien sûr des gros matchs. Guingamp-Niort, tout ça. Là et enfin la 38e journée de Ligue 2, on aura un Le Havre-Dijon. Donc les Havrais qui vont jouer face aux Dijonnais. Un bon petit match pour finir en beauté du côté Havrais. Et forcément c'est un match qui peut arranger les Alessiens. Après, est-ce que Le Havre sera déjà et champion et en Ligue 1 au moment où ils vont jouer Dijon? Peut-être. Est-ce qu'il n'y aura pas un petit billet qui va glisser? Peut-être aussi, je sais pas, mais en tout cas. Il y aura un Le Havre-Dijon à la dernière journée. Annecy jouera face au Paris FC. Voilà, possibilité de prendre des points. Et puis après, il y aura d'autres matchs un peu intéressants. Amiens-Laval, etc. etc. Nîmes-Sochaux, voilà, d'autres matchs. Bref, je vous laisse regarder tout ça. Voilà, du coup, les gars, pour tous les calendriers, les amis. Et maintenant, je vous ai, voilà, je vous ai parlé un petit peu des pronos, etc. Et ben voilà, les gars, allez-y. Hein, on est à 10 minutes du début de ce match entre Annecy et Le Havre. Mettez-moi vos pronostics, les amis, dans le chat. Quel est votre prono ce soir? Mettez-moi le score, etc. Vous pouvez toujours parier au listique pronostics.
si vous voulez, il reste à peu près 10 minutes du coup. Et moi aussi, je vais faire mon prono, Holisti Prono. Je regarde pas les votes pour le moment, je me spoil pas, je me fais pas influencer. Et voilà, donc vous avez le lien DLP bien sûr qui est dans la description. Voilà, c'est un petit concours aussi gratuit hein, qu'on organise sur la chaîne, les gars, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Mais globalement, je pense que vous êtes tous habitués. Hop. Et donc, moi, je vais faire mon petit pari tranquillement. Aussi, je regarderai les votes, comme ça, je ne vais pas me faire trop influencer non plus. Bon, je pense que je vais partir sur une victoire du Havre. Je ne vais pas me mouiller hein, ce soir. Clairement, je vais rester sur de la sécurité. Même si, encore une fois, je souhaite la meilleure à Annecy. Annecy, c'est pareil. Hein, c'est une équipe qu'on aime à peu près tous. Hein, Annecy, enfin, je vois pas. Moi, perso, j'aime bien. Tu vois, ils nous ont fait rêver en Coupe de France. Il n'y a pas de raison. On sent qu'ils. Voilà, même au niveau du jeu, c'est plutôt pas mal et tout. Non, franchement, j'aime bien cette équipe. En vrai, je leur souhaite vraiment le meilleur. Ils sont chez eux, soir devant leurs supporters. Prendre un point serait déjà bien hein, pour les Anneciens. Pourquoi pas réaliser l'exploit et gagner, voilà, et faire tomber une deuxième fois cette saison les Havrais en gagnant chez eux, ce serait incroyable. Mais bon, moi, je vais rester sur la sécurité. J'ai parié une victoire du Havre. Voilà, ils ont l'occasion de prendre 8 points d'avance sur Bordeaux. Ils ont l'occasion de prendre 9 points d'avance sur Metz. Alors qu'il reste 3 journées. Donc ça veut dire que les Messins peuvent prendre 9 points maximum en 3 journées. En gros, si le Havre gagne ce soir, ils sont sûrs d'être en Ligue 1, les amis. Bon, j'ai pas une victoire des Havrais. Et puis même au-delà de ça, le Havre, voilà, ils sont bons. Quoi. Je veux dire, cette saison, c'est clair et net. Donc non, j'ai parié une victoire du Hack sur le score de 2 buts à 0. Tiens, allez. 2-0 ou 1-0 hein, parce que les Havrais c'est des fraudes un peu hein. Quand ils gagnent quand ils gagnent 1-0 c'est classique, quand ils gagnent 2-0 c'est la fiesta un peu hein. Donc en vrai les gars, allez, je vais mettre 2-0, je vois des buts hein, parce que 2 buts pour le Havre c'est pas mal franchement hein. Allez les gars, 2-0 pour le Havre ce soir, je sais pas ce que j'ai, je sais pas, je cherche là. Allez, 2-0 pour les Havrais, c'est mon petit pronostic. Hop là, 2-0 pour les Havrais, c'est mon petit pronostic. Franchement je me mouille pas hein. Franchement, victoire 2 buts d'écart. Ouais, moi je prends pas de risque, hein. Moi je prends vraiment pas de risque. Après, c'est pas plus mal non plus aussi. Hein. On joue à sécurité. Alors, allez, je vais regarder vos pronos dans le chat. Du coup, vous êtes nombreux à m'avoir mis vos pronostics, merci beaucoup. Je vois Annecy dans les 4 derniers, vu leur calendrier, le met Quentin. C'est vrai qu'il est pas facile leur calendrier, mais il est potable aussi. Hein. Forcément qu'une équipe qui joue le maintien aura toujours un calendrier pas facile. Parce qu'en général, les équipes qui vont jouer, il y a de grandes chances qu'ils soient meilleurs qu'eux au classement en tout cas. Tu vois. 2-1 pour le Havre, nous met Raphaël. 2-1 pour Annecy. Nous met Sonix d'Annecy, voilà, ça se lit aussi dans son pseudo. Mais voilà, une victoire des Annéciens. 2-1 pour Annecy, nous met Foxis. On a allé l'OM, nous met Damien. Voilà, un truc qui a totalement aucun rapport, mais ça fait toujours plaisir. 1-1, nous met Medo. Ouais, Medo qui paraît quand même 1-1 ou 1-0 pour Annecy. Original, 8-0 pour Annecy. Ouais, je prime Otaku, frérot, il faut doser quand même, c'est pas mal des fois. 2-1 pour les Annéciens, nous met Enzo. Ça ne marche pas pour moi le lien. Va dans la description, Zolon. Le lien dans le chat, il marche peut-être pas, mais le lien dans la description, il marche. 2-0 pour le hack nommé Loupi, 2-1 pour Annecy nommé Steph, 2-1 pour le hack nous remet Raphaël, ok, globalement là il y a des victoires du hack hein, globalement. Le Havre en Ligue 1, on n'a jamais vu ça de notre vivant nommé Maligno. Le Havre en Ligue 1, on n'a jamais vu ça de notre vivant. Attends, tu me mets le doute tiens. De ton vivant, je sais pas, mais est-ce que du bien. Non, je crois pas en vrai. Attendez, je vais regarder parce que je sais pas, dans mes souvenirs, je sais pas, j'ai un flashback de du Havre en Ligue 1, mais non, ça va pas, ça fait longtemps hein, qu'ils sont pas en. Ouais, non, t'as tout à avoir raison en vrai, je sais pas. Je veux du 2-0 encore pour le Havre, 2-1 pour Annecy en 2008-2009. Ah voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il y avait une année où. Enfin, du coup, j'ai pas dû regarder le match au moment où, parce que 2008-2009, j'étais pas très grand. Hein. J'avais 3 ans, 4 ans. Mais. Ouais, mais ils ont été quand même. Ça date pas non plus tant que ça, tu vois. Il y a quand même eu un moment où j'étais. Alors, s'il n'y a pas loin, il y a 15 ans, ils étaient en Ligue 1, il y a 15 ans, les gars, avec Placide. Ah ouais, Placide était dans les buts parce que Placide, maintenant, il est à Bastia.
Effectivement. Ok, il y a 15 ans, j'ai l'impression que je suis vieux un peu quand on dit, genre il y a 15 ans en mode pour moi j'étais pas né, bah si j'étais né. Bon, les amis, en tout cas le match entre Annecy et Le Havre va commencer dans pas longtemps. Les joueurs annecyens sont présents dans le tunnel. Les Havrais également. Petit point sur l'arbitre les gars. Petit point sur l'arbitre, ça fait jamais de mal franchement. On a l'habitude voilà, de parler un peu arbitrage. Bon, on va parler un peu de l'arbitre ce soir. Le match sera arbitré par Monsieur Olivier Tual. Un arbitre qui a pas trop l'habitude de mettre des cartons. Hein. Ça va, il a une moyenne de 0,29 cartons rouges par match. Seulement 3,41 cartons jaunes par match. C'est vrai que quand on compare avec un arbitre qui avait arbitré un match de Champions League, il avait une moyenne de 5 cartons jaunes par match. Monsieur Tual, c'est 3,41 cartons jaunes par match. Ça va, un arbitre voilà, habitué à les rencontres de Ligue 2. Un arbitre très expérimenté, hein, Olivier Tual. Il a arbitré plus de 100 matchs et en Ligue 1 et en Ligue 2. Rares sont les arbitres ayant fait ça quand même. 119 matchs arbitrés en Ligue 1, 106 d'arbitrés en Ligue 2. Il a fait un peu de Coupe de France, de Coupe de la Ligue. Il a même fait un match de Champions League, monsieur Olivier Tual. Belle petite carrière pour un arbitre. Voilà, pour un arbitre qui est bah, maintenant très expérimenté. Allez, l'entrée du coup des 22 joueurs sur la pelouse du Parc des Sports, c'est maintenant. Toujours avec le brassard arc-en-ciel, le flocage arc-en-ciel contre l'homophobie. Ça a été le cas tout le long du week-end en Ligue 2 et en Ligue 1. Et ça se poursuit jusqu'au dernier match hein, du championnat français de cette 35e, de ces 35e journée. Et en l'occurrence, ce soir, c'est de la Ligue 2, bien évidemment. Les amis, les joueurs qui se serrent la main tranquillement. Et le match va pouvoir commencer, les amis, tranquillement. Voilà, ça se serre la main. C'est vrai que le stade est quand même pas mal. Hein. Les amis, le parc des sports à Annecy, on voit les montagnes derrière et tout. Non, franchement, c'est. Enfin, les montagnes, c'est pas non plus des. Voilà, mais vraiment, vraiment, il est bien placé et tout. Un beau petit stade du côté de Annecy pour accueillir une belle petite affiche ce soir. Encore sous le, j'allais dire, sous le soleil annecyen. Peut-être pas, mais en tout cas sous le jour. Il fait encore jour. C'est vrai que ça fait toujours bizarre, les amis. Pour moi, quand il est 21h, enfin quand il est 20h41, il fait nuit, tu vois. Et en plus, en général, quand je suis en live, je ferme les volets et tout. Bah, pour moi, là, il fait nuit dans l'ambiance dans laquelle je suis. Il fait nuit, mais en fait, non. Il fait totalement jour. Voilà, je vous partage un truc qui est totalement évident. Vous êtes en train de me prendre peut-être pour un mec un peu perché, mais bon, c'est pas grave. Comme ça, j'aurai dit ce que j'avais à dire. Prono 1-0 pour le hack pneumatique, monsieur le Texier, il revient quand? Je sais pas, mais c'est vrai que le Texier, ça fait longtemps que j'ai pas vu le Texier, les gars, en Ligue 2 en tout cas. Bonsoir Nolan, en fait, le Texier, il a arbitré les matchs entre Le Havre et Saint-Etienne et après, il s'est cassé, il est plus jamais revenu en Ligue 2. Après, Annecy, c'est joli comme ville, mais Medo, ah, j'ai pas dit le contraire, hein, franchement. Pour la stat, Le Havre est la seule équipe des secondes divisions des 5 grands championnats à n'avoir chuté qu'une fois. Nommé Medo, ah ouais? Donc, et la seule équipe des deuxièmes divisions, ouais, en vrai, en même temps, il en fout hein, sur toutes les deuxièmes divisions des 5 grands championnats. Oh, en vrai, c'est pas si étonnant que ça, mais quand même, c'est intéressant de le dire. En gros, c'est pratiquement la meilleure équipe sur les deuxièmes divisions. Bon, après, c'est pas trop comparable parce que bah, c'est pas les mêmes niveaux et tout. Hop là, tac. Ok, bah écoute, je te le souhaite alors, Enzo. Allez, les amis, voilà, il y aura une petite photo bien évidemment autour de la pancarte. Là aussi avec l'arc-en-ciel. Alors que les amis, le match va pouvoir commencer entre Le Havre et Annecy. Allez les gars, on est parti. Bientôt, on est parti les amis, entre Annecy et Le Havre. Dans pas longtemps, ah, franchement, ce match est chaud. Alors on voit les supporters annecyens qui sont là, ils sautent. Les supporters d'Annecy vraiment voilà, sont présents ce soir. Les supporters Havre également sont là. Les deux coachs qui viennent se checker pour se souhaiter bien sûr un très bon match. Et voilà, c'est un match d'une extrême importance pour le maintien. Annecy qui s'est vu passer devant ce week-end après la victoire notamment de Laval de Dijon, Annecy qui a chuté dans la zone rouge. L'enjeu ce soir c'est sortir de cette zone rouge, hein, au minimum prendre un point. Un point ne leur permettrait sûrement pas de sortir de la zone rouge. Je crois qu'il faut quand même regarder goal à virage, les gars. On va regarder un peu le goal à virage entre d'Annecy. C'est vrai qu'on n'a pas parlé tout à l'heure du goal à virage. Annecy, les amis, qui a un goal à virage de moins 13, Dijon à moins 5, Valenciennes à moins 8, Laval à moins 12. Bref, ils ne sont pas trop avantagés par leur goal à virage. Donc voilà, un match nul ne leur permettrait pas de sortir de la zone rouge, mais prendre un point face à Havre quand tu as une équipe qui avant dernier, c'est sûr que c'est quand même pas mal. Et bien sûr, les Havrais doivent gagner pour s'assurer une place en Ligue 1 dès l'année prochaine. Bah, 99% sûr si jamais ils gagnent. Le coup d'envoi fictif qui est lancé, et le coup d'envoi sera lancé, il me semble, par des Havrais, l'ancien gardien Clermontois actuellement dans les buts du Havre, qui vient se placer dans ses cages. Et le coup d'envoi sera finalement pour Annecy avec Moïse Saïdi au coup d'envoi. On attend qu'il soit pile 20h45 pour lancer ce. Voilà, pour lancer le match entre Annecy et Le Havre. Et ensuite on sera perdu. Qu'est-ce que j'ai dit? Ensuite on sera parti entre Annecy et Le Havre. Allez, bon match à vous tous, que le meilleur gagne ici au Parc des Sports. C'est vrai que le stade est quand même bien rempli. Alors est-ce que c'est l'effet ouais, on joue contre le premier de Ligue 2, forcément que ça donne envie. Est-ce que c'est l'enjeu du match qui fait que je ne sais pas, mais en tout cas le stade est plutôt bien rempli. Allez, bon match à vous tous les gars, que le meilleur gagne entre Annecy et Bordeaux. Pas de spam, Enzo, je compte sur toi pour ne pas spammer. Et voilà.
Bon match à vous tous les gars, c'est parti entre Annecy et Le Havre. Et d'ailleurs non, j'ai fait un faux départ, le match n'est pas encore parti, c'est pourquoi l'arbitre il avait sifflé, il a pas sifflé, frérot, il est 20h45, il doit avoir un problème de communication. Le faux départ de ma part, désolé les gars. Ah non, lui là, clairement pas. C'est bon les gars, c'est parti, allez c'est parti entre Annecy et Le Havre. Voilà, excusez-moi mais on est bel et bien parti entre les Annéciens et les Havrais dans ce match ô combien important les amis, un match très très important ce soir pour Annecy, pour Le Havre. On l'a évoqué un tour de l'avant-match, on va pas répéter pourquoi, mais en tout cas il y aura directement une première touche à jouer côté gauche pour Le Havre. Le coup d'envoi a été lancé par Annecy et directement au bout de même pas 15 secondes, Le Havre qui met le pied sur le ballon, les Havrais qui vont tourner. Je vous règle les statistiques, 2-3 trucs que j'ai à régler et ensuite eh ben, on va pouvoir commenter ce match comme il se doit les gars. Ça va être bien pour le dernier match de la 35e journée de Ligue 2. Allez, ballon directement récupéré par Annecy côté gauche avec un ballon en direction de Rochi, le centre de Rochi qui est capté par Desmas pour le ballon dans les gants du gardien Havrais. Allez, je vous ai mis les statistiques les amis, maintenant je vais vous régler les cotes et tout sera bon normalement. Hop, Le Havre qui fait tourner tranquillement dans sa défense, ballon vers Desmas, Desmas balle au pied, Desmas, allez Desmas pour relancer, Desmas pour pour relancer loin, je sais pas, Desmas qui attend pour le moment. Et il va relancer avec son défenseur Desmas côté gauche pour servir Loris. On voit déjà des Havrais qui ont le ballon tranquillement, les Havrais. J'aime la composition du 11 Havrais. Bah ouais, une belle petite compo. Hein, allez, Le Havre, hein, franchement, belle compo. Ils sont, voilà, y a pas d'absent du côté du Havre. Même le banc, il est solide. Non, franchement, je comprends que tu aimes bien. Je comprends que tu aimes bien. Allez, va le récupérer par les Havrais. Ils font tourner. Hein, pour le moment, les Havrais dans leur camp, il n'y a pas grand chose à dire. On a quand même un mini pressing de la part d'Annecy qui tente de faire tomber Le Havre finalement. Ça contrer effectivement par un Annecien. Il y aura une sortie de but à jouer pour Le Havre. C'est la première sortie de but de cette rencontre. Allez, va le récupérer là peut-être par les Havrais côté gauche. C'est bien ce que fait Le Havre avec un bandeau de Targaline qui revient. Merci beaucoup les gars d'ailleurs pour les 67 likes. N'oubliez pas le petit like les amis. On fonce bien sûr vers les 100 likes. Ça fait toujours plaisir. Premier ballon pour les Havrais. La reprise de volée, pourquoi pas, c'est récupéré par Annecy. Et ce sera pas dégagé. Ça reste dans les pieds du Havre pour le moment qui domine. Ah, pour le moment, ça va. Bon, après, ça fait que 2 minutes que l'on joue. Donc c'est un peu compliqué de dire qui domine au bout de 2 minutes. Mais bon, ça reste quand même Le Havre. Hein. Ils ont pas mal de ballons depuis que le match a commencé. Ça peut très vite changer. Hein, puisque comme j'ai dit, ça fait que 2 minutes 30 que l'on joue. Mais ouais, Le Havre a quand même pas mal de ballons. Là on voit un premier beau mouvement aux abords, la surface de réparation du FC Annecy, bien que le ballon soit capté par Escalès. Déjà Le Havre montre, voilà, ils sont là quoi, les Havrais, ils sont là, les Havrais. Vous le voyez, hein, 78% à 22 la position pour Le Havre dans ce début de match. Déjà un tir, malheureusement il n'est pas cadré, ballon dégagé par Escalès. Salut à toi Ramti, les ballons dégagés là par le gardien de Annecy. La tête pour Temanfo, ouais, belle tête de la part de Temanfo qui vient remettre la tête. Le jeu qui, voilà, là il y a un jeu en l'air, le ballon qui est posé à terre par les Anneciens côté droit. Temanfo encore une fois, il a vu la appel de Vincent Pajot, ballon dans les pieds là, pourquoi pas de Chamal, Chamal le long de la ligne de touche, Chamal le petit pont sur un Havrais, c'est bien joué là, c'est bien ce que font les Annéciens. Ils s'approchent de la surface de réparation du Havre et ils vont pouvoir conserver le ballon avec un ballon qui revient dans les pieds des défenseurs. La Juji balle au pied, la Juji pour écarter à droite, la Juji avec encore une fois Chamal, Temanfo pour revenir, il y a Vincent Pajot le long de la ligne de touche, ça joue côté droit pour Annecy mais ce sera récupéré par les Havrais avec Alioui pour relancer, il va pouvoir revenir derrière avec Opéry pour servir Loris avec Sanganté. Le Havre fait tourner, il y a quand même un beau petit pressing de la part d'Annecy je trouve. Hein. En vrai Annecy met quand même un bon pressing, je sais pas combien de temps ça va tenir, hein. Franchement je sais pas combien de temps ça va tenir, est-ce que c'est juste pour faire un peu peur à l'adversaire ou est-ce qu'ils vont faire ça tout le long du match, mais franchement là il y a un bon pressing et ça empêche un peu Le Havre de ressortir. Bon, tout à l'heure on l'a vu, ils ont quand même réussi à sortir Le Havre, il y a très vite eu danger. Mais là voilà, là ça empêche un peu les Havrais à ressortir. Et d'ailleurs il y aura une touche côté gauche pour Annecy. Oh attention quand même les amis, parce que là Moïse Saïdion vient de foutre une patate à Sanganté. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 3 minutes 50 que l'on joue entre Annecy et Le Havre. Et déjà Moïse Saïdion vient taper dans la tête de Sanganté. Il n'y a pas la VAR en Ligue 2, donc si l'arbitre n'a pas vu ce qui s'est passé sur le coup, l'arbitre ne peut pas aller revoir les images. Mais Moïse Saïdion, ouais non, Sanganté frérot, t'as pas le droit. Sanganté il a profité du fait qu'il n'y ait pas la VAR. Il n'y a absolument rien les gars, il n'y a absolument rien. Moïse Saïdion, il a voulu un peu marquer son territoire, donc forcément Sanganté il se collait à lui. Bref, il y avait un peu de provocation. Voilà, c'est un peu le jeu défenseur-attaquant, hein. Le défenseur il montre qu'il est là, l'attaquant il faut aussi qu'il montre qu'il est là. Bon, Moïse Saïdion il a un peu poussé mais vraiment très vaguement, et Sanganté il s'est tenu la tête comme ça, il s'est roulé par terre alors que vraiment il n'y a absolument rien. L'arbitre ne s'est pas fait avoir et bon, il demande quand même le calme. Mais c'est vrai que Sanganté il y a quand même une belle simulation de sa part,
Et déjà, on voit, on voit un petit peu la nervosité, quoi. Il y a de la nervosité, il y a de l'intensité. Et forcément que Saïd Dion compte bien aller marquer, pourquoi pas son 14e, 15e, 16e peut-être but de Ligue 1 aujourd'hui. Et pour ça, voilà, faut mettre les défenseurs dans la poche. Salut moi, Stanteuil. Salut Omar, hein, qui nous relance. Comment tu vas, Omar? Salut le poète rebelle. Le match, il va y avoir des buts, nous met le poète rebelle. J'espère qu'il y aura des buts. J'espère bien qu'il y aura des buts, effectivement. Salut de Bucarest. Salut Pierre de Bucarest. Merci beaucoup, Laurent. Les amis, un maximum de GG pour Laurent dans le chat qui vient faire un don de 2 euros. Le Havre, bientôt en Ligue 1. Nous met Laurent. Bien évidemment, le Havre, je rappelle que s'il gagne, les Havrais auront 9 points d'avance sur le 3ème, le FC Metz. Or, 9, c'est le nombre de points maximum. Maximal, on va dire que les Messins peuvent prendre en 3 journées. Et le Havre, on va pas se mentir, s'il gagne ce soir, il y aura au moins un match. C'est les 3 derniers matchs. Bref, le Havre bientôt en Ligue 1. Comme tu le dis, Laurent, merci beaucoup pour le don de 2 euros et un maximum de GG dans le chat pour Laurent. Allez, le ballon qui revient dans les pieds des Havrais. L'arbitre qui vient arrêter le jeu, puisque le ballon, voilà, parce qu'il y a deux ballons sur la pelouse. Il y a un ballon qui a été mis en dehors et le ballon, du coup, enfin voilà, le jeu a pouvoir se poursuivre. Mais ça, quoi, il y avait deux ballons sur la pelouse, je sais pas pourquoi. Et il y aura un coup franc côté gauche. Merci beaucoup, Starsky Zax, pour l'abonnement. Et merci à toi, Laurent, pour le don de 2 euros. Vraiment pour l'énorme soutien. Un maximum de GG, les gars, pour Laurent. Salut, RFCGB. Comment tu vas? Salut à toi. Allez Bordeaux, qui pour Bordeaux Rodez. Allez au match, je peux dire. Mystique, quand il y aura plus de matchs en fin de saison, est-ce que tu feras des lives sur d'autres sports? Je pense pas, le pot être belle. Je vais bosser un peu sur les nouvelles interfaces et puis on fera peut-être des vidéos, tu vois. Sur YouTube, j'ai l'habitude de faire que des lives. Et j'aimerais bien faire un peu des vidéos et d'autres formats qu'on peut faire aussi sur YouTube. Bref, je verrai. Pour le moment, les amis, on va vivre la fin de saison et on aura l'occasion d'en reparler. En vrai, vous inquiétez pas, on en reparlera de tout ça. Attention, avec une touche à jouer côté gauche pour Anti dans leur camp. 6 minutes 20 que nous jouons entre Anti et le Havre ici au Parc des Sports, toujours 0-0. Entre Anti et les Havre, il y aura une touche à jouer côté gauche pour les Rouges. Alors que le coach Anessia, il donne de la voix déjà. Il est levé dans sa zone technique, Guillaume, et il donne ses consignes. Laurent Guillaume, le coach anessien, alors que Lucas Esner, plutôt calme. Hein, voilà, il n'est pas non plus réputé pour être Enfin, vrai, Lucas Esner, hein, on l'a pas vu souvent s'énerver. Et pour un moment, il est calme. Après, avec une équipe comme le Havre, il n'y a pas vraiment raison de s'énerver. Le centre de tellement de faux, ballon récupéré par les Havrais. Le contre à jouer pour le Havre côté gauche. Ballon vers les cales avec Targaline. Targaline, il est passé. Ballon dans les pieds de Alioui. Alioui qui est en train d'affoler la défense à l'essai. Ballon carte à droite vers Mahmoud. Mahmoud, balle au pied. Un appel de Alioui. Il y a également un appel côté droit de Richardson. Mahmoud qui revient à l'intérieur. Il y a un ballon côté gauche peut-être pour les Havrais. La passe en profondeur, c'était pour servir Casemir, l'attaquant Havrais. Malheureusement, la passe de Mahmoud était mauvaise. Elle était un peu trop longue. Le ballon est donc capté par le gardien de Annecy tranquillement, Escalès. Enfin, je sais même pas s'il a capté. Je sais pas s'il a laissé le ballon sortir en sortie but ou s'il l'a capté. Dans tous les cas, il y aura un ballon récupéré par Annecy. Alors qu'on revoit les diverses actions du match, les divers contacts qu'il y a eu, la belle montée de balle également d'Alioui. Mais pour le moment, c'est un match qui a plutôt bien commencé avec de l'intensité dans les duels. Voilà, il y a des bonnes courses, il y a des bonnes actions. C'est pas, voilà, le jeu n'est pas arrêté, on tombe pas dans un faux rythme ou quoi que ce soit. Non, c'est pas mal pour le moment. On espère que ça va. Continuez comme ça, allez, ballon récupéré là par les Havrais. Le Havre qui va pouvoir dégager ce ballon en touche, sur une touche, les amis, directement côté droit pour Annecy. Mais pour le moment, ouais, sinon c'est assez sérieux. Globalement, le Havre domine un peu, mais ils sont pas non plus au-dessus du lot, quoi. Allez, ballon vers Sanganté, Sanganté à droite. Même si c'est quand même, c'est vrai que c'est quand même eux qui ont fait les plus belles courses et qui ont pour le moment amené le danger devant les buts d'Annecy. Allez, devant le but d'Annecy. Et là, il y aura une récupération de ballon de la part des Havrais. Dans la surface de réparation, les Annéciens. Le ballon deuxième poteau. La frappe pour le. Ah, quoi, le poteau directement de Escalès. Oh là là, les amis, il suffisait que je dise ça. Et là, on voit la première vraie occasion de ce match. On sent quand même que le match entre le Havre et Annecy est un peu plus déséquilibré qu'il y a une semaine entre le Havre et Valenciennes. Valenciennes a réussi à. Non, entre le Havre et Rodez, excusez-moi. Entre le Havre et Rodez. Le Havre Valenciennes, c'est dans une semaine. Le Havre Rodez, c'était il y a une semaine. Et oui, voilà, ce match est un peu plus déséquilibré entre Annecy et le Havre que le match il y a une semaine entre Rodez et le Havre. Rodez a réussi à tenir jusqu'à la fin du match. Malheureusement, ils se sont pris un but contre leur camp en plus, c'était dommage. Mais là, on sent directement que le Havre a de nombreuses occasions. La tête pour les Havre directement sur ce corner. Et ça passe à côté des buts d'Escalès. Oh, aïe, les amis. Qu'est-ce que c'est chaud là, si Annecy ne règle pas quelque chose, ils vont prendre l'eau. Hein. Ils vont prendre l'eau et combien de buts ils vont se prendre également? C'est plutôt ça la question. S'ils ne règlent rien, les Annéciens, après, bon, pour le moment, ils ont tenu 10 minutes, c'est déjà ça. Et encore, même pas, ça fait 9 minutes que l'on joue. Ils sont pas encore arrivés à la 10ème. Mais wow, là, on vient d'avoir une frappe sur le poteau. Et en plus, quand je dis une frappe sur le poteau, c'est pas une frappe de 30 mètres sur le poteau. Hein. C'est une frappe qui, une fois sur trois, termine dans le but, hein, les amis. Donc c'est pour ça que le poteau, il faut s'estimer d'ailleurs heureux. Et derrière, sur le corner, il y a une tête Havrais qui passe juste à côté des buts d'Escalès. C'était chaud. Ballon récupéré par les Havrais. Et il y aura directement une sortie du but à jouer pour le hack avec d'espace à la sortie de but. Salut Jérémy.
En France, la plupart des stades ne sont pas pleins à part l'OM ou Saint-Etienne ou Lens. En vrai, ça va le poète Roubaix. Oui, c'est avec Lens, l'OM, Saint-Etienne, comme tu dis. Bon, après, Saint-Etienne, un peu moins quand même. En Ligue 2, il est pas plein. Il est quand même bien rempli pour des matchs de Ligue 2. Mais il est rarement plein quand même. En ce moment, en Ligue 2. En Ligue 1, pratiquement tout le temps, ouais, mais en Ligue 2, non. Paris, quand même, guichet fermé aussi. Non, non, on a quand même des stades bien remplis souvent. Après, on a quand même des bonnes ambiances en Ligue 1. Et merci beaucoup. Et en Ligue 2 aussi, merci beaucoup, Anos, pour le don de 2€, les amis. C'est le premier don d'Anos sur la chaîne supporter lillois qui nous met. J'espère que Lille maintiendra sa 5ème place. Nous met Anos, merci beaucoup pour le don de 2€. Le match nul face à Monaco leur permet d'être probablement 5ème. C'est ce que je te souhaite encore une fois. Vraiment, c'est ce que je te souhaite. Et la lutte pour le maintien en Ligue 1, elle va être aussi passionnante, comme tu dis, que la lutte pour l'Europe. Bien évidemment, Anos pour l'Europe, pour la 5ème place, notamment pour les Lillois. On vivra ça, bien sûr, sur la chaîne avec les multiplex. Voilà, les deux derniers multiplex qui sont bien sûr passionnants. Mais un maximum de GG les gars dans le chat pour Anos, le supporter lillois qui vient du coup soutenir la chaîne. Merci beaucoup pour le soutien avec le don de 2€, excuse-moi, merci à toi. Et bien sûr je te souhaite le meilleur pour la suite de l'aventure lilloise, pour essayer d'aller chercher l'Europe. Pour les Lillois, la conférence X, ce serait effectivement pas mal, hein. Ce serait une bonne chose à 5ème place pour le. Parce qu'il y aura une touche à jouer côté gauche pour le hack dans le camp de Annecy. Ouais, y a de nombreuses courses, hein. Ça court, ça donne hein, dans ce début de match. On espère que ça va pas baisser en intensité, en rythme. Même s'il y a quand même de grandes chances hein, effectivement que ça baisse, hein. Je pense pas que ça peut rester comme ça tout le long du match. Ça, les ballons pour les Havre, ils font tourner avec Sanganté. Sanganté à droite, Sanganté pour Savière et la Jam. Et la Jam balle au pied, la Jam, le long ballon de la Jam. Il sera en direction de Casimir. Mais c'est récupéré par la défense annecyenne avec un ballon récupéré encore une fois par Desmoncy. Très présent, Desmoncy au milieu de terrain là pour Annecy. Même si là, il y aura un long ballon pour Annecy. Je sais pas trop ce qu'il voulait faire en dégageant un ballon un peu comme ça hasardeusement, les annecyens. Mais en tout cas, c'est réciproque puisque du côté du hack. Ils font pareil, ils dégagent une grande balle, mais ça a récupéré par les Havrais avec Opéry. Balle au pied, l'arbitre qui vient saluer une faute de Casimir. Au moment où il a voulu mettre la tête, Casimir s'est appuyé sur le dos du défenseur annecyen. Il y a un ascenseur et du coup, il y aura un coup franc à jouer pour Annecy. Les amis, coup franc à jouer pour Annecy dans ce match. Dans leur camp, bien évidemment, bonsoir Eric. Il va y avoir plein de transferts à l'OM. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les mercatos pour longtemps. Hein. Allez, le Havre, Mélouli, c'est le Toulouli qui supporte le Havre, à mon avis, par procuration, comme on dit, je crois que c'est ça. Puisqu'il est supporter la Valois, donc. Salut Tomato, j'espère que Annecy va se maintenir. Je vous le souhaite. Voilà, on rappelle qu'Annecy a commencé la journée en étant en dehors de la zone rouge. À l'heure où on se parle, ils sont encore dans la zone rouge, mais on espère qu'ils vont bien sûr en sortir. Voilà, ils passent devant Dijon hein, avec le point du nul, les amis. Alors que, ouais, il y aura Cavallo blanc côté gauche là pour Desmoncy. Desmoncy s'est récupéré. Desmoncy vers le poteau de corner. Ballon qui va sortir en sortie de but à jouer pour les Havrais. Desmas et renvoie à 5m50. D'ailleurs les amis, quand on regarde le classement, c'est les mauvais plans d'être l'équipe qui joue en rouge. En général, le rouge attire le rouge. Valenciennes, Annecy, Dijon et Nîmes, tous pratiquement tous dans la zone rouge, ou très proche. Il n'y a que Guingamp qui s'en sort à peu près bien. Mais en général, jouez pas en rouge. Hein. C'est les mauvais plans. Franchement, allez, ballon. Et regardez, Ajaccio en Ligue 1. C'est pas génial. Il manquerait plus que Brest descende également en Ligue 1 et là. Vraiment, c'est pas le bon plan. Allez, ballon récupéré là par les Havrais côté gauche. Avec Loris. Loris va le pied. Loris pour servir Opéry. Opéry, il est passé. Opéry pour donner ce ballon à Targaline. Targaline qui a voulu la redonner à Opéry. La passeur un peu trop longue. Il y aura une touche à jouer côté droit, les gars, pour les Annecyens. Tellement de fois la touche. Et Rodez et Lens, alors. Oui, bah après, il y aura toujours des contre-exemples. Hein. Il y aura toujours des contre-exemples, Médo, mais bon. Et puis Lens, c'est sang et or. Donc il y a du sang, mais il y a aussi de l'or. Tu vois ce que je veux dire? Rodez, c'est pareil, il y a du jaune et du rouge. Nîmes, c'est que du rouge. Annecy, c'est que du rouge. Valenciennes, c'est pareil. Non, mais Médo, c'était pour c'était une petite remarque qui n'était pas forcément très pertinente, hein, t'inquiète pas. Toi, ça va, t'as pas de soucis à te faire, Médo. Normalement, tu supportes Saint-Etienne. En général, le vert, c'est plutôt positif. Allez, ballon récupéré par les Annecyens. Ballon récupéré par le à côté gauche. Bah, c'est bien fait ça pour les Havrais avec les cales. Les cales, il est passé. Les cales en direction, pourquoi pas, de Aliwi. Finalement, ça sera récupéré par les Annecyens. Ballon côté gauche vers Desmoncy. Desmoncy pour pourquoi pas servir Jean côté gauche. Jean, le long de la ligne de touche, il va pouvoir centrer le centre de Jean en direction de Moïse Saïdion. Le ballon capté par Desmas. Oh là là, attention quand même. Les Annecyens, ils peuvent faire quelques petites choses intéressantes par moment. Et ça peut un peu mettre en péril la défense havraise, même si pour le moment, elle tient quand même sans trop de difficultés. Il va falloir plus pour les stabiliser. Salut Talaladian, bienvenue à toi. Bienvenue Johan également. Ça va nickel, hein. Ça va nickel. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, les amis.
pour cette belle soirée Ligue 2 qui a commencé depuis un quart d'heure désormais hein, ce match. Toujours 0-0 avec une belle occasion pour le Havre. On a vu un poteau à vrai tout à l'heure. Et encore une fois, hein, je le répète, mais je trouve que c'est important. C'est pas un poteau d'une frappe de 30 mètres qui termine sur le poteau. Hein. C'est vraiment une frappe à quelques mètres du but qui, une fois sur trois, termine dans le but. Et ils doivent être heureux, les Alessins, de le voir sur le poteau cette frappe, parce que franchement, le gardien était battu. Allez, 0-0 toujours, alors qu'il y aura une faute de la part de Jean. De la part de Rochi, excusez-moi, sur un Havre. Coup franc à jouer côté droit pour le Havre sur la ligne médiane, sur la ligne médiane, le long de la touche, vers le banc des remplaçants. Désolé, mais le Havre a un mauvais budget et donc pour le mercato, ils vont faire une ou deux recrues. Donc ils vont redescendre comme ça, a toujours été le même RFCGB. On verra après les amis, c'est vrai que le Havre est vraiment solide cette année. Et maintenant, c'est vrai que la Ligue 1, ça va être un autre monde forcément. Et on leur souhaite le meilleur. On va pas non plus être pessimiste pour eux, mais forcément que ça va pas être facile. Les ballons par-dessus là pour les Havrais. La tête Havraise côté gauche en déviation, c'est bien joué. Ballon en direction là de Ali. Oui, peut-être c'est contré par un Alessien. Et ce sera dégagé directement par Annecy avec une touche à jouer côté droit pour. Côté gauche pour le Havre. Dans le camp de Annecy, le Havre fait tourner toujours. Ouais, c'est bien fait côté gauche, il n'y a pas d'hors-jeu. Il était tout seul, il s'est fait oublier. Les cales et le ballon qui sera finalement dégagé par Annecy encore. Salut Ako officiel qui paraît un 2-0 pour le Havre. Allez Annecy, sauvez-vous, nous met 5W30. Et ça peut se jouer bien sûr aujourd'hui. Hein. Un point peut être important également pour les Annéciens, même si c'est compliqué face à Havre qui pousse énormément. Ballon vers Alioui encore une fois. Alioui qui revient intérieur. Ballon qui va être. Ouais, il y a un changement d'aile de la part des Annéciens. Cette fois-ci c'est à droite avec Mahmoud balle au pied devant Rochi. Ballon dégagé par la tête d'un joueur d'Annecy sur la phase de réparation, mais ça restera toujours dans les pieds de Opéry côté gauche pour le Havre. Le centre Opéry contré par Temanfo, ça revient encore une fois dans les pieds d'Opéry. Opéry qui revient avec Targaline qui revient à son tour avec ses défenseurs. Annecy qui arrive quand même à faire reculer les Havrais. Sans Ganté à droite vers Richardson, il est passé le Brésilien avec Mahmoud encore une fois devant toujours Rochi qui est quand même de base ailier et qui revient défendre le centre là pour les Havrais qui a passé devant le but de Escalès. Il y aura une sortie de but à jouer pour les Alessins. Il y a eu une longue phase de possession pour le Havre. À mon avis, les Alessins sont heureux de voir ce ballon sortir en sortie de but pour pouvoir souffler un petit peu. Et d'ailleurs, il en profite Escalès puisqu'il prend vraiment tout son temps pour relancer. Voilà, mais il faut peut-être qu'il se dépêche un peu Escalès là. Il prend vraiment tout son temps, comme si on était à la 90e et qu'il était en train de gagner, tu sais. Allez, ballon côté gauche pour le dégagement qui a été réalisé par Escalès. Enfin, frérot, pas de spam. Et il y aura du coup une touche à jouer côté gauche pour le Havre. Le Havre qui revient avec son gardien Desmas. Alors que là, on voit Mathieu Bonnemer, le directeur sportif du Havre. Voilà, j'ai eu pas mal d'infos concernant. On va dire les choix de Bonnemer par rapport au mercato. Mais des infos qui viennent de vous, les gars, dans le chat. Donc voilà, je peux aller vérifier les sources. Mais je sais pas, on m'a dit qu'il cherchait notamment à recruter. Il y avait qui Crasso et Bouchoirie, je crois. Il m'avait dit un truc comme ça, je me rappelle. Je crois que c'est ça. Hein. Allez, ballon récupéré là par Adjam. Et Adjam côté droit. Et Adjam. Et Adjam qui revient. Les Havrais font tourner avec son Ganté vers Loris. Loris côté droit avec El Adjam encore. Allez, ballon pour le hack. Et il y aura une touche côté droit pour les Havrais. Ouais, voilà, on sent déjà que l'intensité a baissé. Hein. On sent, les gars, déjà que l'intensité a quand même baissé. Il y a Casimir à terre, les amis. Casimir qui va s'écrouler. Il y a eu un petit contact. Ouais, il avait bien contrôlé ce ballon de la poitrine. Et derrière, il s'est fait un peu ramener le pied. Une petite balayette de la part d'un Annécien. Coup franc à jouer pour le Havre dans leur camp, histoire de replacer un peu le bloc. Rien de plus. Alors, les amis, dites-moi un peu dans le chat. Même les supporters, voilà, enfin, tout le monde peut dire. Objectivement parlant, est-ce que pour vous Annecy va se maintenir ou pas? Voilà, je ne vais pas lancer un nouveau sondage parce que je laisse encore un peu le duel des fans. Je lancerai peut-être ce sondage en deuxième mi-temps, mais vous pouvez toujours me répondre dans le chat sans forcément sondage. Pour vous, objectivement parlant, est-ce que Annecy va se maintenir ou pas?
Sachant qu'on a vu le calendrier également en avant-match, donc ça peut être significatif. Enfin, il y aura une sortie de but, les gars. Sortie de but ou corner pour le Havre. Ouais, pour moi, c'était plus un corner pour le Havre. L'arbitre a décidé de signaler une sortie de but, alors que pour moi, il y avait un corner. Ouais, tant mieux pour les Anessiens. Il y aura du coup une sortie de but à jouer pour Annecy. Non, Annecy va descendre, nous met un bœuf Bourgui. Je pense pas, mais j'aimerais bien. Nous met 5W3, donc je pense pas qu'ils vont se maintenir, mais t'aimerais bien, c'est ça? Je crois bien. Oui, Annecy va rester. Je leur souhaite, hein, effectivement. Annecy est capable de se maintenir. Franchement, je sais pas, mais Polo, voilà, il est honnête. C'est des grands virains. Hein. Allez, ça fait 20 minutes que l'on joue. Il y a toujours 0-0. Est-ce que ce match ne va pas durer sur les 0-0 comme ça a été le cas il y a une semaine entre Rodez et Le Havre? Ou comme je le rappelle, hein, ça s'est décidé à la toute fin de match, hein, dans le temps additionnel, je crois, hein, 89e ou dans le temps additionnel, je sais plus. Il y a eu un but contre leur camp, hein, de la part des Ruthénois qui ont permis au Havre d'arracher le 1-0. Ballon contre vers Al-Ajam. Al-Ajam, il est passé. Al-Ajam qui revient intérieur. Al-Ajam, c'est bien joué. Al-Ajam pour servir l'écale. L'écale qui va pouvoir écarter encore une fois à droite avec un ballon vers Mahmoud qui se bat pour tenter de le récupérer. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué, c'est la part de Mahmoud qui va pouvoir écarter encore une fois à droite. Les Havre qui tentent de bouger au mieux pour essayer de libérer les espaces. On a d'ailleurs au milieu de terrain Targaline qui lève carrément la main pour se faire remarquer par ce partenaire. Il sera servi. Targaline côté gauche. Allez, Targaline encore une fois. Targaline qui revient à l'intérieur. Targaline pour écarter à droite avec El-Ajam. Annecy, on sent que depuis qu'il y a eu cette frappe sur le poteau, ils ont réglé 2-3 trucs, Annecy, et le Havre a du mal à passer dans la défense alessienne. Et voilà encore un ballon récupéré par Annecy côté gauche. Ballon en direction, pourquoi pas, là du numéro 26, c'est Philippe Ono. Philippe Ono qui va perdre ce ballon, c'est récupéré par le Havre encore. Les cales pour poser le jeu avec ses défenseurs. Tranquillement, ballon vers Targaline encore. Targaline pour relancer. Ouais, c'est bien fait. Les cales à gauche vers Opéry. Opéry pressé. Opéry vers Targaline encore une fois. Targaline, Opéry. Opéry. Opéry le long de la ligne de touche. Opéry pour Targaline. On est pile sur la ligne médiane. Targaline qui revient avec ses défenseurs. Loris. Lior va se maintenir à coup sur le Médo. Lior, on rappelle les gars, c'est mort. Salut Jérém76. Salut à toi. Ça va être compliqué, Dijon et Laval sont sur une bonne dynamique. Ouais, c'est vrai. Ça par contre, c'est à prendre en compte. Hein. Dijon et Laval, ils sont vraiment bien en ce moment. Comme tu dis, bah, voilà, ils ont gagné notamment ce week-end. C'est vrai qu'ils ont l'air quand même bien. Après, Annecy, s'ils font nul ce soir, ils ont un point d'avance sur Dijon. Ce qui n'est pas négligeable. Et s'ils peuvent gagner ce soir, sait-on jamais. Merci beaucoup les gars pour les 100 likes. Des gros GG les amis à vous tous pour les 100 likes. Vous pouvez vous mettre, bah voilà, des GG. On veut atteindre les 100 likes, j'avais même pas vu. Merci beaucoup les gars pour les 100 likes, ça fait plaisir. Un grand merci à vous. Allez, les Havrais qui font tourner, ils vont pouvoir venir avec leur défense sans grand T vers Loris. Loris pour donner ce ballon à Desmas. Desmas de dégagement, peut-être le Desmas. Desmas qui va, ouais, ils prennent leur temps. Ok, on a. Voilà, tranquille les gars, ce match pour le moment. Franchement, c'est pas. C'est dommage, enfin, c'est dommage. Ou pas, après, c'est normal, ça peut pas rester un peu comme ça pendant 90 minutes, mais. Ça va plutôt bien commencer. Quand je dis bien, c'est pour nous téléspectateurs, quoi, avec beaucoup d'intensité, voilà, ça courait, il y avait les actions et tout. C'est un peu calmé, après c'est normal aussi, hein, faut pas non plus utiliser toute l'énergie des débuts de match. Il ne pouvait pas rester pendant 90 minutes comme ça, mais on espère qu'il y aura des petits temps forts, des trucs comme ça. Parce que ça s'est un peu calmé, il y aura une touche côté droit là pour Annecy. Mais après ça s'est un peu calmé également en faveur d'Annecy, hein. Je trouve que Annecy va bien mieux, hein. et le Havre a un peu plus de mal également de passer voilà, ils ont un peu plus de mal pour passer dans la défense annecyenne. Donc forcément qu'il va falloir utiliser un peu plus d'énergie. Allez, bon, vers El-Ajam. El-Ajam s'est passé. El-Ajam à droite avec Richardson qui a voulu aller vite, pourquoi pas, hein, avec des transmissions rapides. Ils peuvent très vite être mis en péril la défense annecyenne. C'est pas non plus voilà, ils sont mieux, mais je pense qu'il y a quand même des espaces, hein. Allez, les Havrais qui reviennent quand même avec leur défenseur Opéry à gauche. Opéry qui va pouvoir servir Targaline encore. Targaline qui va pouvoir donner ce ballon à Casimir, la transversale côté droit en direction de Richardson qui a voulu contrer ce ballon. C'est dégagé par la tête d'un Alessien, mais ça restera dans les pieds du hack. Long ligne de touche, on a le coach Alessien qui donne ses consignes. C'est d'ailleurs assez drôle à voir. Limite, il dit à ses joueurs quoi faire, hein. Vraiment, c'est le principe d'un coach. Mais chaque joueur, il leur commande les déplacements. Allez, ballon vers Desmas. Desmas à gauche encore. Médo, attends, tu l'avais pas déjà faite celle-là, Médo, ou alors c'est quelqu'un d'autre, mais je crois bien. Laval est sur une bonne dynamique, mais trop petit point de Sonic d'Annecy. Après, oui, bon, ça veut rien dire. Si, ça veut quand même dire quoi, ils sont bien en ce moment, mais après, ça peut toujours aussi. Il reste plus que 3 matchs, hein, donc bon, on va très vite aussi, hein, d'un sens comme dans l'autre. Hein. Allez, ballon vers Loris à gauche, Loris, ah voilà, il me semblait, Médo. Bah, il y a une semaine, je pense que c'était une semaine, Desmas. C'était clairement il y a une semaine, le Havre jouait, t'as dû faire la même. Mais bon, c'est pas mal, t'inquiète pas, il y en a d'autres qui n'ont pas vu cette blague, comme ça tu fais profiter à tout.
Allez, les Havrais, ils font tourner dans leur camp et on se fait chier pour le moment. Allez, ballon côté droit avec eux. Allez, oui, allez, oui, il est passé. Et l'arbitre vient signaler une faute. Allez oui sur la Jujim, alors récupéré par Anti. Bien sûr les gars, je rigole, hein. Franchement ça va, ça fait 24 minutes que l'on joue. Il y a eu des choses à... Il y a eu des belles choses, il y a eu des trucs à dire. Franchement j'amuse hein, quand on se dit qu'on fait chier. Voilà, c'est des façons de parler les gars, vous m'avez compris. Dans tous les cas, pour le moment en tout cas, voilà, au niveau des statistiques, 3 tirs à 0 hein, pour le hack. 1 tir cadré à 0 pour le Havre, Anti un peu inexistant. Ou en tout cas dans, voilà, dans le jeu, ils ont pas trop leur rôle à jouer quoi. Les Alessiens c'est un peu ça. Allez, 25e minute de jeu, toujours 0-0. On vient d'atteindre la 25e minute de jeu. Alors que Lucas Elster, lui aussi, qu'on voit sur son banc, ouais, il parle quand même pas mal aussi. Hein, Elster, il donne les consignes. Ici, tu mises qui pour la Ligue 1 entre Bordeaux et Metz. Ah, ça, c'est une question. Je déteste répondre à cette question. J'irai un peu Bordeaux. Pour moi, le point qu'ils ont d'avance sur les Messins, ça va vraiment leur servir. Après, pour moi, ça va jouer un point. Après, bon. Je sais pas franchement. Allez, ballon vers Annecy encore une fois. Manga vers la Juji. La Juji à droite. C'est ça, Brazer. C'est ça. Targaline. Allez, ballon dégagé là par Escalès. Le grand dégagement d'Escalès. Le gardien Annecy en direction de Moïse Saïdion. Ouais, il est un peu tout seul. Hein. Saïdion, il est tout seul en attaque. Le ballon contrôlé par Desmas. Desmas pour relancer à droite. Desmas, le contrôle pour le Havre, il est bon. Les Havrais qui reviennent sur leur, ouais, sur leur pas. Desmas qui sera peut-être encore une fois servi. Ouais, ils ont quand même du mal hein, les Havrais à pour relancer. Franchement, Annecy, pas mauvais. Hein. Ils se sont vraiment bien relevés. Alors que je me suis dit, peut-être ils vont prendre l'eau. Bah non, finalement. Allez, ballon quand même. Qui arrive à, ouais, ils ont réussi à relancer là, les Havrais. Et derrière, lorsqu'ils ont réussi à sortir du camp de leur camp, le Havre, ça peut faire mal. Les cales côté gauche, les cales pour Opéry. Opéry, le ballon en profondeur pour Savière. Allez, oui, à la course. Allez, oui, qui sera le premier sur le ballon. Targaline qui va sauver ce ballon. Targaline, encore une fois. Targaline qui revient peut-être derrière. Avec Opéry, non, Targaline qui préfère carrément revenir avec les cales, le petit ballon côté gauche, vers Opéry, il y a de l'espace, s'il n'y a pas de hors-jeu, ça peut donner quelque chose malheureusement. Il y aura une position de hors-jeu si elle est par l'arbitre de ce match. Toujours 0-0 entre Annecy et Le Havre, les amis, tranquillement pour le moment, hop. Hop. La jam s'est relancée. Salut Dimitri. Parce qu'il y avait du spam enfant. Le Havre, allez, le Laurent, on voit les messages, Jérémy, t'inquiète pas. Nantes bientôt en Ligue 2, nous met Laurent. Compliqué pour les Nantais. Après, ils ont pris un point ce week-end, c'est pas plus mal, mais enfin, ça va, tu vois. Mais ouais, c'est pas non plus la joie, quoi. Salut Dimitri. Allez, il y aura une touche, les amis, à droite pour le Havre avec Eladjam à la touche. Eladjam qui va pouvoir jouer cette touche avec Sanganté peut-être. Non, Eladjam qui revient vers carrément son gardien Desmas. Allez, Desmas encore à gauche. Loris. Loris pour écarter, Loris, mais le Havre, ils n'arrivent plus à sortir de leur camp. Le Havre, les amis, n'arrive pas à sortir de son camp, c'est incroyable. Mais bon, après, Anti, ils n'arrivent pas non plus à rentrer dans la surface de réparation, les Havrais. Hein. Voilà, faut le voir aussi dans ce sens-là. Mais même, hein, je trouve ça vraiment. Ouais, ils ont du mal hein, maintenant, le Havre. Anti a réussi comment là. Ils ont réussi à vraiment empêcher les Havrais de gagner du terrain. Donc forcément, si t'arrives même pas à rentrer dans les 30 mètres adverses, bah là ça devient tout de suite plus compliqué. Et il y aura un ballon récupéré par Annecy à droite. Témant de faux. Allez, témant de faux, il y a de l'espace, il y a un appel. Côté gauche, pourquoi pas. Ils sont un peu à l'arrêt quand même les Annecyens, les amis. Ballon quand même côté gauche, c'est bien fait. Ballon en direction de Rochis, c'est récupéré par les Havrais. Là il y a un contre à jouer pour le hack. Ballon côté gauche avec un ballon vers Targaline. Targaline vers les cales côté gauche, les cales en direction du numéro 23, je crois que c'est Casimir. Casimir qui revient à l'intérieur. Casimir c'est bien joué. Casimir encore il va pouvoir écarter. Aïe, la passe de Casimir, elle est un peu trop longue. Et il y aura une sortie de but à jouer directement pour Escalès. Renvoi à 5m50 pour les Annecyens. Annecy joue une finale. Je sais pas si on peut. Je pense pas que c'est encore vraiment une finale. Les finales, on va dire, elles arriveront 37e, 38e journée lors des deux derniers géants multiplex. Qui vont être d'ailleurs exceptionnels à vivre, les amis. Vraiment, ça va être incroyable. Là, on va dire que c'est une petite finale. Dans le sens où vraiment, c'est vrai que s'ils gagnent ce match. Bah ils se mettent plutôt bien pour le maintien. Après, bon.
c'est pas encore, on va dire, c'est pas encore la victoire ou le maintien, la victoire ou la relégation. En mode, si ils ne gagnent pas, c'est pas non plus, ils sont pas relégués, quoi. Alors, ouais, j'ai vu ça, Omar. J'ai vu ça. Allez, il y aura les amis un coup franc à jouer pour Annecy. Coup franc à jouer, les gars, pour Annecy. Franchement, les amis, un peu plus près le micro. Ah ouais, genre vous m'entendez pas assez. T'as essayé de monter le son ou pas? Parce que normalement j'ai rien changé au micro. Mais ouais, du coup, coup franc, les gars, à jouer pour Annecy. Vous avez vu, je vous ai mis la petite animation parce que vraiment il se passe pas grand chose dans ce match. Donc bah forcément que si bon. Un petit coup franc comme ça, ça peut toujours donner quelque chose. Bah, en deuxième poteau, la frappe de Théman Faux. Bah voilà, j'ai pas eu tort de mettre cette animation parce qu'il y a une belle occasion pour les Annecyens. Le coup franc qui a été frappé, deuxième poteau, ça a été dévié par la tête d'un joueur du FC Annecy. Théman Faux qui l'a repris, deuxième poteau. Malheureusement, sa frappe qui s'envole au-dessus des buts du gardien Avray Desmas. Sortie but à jouer pour le hack, mais une belle occasion quand même là pour les Annecyens. Et ça montre que Annecy, sur un coup de pied arrêté, sur quelque chose, et bah ils peuvent marquer. Hein, pourquoi pas les Annecyens? Et en vrai, ils se sont plutôt bien relevé après un début de match qui a été un peu compliqué. Il y a eu des belles occasions, etc., pour le Havre. Bah franchement, je me demande, ouais, ce match va être intéressant, vraiment ce match va être très intéressant à suivre, et il n'est vraiment pas joué d'avance. Salut Antoine qui le rejoint. Hey, Maël frérot, arrête avec ça s'il te plaît, parce que je sais pas ce que tu veux dire en fait. Vraiment, Maël, je sais pas ce que tu veux me dire frérot. Il y aura une touche à jouer côté droit, je sais pas ce qu'il raconte. Primo Taku, j'ai l'impression qu'il se fout un peu de moi en fait, et j'aime pas. Non, je rigole, en vrai. Maël, explique-moi, sinon je connais pas ce joueur. Allez, ballon dégagé, il a parlé. Ça fait au moins 2 mois, il me parle de joueur. Je demande c'est qui, et il ne raconte jamais qui c'est. Allez, il y aura une touche, les gars, à droite pour Annecy. Témoin de fois la touche. Allez, c'est joué. Le ballon récupéré par Annecy. Il y aura une touche, les gars. Il y aura une touche côté. 3 encore pour les Annecyens, ouais, mais c'est une dinguerie, hein, Jérémy. C'est pour ça que c'est même pas. Genre, c'est trop, tu vois. Avec Pajot, il est passé. Aïe, Pajot, il a voulu jouer cette touche avec un coéquipier. Ce coéquipier lui a remis le ballon, mais malheureusement, il a mal contrôlé le ballon, Pajot. Donc, tu as un ballon récupéré par le Havre. Dégagement pour les Havrais, il sera long, ce dégagement en direction de Casimir qui tente de mettre la tête. Finalement, ce sera sur la tête de Mwanga, le défenseur de Annecy. Et il y aura une touche à jouer côté gauche pour le Havre. Merci beaucoup les gars, un grand merci pour vos 122 likes. Merci également à ceux qui s'abonnent, on est bientôt 28 530. Merci beaucoup les gars. Merci à vous tous. Stop. Desmas qui a pas relancé le dégagement, les amis de Desmas. Il est long le dégagement de Desmas, plutôt long. Hop. Allez, ballon qui restera quand même dans les pieds du gardien. Non, même pas, non, ça sera récupéré avec Opéry au côté gauche. Opéry vers l'écale, le centre de l'écale. Ouh, le centre de l'écale, c'était un peu un centre vicieux, genre en mode centre un peu frappe. En mode, c'était de base un centre, mais la trajectoire de ce centre a fait que ça a failli lober un peu le gardien, ou est-ce que je veux dire. Mais il y aura dans tous les cas une sortie but à jouer pour Annecy, alors que ça fait 2 minutes que nous avons dépassé la demi-heure de jeu dans ce match entre les Annecyens et les Havrais. Toujours 0-0, les gars, à faire un petit point au niveau du classement. Le Havre qui a actuellement 6 points d'avance sur Bordeaux, ce qui est plutôt pas mal. Annecy qui est à 1 point devant Dijon, qui revient à égalité de points avec Valenciennes, ce qui est pas mal aussi pour Annecy, hein, prendre le nul face au Havre. Je pense qu'ils seront contents, hein, les Annecyens, si ça arrive à prendre le nul. C'est un point qui peut s'avérer vraiment très précieux pour le maintien. Et il y aura une touche à jouer côté droit là pour le Havre. Quant aux statistiques, les amis, les gars, un petit point statistique, 27% à 73% hein, la position pour le HAC. 3 tirs à 2 pour les Havrais, 1 tir cadré à 0 pour le Havre. Annecy n'a toujours pas cadré. Les ballons récupérés encore là par les Annecyens. Ils ont quand même un peu plus le ballon, hein, Annecy. À mon avis, la position devrait un peu changer, je pense. Allez, Mwanga vers Jean côté gauche. Jean avec Rochi. Chimalopi, le ballon sera récupéré par les Havrais. Allez, ballon quartier côté gauche pour le Havre. Oui, c'est bien joué, les contrôles d'Alioui. Alioui pour relancer. Alioui, c'est finalement récupéré par Annecy. Et Annecy qui revient derrière avec son gardien. Ballon dégagé par Escalès. Allez, le ballon de Escalès, la tête là pour le hack. Ballon qui va sortir en touche côté droit. Il y aura une touche à jouer pour les Annecyens. Témoin de faux, la touche qui est jouée. Il s'en fout, Témoin de faux. Il a pris le ballon. Il était pratiquement. Sur la piste d'athlétisme qui est autour de la, voilà, qui est autour de la pelouse. Il a joué sa touche depuis la piste d'athlétisme. Allez, il y aurait un ballon dans les pieds du gardien Escalès. Je suis vraiment en train de commenter l'endroit où il a joué sa touche, Témoin de faux. Non, c'est vraiment qu'on a rien à se mettre sous les dents, hein, vraiment. J'espère que ça va changer, hein, parce que pour moi on en rigole, mais là, waouh, ça devient, comment dire, préoccupant, quoi. Franchement.
Et là, il y aura un contact de Vincent Pajot. Il n'y a même pas de carton jaune, de rouge, il n'y a même pas des gros tags. Genre, faut que ça, au pire, la bagarre un peu, je sais pas. Voilà, il n'y a rien, les gars. Non, mais souvent, on rigole, on aime quand même quand c'est dans les respects, quoi. Allez, 0-0 en 36. Et le Havre, il y aura du coup une faute de Vincent Pajot sur Targaline. Il y aura un coup franc à jouer pour les Havrais dans leur camp. Le temps que Targaline se relève. Effectivement, on a Anos qui nous met 1-0 pour Sampdoria. Je vous ai mis d'autres scores. Le Betis mène 1-0 face à Vallecano en Liga. Sampdoria mène 1-0 face à Empoli en Serie A. 0-0 entre Leicester et Liverpool en Première Ligue. Et on rappelle qu'en National, Martigues a fait un partout face à Nancy. Martigues est premier en National, mais ils n'ont qu'un point d'avance sur le deuxième. Le deuxième qui est à égalité de points avec le troisième. Le troisième qui a que 2 points sur le quatrième. Enfin bref, ça se joue à pas grand chose. Et c'est les deux premiers de National qui montent en Ligue 2. Donc on suivra un peu la National, je pense, dans ces derniers jours, enfin dans les jours qui suivent. Yo, j'étais au stade de Clermont hier, c'était incroyable. Ah bah tu m'étonnes, Mills, belle victoire. Hein. Bienvenue à toi, en tout cas, Mills. C'est quand que le Havre peut être champion? Pas encore ce soir. Je sais pas, après faudra faire le calcul, mais allez, il y aura une touche, les amis, à jouer côté gauche pour les Havrais avec à la touche Opéry. Allez, Opéry à la touche. Bah, en vrai, après ce match-là, il restera 3 matchs à jouer. Imaginons le Havre gagne ce soir et gagne lors de la prochaine journée. Ils seront champions. Allez, ballon côté droit là pour le Havre. Ils peuvent être champions deux journées avant la fin. Allez, la vraie que l'on balle encore une fois. Elle a jam qui va pouvoir revenir toujours. Elle a jam, c'est bien fait. Elle a jam pour peut-être. Allez, à vrai, il faut prendre des risques. Hein. Faut prendre des risques quand même parce que bon, après, bon, voilà, c'est pas non plus à eux de prendre des risques. Hein, les à vrai, je pense que ils continuent de faire tourner sans trop se fatiguer. En plus, sans trop le prendre de risque, c'est plutôt Anti qui va se fatiguer à force. Et c'est peut-être en deuxième mi-temps que la va réussir à ouvrir le score. Mais bon, c'est vrai que c'est pas non plus très spectaculaire ce match. Allez, ballon dégagé là par les Anessiens. Ballon contrôlé par Desmas. Desmas à gauche avec Opéry vers Targaline. Targaline le contrôle. Targaline, le long ballon de Targaline. Il est contré par un Anessien. La tête encore une fois pour le Havre. Le contrôle de Targaline avec Témanfo qui tente de récupérer le ballon. Il va y arriver avec Démonci pour relancer. Et alors Philippono à droite. Philippono vers Vincent Pajot. Pajot pour revenir avec Témanfo. Témanfo avec le ballon en direction toujours de Démonci. Ouais, c'est bien fait. Ballon écarté à droite. Il y aura une touche à jouer pour Anti côté droit. Allez Anti, t'as mis 30 euros sur Anti. Ouais, t'es chaud toi, Eddy. Hein. Gros, je te souhaite vraiment le meilleur. Hein. Mais le Havre a perdu qu'un seul match cette saison. Hein. Sur 34 matchs qu'ils ont disputés, ils en ont perdu qu'un. Donc bon. Après, frérot, t'es chaud. Hein. La cote de la victoire d'Anti, elle était à... Bon, ça dépend quand t'as pris la cote sur quel site. Mais en tout cas, elle était à 4,50 avant le match. Donc bon. N'empêche, la cote de la victoire du Havre était quand même à 2. Hein. Après, c'est vrai qu'un nul est vite arrivé. Donc bon. Ah Mills, trop de choses à dire là-dessus Mills. J'en réserve, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, je sais pas. Allez, il y aura en tout cas les amis une sortie de but à jouer pour Havre. Allez, sortie de but à jouer pour le Havre. Desmas à la sortie de but. Punaise, les gars, franchement, ce match, j'espère qu'en deuxième mi-temps ce sera à peu près cool quand même. J'espère les amis qu'en deuxième mi-temps il se passera des choses quoi. Parce que franchement, moi demain j'ai un DS les gars. Je me suis dit ce match ça va être un beau match, c'est un match important et tout. Vas-y, je réviserai après, tu vois. Là les gars, j'ai un peu le seum. Allez, ballon dégagé par Desmas. Oh attention, ballon en direction de Démonci. C'est récupéré par les Havrais côté droit. Et Mansi qui peut remettre sur ballon, mais ça revient toujours dans les pieds du Havre. Tu vas faire Inter contre Milan en championnat. Je pense que oui, Omar. Real contre City, c'est sûr. Demain, c'est genre à 90% sûr Inter contre l'AC Milan. Et voilà. Coup franc à jouer, les gars. Coup franc à jouer à droite pour le Havre. Là aussi, les amis, et ce qu'on va faire, c'est que... Allez les gars, on va mettre la petite animation. Parce que franchement, un coup franc comme ça peut peut-être donner quelque chose. Ballon vers elle a jam pour servir l'écale, il est passé. Ballon récupéré par les Anessiens finalement. Oh, il y avait un petit mouvement là. Voilà, c'est enflammé les amis hein. Salut Jérôme. Oh, 1-0 pour pour Anti. Salut Aerox, salut Sergio qui nous rejoint. Allez, le Havre nous met Sergio. Salut également Loris qui lui aussi supporte le Havre. Cette semaine, tout s'est passé en deuxième mi-temps. C'est très vrai ça par contre.
C'est très vrai ça par contre. Et donc si ça risque d'être le cas encore aujourd'hui. Hein. Allez, ballon dégagé directement par le gardien d'Annecy. C'est dégagé avec Escalès. Escalès, c'est un ballon qui va revenir dans les pieds des Annéciens. Annecy qui revient avec Escalès toujours. Escalès, c'est dégagement d'Escalès. Il se rallonge la tête, le témoin de faux. Le ballon contrôlé là par les Havrais à gauche avec Opéry. Opéry, il est passé. Finalement, il y aura un coup franc peut-être à jouer pour Annecy. Non, finalement, l'arbitre qui laisse l'avantage. Ballon dans les pieds de Manga avec Corentin. Pourquoi j'ai Corentin Jean dans la tête? Ça doit être un autre joueur. Lui, il s'appelle. Gabi Jean. Ah, le mec s'appelle Gabi. Ok. Je dis ça parce que je sais pas. Pour moi, c'est un surnom. Tu vois, les ballons récupérés par les Havrais. Ça va être écarté à gauche. C'est récupéré par Annecy dans le camp du hack avec Mwanga. Les gars, je suis vraiment désolé. Hein, mais il y a rien pratiquement dans ce match. Et c'est vrai que je fais que dire ballon récupéré par. Parce que franchement, en gros, ça. Ballon dans les pieds du Havre, après dans les pieds d'Annecy, etc., etc. Ça change de porteur de balle au milieu du terrain, mais sinon il ne fait pas grand chose quoi. Allez, ballon récupéré par les Havrais. Aïrock, frérot, si seulement j'avais la réponse, Aïrock, je sais pas, moi aussi j'étais victime. Salut Swapper, salut à toi Swapper. Force à toi. Comment vas-tu? Bienvenue, bienvenue. Ça fait longtemps, tiens, Swapper. Bienvenue à toi. Attention les amis, 40e minute de jeu, là, dépassé. On a dépassé les gars la 40e minute de jeu. Il reste 5 minutes avant la fin du temps réglementaire cette première mi-temps. Avant de passer également au jeu, les amis de la mi-temps. Et pourra passer 5 minutes également avant de rentrer dans les arrêts de jeu. Il y aura, bon, après, je pense pas qu'il y aura beaucoup d'arrêts de jeu. Hein. J'ai failli m'endormir de mes malignos. Je te comprends, t'inquiète pas, frérot. Son ballon écarté côté gauche là pour les Havrais. Ouais, c'est bien joué. Ballon vers Opéry, le centre de Opéry. Contré par le pied gauche. D'un Annécien, les amis, il y aura du coup un corner, je crois, joué pour le hack. Je crois bien que ce sera un corner, les gars, pour le hack, si je me trompe pas. Il me semble. Et ouais, corner pour l'après. Allez, les gars, corner, peut-être que ce sera un corner. Bien joué, Swapper. Pas encore fini, mais bien joué en tout cas. Attention avec le deuxième poteau, la tête là pour les Havrais. La tête en remise. Oh, les Havrais qui réclamaient quelque chose. Les Havrais qui réclamaient. Ok, j'ai cru qu'ils réclamaient une main, mais non, ils réclamaient juste un nouveau corner. Ils l'auront, les gars. Il y aura un nouveau corner à jouer pour le hack. Corner, deuxième corner consécutif. Il y avait un ballon un peu deuxième poteau. Et finalement, voilà, ça a été touché par un Annécien. Corner à jouer avec Aliwi qui va jouer ce corner. Cette fois-ci de l'autre côté. Allez, pourquoi pas, les gars, pourquoi pas. T'as vu la victoire de Elche? Ah, je vais. Attends, c'est passé quand ça, Anous? Comment ça, frère? Attends, je suis passé à côté de l'info là parce que Elche qui gagne face à l'Atletico alors que l'Atletico est deuxième, je crois bien, ou en tout cas était deuxième avant ça. Et Elche qui joue le maintien, si je me trompe pas. Donc, franchement, allez, ballon côté où je vais à l'écale qui revient à l'intérieur, l'écale, le centre de l'écale, deuxième poteau, ballon récupéré par Annecy. Attendez, mais je suis passé à côté d'un truc ou ça se passe comment? Ah oui, ils ont perdu 1-0 contre Elche. Et ah oui, mais en plus Elche, ils sont vraiment derniers quoi. Genre vraiment, ils sont 19 points. Ils sont vraiment. Ils sont déjà relégués. Ok, putain, j'ai raté quelque chose. Et le corner qui est donné de rail, hein, les amis, là pour le hack. Alors que voilà, on voit de nombreuses personnes présentes en tribune qui ne doivent pas forcément énormément. Se faire plaisir, mais bon, on va dire que tout va jouer en deuxième mi-temps. La Ligue 2, elle nous habitue à faire les dingueries en deuxième mi-temps. On espère que ce sera le cas ce soir. Sortie de but à jouer pour le gardien d'Annecy. C'est dégagé par Escalès. Escalès, le ballon qui sera dégagé loin la tête de l'Écalais. Mais cette tête de l'Écalais. Salut, The Futur. Je sais même pas si je t'ai salué. Salut à toi. Et il y aura un ballon récupéré par le hack. L'arbitre de ce match, monsieur l'arbitre, il a salé un coup franc. Ouais, il y aura une faute, les amis, sur Vincent Pajot. Coup franc à jouer pour Annecy. Bah, dis donc, les gars, c'est que franchement, on a. Ouais. On a des beaux coups francs là tout à l'heure. On a eu un enchaînement de corner. Là, on a très très beau courant parce qu'il y a eu, une espèce de claque de sanglanté dans le visage de Vincent Pajot. Il y aura du coup un beau coup franc à jouer pour les Annéciens. Et on va suivre ce coup franc. On est à quelques mètres de la surface de réparation de l'Esmas. Il peut se frapper directement si jamais le frappeur Annécien est chaud. Sinon, il peut éventuellement frapper dans la surface de réparation. On va suivre ça. Mais bon, ouais, bon, frapper directement, ça risque quand même d'être un peu délicat. On est quand même à entre 10 et 15 mètres de la surface de réparation. Donc, bon, c'est quand même assez loin. Il y en a qui l'ont déjà fait après les amis, mais je pense que le choix le plus judicieux pour Annecy, ce serait soit de revenir derrière et de faire tourner pour construire l'action, ou alors pour moi mettre un ballon dans la surface. Après, ouais, non, en vrai ça sent directement aussi.
Franchement, ça se tend directement. Si le gardien est un peu masqué et tout, ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire. Allez, on verra ça. On verra ça. On va suivre les gars ce coup franc pour Anti. Sur une faute de Sanganté, les amis, on rappelle. Faute de Sanganté. Le claque sur Vincent Pajot. Salut Max. Attention les amis, on va suivre là le coup franc pour Annecy. Allez, on a Démoncy autour du ballon. C'est le seul, hein. C'est le seul à essayer autour du ballon. Il va à mon avis frapper directement. Démoncy s'est frappé. C'est contré par le mur annecyen qui a fait son effet. Il ne s'est pas disloqué le mur d'Annecy. Le ballon qui sera capté tranquillement par l'espace derrière. D'ailleurs, pourquoi il y a toujours un match lundi soir? C'est comme ça. En Ligue 2, ça fait longtemps hein, qu'il y a des matchs lundi soir. C'est une horaire qui n'arrange pas trop les supporters, mais voilà, parce que forcément c'est compliqué pour se rendre au stade lundi soir. Mais moi, je vais pas vous mentir, j'aime bien ce petit match lundi soir. Tu sais, t'as commencé la semaine, t'es content. Quand tu commences la semaine, t'arrives chez toi, après t'as un petit match et tout. Moi, ça me va en vrai les matchs lundi soir. Hein. Franchement, ça me va bien. Hein. Allez, bon, on l'a récupéré par le hack à droite et on a atteint les 45 minutes. Il n'y aura pas d'arrêt de jeu sur ce, c'est la mi-temps entre Annecy et le Havre, une purge en première mi-temps. On va pas faire le on va pas se mentir les amis, entre nous on est transparent. C'était une première mi-temps assez mauvaise en termes de jeu, etc. Ça a plutôt bien commencé, il y a eu entre la 10e et la 15e, c'était pas mal, mais à part ça il n'y a rien eu hein. Sinon même pas d'arrêt de jeu, voilà, il n'y a rien, pas de carton, bref, rien à signaler. Ah si, Rochi s'était pris un jaune, c'est vrai, mais sinon rien à signaler. Tout va jouer en deuxième mi-temps, comme c'est souvent le cas en Ligue 2. Voici ce que ça donne hein, les gars, pour le moment au classement. On va passer au JMT. Je rappelle, j'ai vu quelqu'un dans le chat qui m'a mis finalement ce score combien aux deux équipes. C'est un peu vrai, c'est d'ailleurs un peu pour ça que les deux équipes ne se livrent pas forcément. Les Havrais, le 1-1, bon, il leur permet d'avoir pour le moment une avance voilà, de 6 points sur Bordeaux, ce qui est ma foi plutôt bon. Et puis forcément ça sert à rien de se livrer trop pour le Havre, quitte à prendre un compte derrière et à perdre un deuxième match pour leur saison. Ce serait quand même voilà, ça laisserait l'opportunité à Bordeaux de revenir à quelques points en deux, donc bon, c'est pas non plus génial. Et Annecy, bah forcément pour Annecy, faire nul face au premier chez eux, c'est un bon score aussi. Donc c'est vrai que ça arrange un peu les deux équipes. Hormis le poteau. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu quand même un poteau, ça, on va quand même pas oublier. Il y a eu aussi un poteau à vrai en première mi-temps, mais c'est vrai que c'était tout. Hein. Vraiment, c'était tout. Voilà, on revoit cette frappe de Alioui sur le poteau, mais sinon il n'y a rien eu d'autre. Les amis, passons au jeu de la mi-temps. Les gars, trois questions. Une à propos de Annecy, une à propos du Havre et une autre qui va concerner les deux équipes. Le but, c'est de me répondre le plus rapidement possible à ces questions. Mettez-moi des prêts une fois que vous êtes prêts, du coup, les gars, pour le JMT. Et vous pouvez tous y participer. Salut Nathan, salut à ceux qui nous rejoignent. Salut Batmoon également. Est-ce que vous êtes prêts, les gars, pour le jeu de la mi-temps? Mettez-moi les prêts, les gars, dans le chat une fois que vous êtes prêts. Et on va commencer par une première question. Oula, le chat, oula, il bug là. Ouais, je crois qu'il bug. On va commencer par une première question. Oh, le chat il bug un peu trop hein. Qui va concerner Annecy les gars. La première question elle va concerner Annecy. Nouvelle semaine hein. Le jeu de la mi-temps les amis, c'est une nouvelle semaine. Le classement est remis à zéro, l'occasion pour vous de prendre des points. Let's go, on met Vincent dans le chat. Allez, on est parti donc. La première question elle va concerner Annecy les gars, voilà hein. La tradition, le JMT comme on fait depuis le début de la chaîne. Et c'est génial, franchement moi j'adore. J'espère que vous aimez bien hein. Et aussi de votre côté les gars, parce que ça reste quand même. Donc première question qui va concerner Annecy, je la cherche. Allez, je vais vous poser une question. Commence par du facile, savoir si vous connaissez un petit peu l'équipe annecyenne. Voilà. Vraiment les amis. Trois. 2, 1, première question, elle va s'afficher là, c'est parti les gars, citez-moi un des trois défenseurs d'Annecy ce soir. Les Annecyens sont dans un 3-4-2-1 comme chez Matt Jeux, citez-moi un des trois défenseurs présents en charnière. Allez-y les gars, dans le chat, allez-y. Voilà, je veux le nom d'un des trois défenseurs, on commence par du classique, hein. Franchement je suis pas allé chercher très loin. Je suis pas allé chercher très loin les gars. Allez, je vais regarder vos réponses dans le chat les amis. Donc il fallait me mettre soit Jean, soit Mwanga, soit La Juji. On a parlé un peu de Jean, de Mwanga, un peu moins de La Juji, mais bon. Il y avait moyen de faire quelque chose les gars, donc
Allez, je vais regarder vos réponses dans le chat. Ah, ensuite, on passera à la deuxième question qui concernera le hack. Les amis, allez, regardons vos réponses dans le chat. On va regarder vos réponses en remontant notamment le chat. On remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Et ça a commencé juste là. Alors, on a William qui a commencé par me mettre Escales. Malheureusement, voilà, c'est gardien. Donc, en soi, un gardien, c'est un défenseur. Mais j'avais dit parmi les trois dans la défense à 3, donc je ne peux pas te compter, William. Bravo, donc voilà, donc William ça marche pas. Dion nous met William, voilà, attaquant. Didrox nous met la Jugie. Didrox qui termine juste le premier, voilà, qui répond juste le premier. Bravo à toi, Didrox. Bravo ensuite à Arthur qui nous met Mwanga. Bravo Arthur en deuxième position. Et bravo à alors Omar qui nous met Loris. Loris, oui, mais il est avré malheureusement, Omar. Dommage, bien joué, c'était presque. Il fallait juste l'autre équipe. Et c'est Batmoon qui nous met Mwanga ensuite. Bravo à toi, Batmoon. Après, on a Sonic Dancy qui m'a mis Temanfo. Temanfo, c'est un peu un piston latéral, mais c'est vrai qu'il est un peu défenseur aussi. Je pense que je l'aurais compté. Mais bon, en tous les cas, la question ne se pose pas. Donc, vraiment, les gars, ça m'arrange. Je ne sais pas comment j'aurais fait. Donc, les amis, puisque c'est une nouvelle semaine. Alors, il y a un bug, par contre, au niveau du JMT. Mince. Pourtant, j'avais remis à zéro. Les amis, bon, allez, c'est pas grave. Je note sur un petit bout de papier et je règle ça. Le classement il est pas remis à zéro, je vous le remets à zéro, je vais marquer les trois premiers sur un petit bout de papier et je vous règle ça. Allez, deuxième question les gars du GMT, soyez prêts. Deuxième question pour ce jeu qui va concerner cette fois-ci le Havre, les amis. Deuxième question qui va avoir un rapport avec le Havre. Alors, hop. Non, arrête, mais non, c'est pas un bug, c'est juste que j'ai pas. J'avais remis, enfin, si, oui, si, c'est un petit bug, mais bon, rien de grave. Allez, deuxième question, elle va concerner le hack. Allez, tac. Trois, deux, un. Les amis, deuxième question, c'est parti. Combien de buts les Havrais ont marqué cette saison? Combien de buts les Havrais ont-ils marqué cette saison en Ligue 2? Allez-y les gars dans le chat. Allez-y, les amis. Vous pouvez y aller. Hop. Pourquoi il veut pas se remettre à zéro? C'est fou ça. Gars, il veut pas se remettre à zéro mon classement, ça m'énerve. Je prenne une feuille en plus. Oh, tu fais du brouillon. Non, c'est trop. Hop. Oh si, j'en ai un stock. Ok, hop. Hop. Allez, je vais regarder vos. Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais regarder vos réponses, les amis, dans le chat. Laissez-moi juste aller prendre un stylo rapide. Hop, parce que bah du coup, il faut que je marque vos trucs là. Je vais regarder vos réponses dans le chat. Donc, combien de buts les Havrais ont marqué cette saison? On en a parlé longuement en avant-match. C'est pour ça que je vous ai posé cette question. Une question comme ça, si on n'en parle pas, c'est un peu fourbe. Bon, j'aurais pu la mettre, franchement. Salut Aligno, peut-être ça date, effectivement. Et du coup, ils ont marqué 44 buts. On avait parlé en avant-match. Le nombre de buts du Havre qui est assez faible hein, pour que ce soit pourtant la première équipe. Bravo à tous ceux, les gars, qui m'ont mis 44. Et donc, je vais remonter le chat pour là aussi noter les points. Alors, je félicite. Arthur qui voyait. Attendez, j'en regarde. Arthur qui répond juste le premier. Bravo à toi Arthur. Ensuite il y a Batmoon qui nous met 44 en deuxième position. Et après il y a S Danteuil. Se suivent. Hop. Allez les gars, troisième et dernière question du JMT, je vous montrerai le classement après, mais là c'est juste que je sais pas, ça veut pas. Quand je fais ça, j'ouvre le truc. Que je fais ça. Non. Allez là, hop. Les gars, je vais lancer la dernière question. Je vais lancer la dernière question qui va concerner. Voilà, qui va ni concerner le Ham, ni. Enfin, moi. Qui va pas faire de jaloux, quoi. Qui va pas faire de jaloux. Attendez, j'ai quand même testé parce que. Mais non, ça marche toujours pas. Oh, mais c'est dingue ça.
Enfin si, mais bon, j'ai vos prénoms sur un bout de papier. Troisième et dernière question, les gars. Troisième et dernière question. C'est lui trouver une bonne question. Allez, non. Allez, allez, sur, on va poser ça comme question, tiens. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Troisième et dernière question. Merci, Sunseas. Troisième et dernière question, les gars. Ok. 3, 2, 1. C'est parti. Citez-moi les deux, les nationalités des deux coachs. De quelle nationalité sont les deux coachs aujourd'hui? Allez-y, les gars, dans le chat. C'est une question qui est... Bon. Un peu inédite, c'est pas vraiment du football, mais je sais pas, si vous connaissez les coachs, vous connaissez peut-être leur nationalité, voilà. Vraiment, cette question, c'est vrai que si vous me dites que si elle est nulle, elle est vraiment nulle, c'est vrai. Mais, bon, si je vous pose cette question, c'est qu'il y a un petit truc qui est pas, qui n'est pas, voilà, on voit pas souvent, quoi. Allez-y, les gars, dans le chat, je vous laisse y aller, les amis, dans le chat. Et j'espère quand même qu'en deuxième mi-temps, ce sera vraiment une bonne deuxième mi-temps, hein, parce que franchement, les gars... Première mi-temps, c'était pas fou. Hein. Pourquoi ça marche pas? Bon, bah, je vais pas pouvoir montrer le classement, les amis. Dommage. Ah ok. Pourquoi il n'a pas changé directement sur le dossier? Bon allez. Hop. C'est bon les gars, il y aura le classement. Il y aura le classement les amis. Donc attendez, je vais juste noter les points et ensuite je vais regarder. Donc au début c'était Didrox, Arthur et Batmoon. Après il y avait Arthur en premier. Batmoon est Nanteuil. Et là maintenant, je vais regarder vos réponses, les gars, dans le chat. Vous inquiétez pas. Allez, on remonte. Du coup, il fallait mettre français pour le coach d'Annecy et slovène pour le coach Avrel. Donc voilà, c'est pas. On n'aura pas. Il n'y en a pas beaucoup des coachs slovènes en France, même je crois que c'est le seul, hein, Lucas Elster. Donc je trouvais ça plutôt pas mal. Allez, j'ai du coup remonter le chat. Alors, français, suisse, dommage. Argentin, marocain, non plus. Français. Français croate non, français marocain non, français non, français pakistanais, oui, je préfère. Français suisse, t'allais chercher loin quand même, Aligno. Français croate, slovène et français. Bravo à William, français croate pas loin, mais malheureusement non. Bravo à toi, William, qui répond juste le premier. Ensuite, attendez, j'en étais à où là? Ouais, slovène et français. France-Suisse, slovène et français. Après, c'est Loris. Et ensuite, ils sont français et suisses. Non, dommage. Slovène et français. Et après, c'est Batmoon. Slovénie et France, du coup, les amis. Voici le classement, les gars, du JMT. Ah non, ça marche pas. C'est une dinguerie. C'est une. Et je vais péter un câble. Ça ne marche pas. Et ben, on n'aura pas de classement aujourd'hui. Bon, en gros. Didrox à 3 points. Arthur en a 5. Batmoon, il en a 4. Instanteur, il y en a 1. Loris en a 2. William, il a 3 points. Et voilà. Bon. Et vraiment, les gars, je suis vraiment désolé, mais le classement, il veut pas fonctionner. Donc, je sais pas trop. Donc là, du coup, là j'avais dit qui déjà? Je suis perché. J'avais dit William. Je note sur un bout de papier. Hein. J'avais dit William, Loris et Batman. Nickel. Oh non, j'ai écrit sur.
Nickel, nickel les gars. Bon bah voilà, on a terminé avec le GMT. Je vous ai dit les points. Bon, je pourrais pas vous montrer le classement parce que bah il bug. En gros, si je vous montre le classement, c'est le même que la semaine dernière. Donc ça sert à rien quoi, les amis. Mais bon, je vous montrerai demain du coup. Merci beaucoup les gars d'avoir participé à ce jeu de la mi-temps. J'espère que ça vous a fait plaisir. J'espère que vous êtes bien amusés. Bon, malgré le petit bug de classement, tant qu'il y avait les questions, c'était principal. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir revenir à notre match Annecy contre le Havre, puisque la deuxième mi-temps va bientôt recommencer, les amis. Waouh, William, tu tryhard. William, j'aime bien ce qui se passe. Quand vous commencez à tryhard comme ça le GMT, franchement, ça me fait plaisir, les gars. Ça montre que Annecy a un certain intérêt vers le GMT. Non, en vrai, j'aime bien. J'arrive trop tard, dommage, mais Ram Team, dommage, effectivement. Ouais, c'est vrai que le match, voilà, il n'a pas commencé à 21h, il a commencé à 20h45, effectivement, le match. Dommage. Fallait pas s'y faire piéger. Les amis, on attend avec impatience sa deuxième mi-temps entre Annecy et Le Havre. Les joueurs sont pas encore revenus sur la pelouse, on a encore un peu le temps. Bien évidemment, les gars, si jamais c'est pas encore fait, je le dis, je pose ça là. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, le petit abonnement, etc. Tout ça, c'est gratuit, ça fait plaisir. Merci déjà pour les 155 likes. Les Havrais reviennent, on attend les Annecyens. Ensuite, la deuxième mi-temps, on va pouvoir recommencer. Effectivement, comme le dit Faxo dans le chat, on rappelle que Nancy a fait un partout tout à l'heure face à Martigues en national. Marty qui est premier pour mon national, qui va sûrement monter d'ailleurs en Ligue 2. On en reparlera peut-être de la nationale. On rappelle que Sampdoria est en train de faire 1-0 face à Empoli en Serie A, 1-0 pour Betis face au Real Vallecano en Liga, et en première ligue Leicester qui est mené 2-0 sur leur pelouse face à Liverpool. Voilà un peu pour les scores. Salut Simon qui nous rejoint. Allez Le Havre en tant que Lavalois, tous derrière Le Havre, nous met Simon. Effectivement, il faut pour ceux qui jouent le maintien, il faut supporter Laval, et toutes les équipes qui jouent le haut tableau, il faut supporter Annecy. Vas-y, y'a pas de soucis, Medo. 0-0, Mathieu, je pense, mais Matt Tomato. Bah, en vrai, merci beaucoup, Alex, pour l'abonnement. Bah, en vrai, vu comment c'est parti, ça m'étonnerait pas. Après, en général, en Ligue 2, ça. C'est souvent que ça se décante en deuxième mi-temps. Donc, je pense qu'il y aura un but au moins, moi. Laval, très belle opération contre Saint-Étienne. Ah bah ça c'est sûr. Salut Mathieu. Allez les gars, normalement, donc bon, je viens de voir le jeu de la mi-temps, il est réglé. Donc bon, je pourrais peut-être vous le remontrer à la fin du match si vous voulez le classement du GMT, si vraiment vous voulez. Même si bon, je vous ai dit vos points, mais si vous voulez, je pourrais le faire. Alors hop et hop. Allez, nous sommes repartis dans pas longtemps entre Annecy et Le Havre. Et ben voilà, nous sommes repartis entre les Annecyens et la vraie bonne deuxième mi-temps. À vous tous, 0-0. Allez, sur les 45 minutes de jeu, pas de changement, il me semble, à la mi-temps. À part s'ils n'ont pas été signalés, mais dans tous les cas, si j'ai des infos, je vous les relais comme d'habitude. Nous sommes repartis 0-0 au bout de 45 minutes de jeu, qui était assez timide, on va dire, hein, dans le sens où, bref, pas grand-chose, quoi. Pas grand-chose entre Annecy et Le Havre. Maintenant, les amis, voilà, il peut encore se passer d'autres choses en deuxième mi-temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'un match n'est pas à 45, mais bien 90 minutes, et on a vu, hein, il y a une semaine, lorsque Le Havre a joué face à Rolez, que l'unique match de la partie avait lieu à la fin du match, les amis, toute fin de match, et c'est Rolez qui avait marqué contre son camp, ce qui avait permis au Havre d'ouvrir le score. Hein, si ça va être, voilà, hein, il va falloir maintenant être vigilant pour les Annecyens, pas faire cette même erreur, et pour Le Havre essayer bien sûr d'aller marquer, bien sûr, pour bah, voilà, pour reprendre une certaine avance sur Bordeaux. Ils ont déjà 6 points d'avance, c'est forcément que 8 points, c'est toujours mieux que 6 points. Donc nous sommes repartis, les amis, et bah, non, je répète, bonne deuxième mi-temps, les gars, à vous tous. Hey, Patrice Hiro, je te bats, désolé, mais là c'est plus possible. Explique-moi, je sais pas ton délire, peut-être on peut rigoler ensemble, je sais pas, mais. Alors. Oula mince. Tac. Un Laval Saint-Té, quel Laval Saint-Té? Il n'y a plus de Laval Saint-Té, le Mémédo, il veut pas assumer. Je dis but à la 57ème de l'écale. Et bon, on va voir ça. Il y a un ballon dans les pieds des Havrais, côté gauche, directement. C'est récupéré par les Annecyens. Oh, faut y aller, le mec Kinder Buonigno. Wesh, il change tous les jours de pseudo, ou ça se passe comment? De base, c'était quoi déjà? Parce que t'étais Maligno juste avant, mais avant c'était. C'était quoi ton pseudo d'avant? Je sais plus. Sortie but, les amis, à jouer pour. Si, je l'ai au bout de la langue. Allez, Escalès. Ah voilà, The Druider. Escalès pour relancer. Allez, Escalès, écarté côté droit. Le dégagement d'Escalès, la tête de Témanfo. Le sera finalement sur une tête d'un vrai. Allez, on va se mettre dans l'hommage, les amis, parce que là, deuxième mi-temps, faut arrêter de rigoler, les gars. Deuxième mi-temps, faut arrêter de rigoler. Et à mon avis, ça va y aller. Il va y avoir des buts, on va se faire plaisir.
croisé en tout cas. Allez, ballon pour le Havre côté gauche, c'est bien fait avec l'écart. L'écart qui tente de passer, c'est récupéré par les Anessiens. Du coup, je vous le confirme, il n'y a pas eu de changement, les amis, à la mi-temps. Allez, ballon à droite encore une fois vers Démoncy. Démoncy, il y aura un Anessien qui va s'écrouler. L'arbitre de ce match qui vient signaler quelque chose. Et il va y avoir un deuxième jaune de sortie. On rappelle que Rochi a été averti, les amis, en première mi-temps. Et bien là, c'est tout autour de Targaline de se prendre un carton jaune. Un jaune de chaque côté. Targaline qui se prend le jaune pour le hack. Directement l'arbitre de ce match. Il pose les bases, voilà, monsieur Tual. En deuxième mi-temps, il veut pas que les choses dégénèrent et il distribue les cartons. Force au hack nommé Kinder Bonigno du coup. T'inquiète, Eagle Eye, je pense pas que tu me parles à moi, mais. Ouah, merci beaucoup, Michel, les amis, qui nous rejoint. Toc, 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 c'est moi, le Lensois. Vous ne me reconnaissez pas. Vous me dites que je vais saluer la team. Et mon Lucie, salut Michel. Eh, vraiment, à chaque fois qu'il arrive sur live, ça me fume. On dirait qu'on est. Enfin, bref, ça, vraiment, ça me fume. Merci beaucoup, Michel. Encore, prenons de 5 euros le supporter Lensois, bien évidemment, aux Anges. Hein, Lens, c'est pratiquement sûr d'aller en Champions League. Ils sont déjà sûrs de disputer au moins les barrages de Champions. C'est bien sûr qu'il faut jouer maintenant dans la deuxième place à tout prix pour les Lensois. Michel, et honneur me. Si ça, Michel, merci beaucoup pour le don des GG, les gars. Des gros GG pour Michel. Bienvenue à toi. Mon Michel du coup sur live, et voilà, ça fait plaisir, il est là, merci beaucoup frérot, merci beaucoup. Et on met des GG les gars dans le chat, un maximum de GG pour Michel et pour le soutien. Pff, ça fait plaisir. Oh là là là. Comment tu vas aujourd'hui Michel, comment tu vas? Attention les gars, on va suivre là quand même le coup franc pour les Anessiens. Les coups francs à jouer pour Annecy. Courage à toi Nathan. Salut, je suis de retour, j'étais malade, mais Kouarou. Salut à toi Kouarou, j'espère que tu vas mieux. Attention avec le coup franc qui est joué directement pour Chamal, c'était frappé direct en direction des buts de Desma, c'était plutôt bien frappé. Mais le gardien à vrai est très vigilant, ouais, vraiment beaucoup de vigilance de la part de Desmas qui vient mettre ce ballon en corner à jouer les amis pour Annecy côté droit. Et merci encore à hein, Michel, franchement, pour... je vois les GG pour Michel, ça fait plaisir. GG notre... Imich adoré, nommé AS Nanteuil, toujours aussi généreux, notre sang et or préféré, toujours le même humour. On kiffe Michel, nommé AS Nanteuil. Attention avec le centre là pour les Anessiens, la tête. Oh oh oh, les amis, l'ouverture du score, c'est pour mon gars, vous ne rêvez pas. Annecy est en train d'ouvrir le score. Voilà ce qui manquait dans cette soirée. Voilà ce qui manquait les gars dans cette soirée. Une surprise et on l'a. 1-0 pour Annecy. Mon gars qui ouvre le score. Annecy qui repasse 15ème au classement. Et le Havre qui est mené pour peut-être, qui est en train de se diriger peut-être vers une deuxième défaite de la saison sur ce corner, sur un coup arrêté. Tout peut se passer, le corner, la tête de Mwanga qui va faire trembler les filets de Desmas, l'ancien gardien des Clermontois. 1-0 pour Annecy. Oh les amis, la surprise. Oh les amis, la surprise. Incroyable les gars, 1-0 pour Annecy. Dans le chat, c'est là, il m'a mis, tu es sûr que tu t'es pas trompé d'équipe? Non. C'est Annecy les gars qui ouvre le score avec le maillot rouge. Mwanga, le défenseur annécien, imaginez Annecy créer la surprise en gagnant Face au Havre dans un contexte de maintien, ce serait extraordinaire. Mwanga, les amis, qui a ouvert le score. Mwanga qui a ouvert le score, 50ème minute de jeu. Mwanga qui ouvre le score. Maintenant, il faut tenir pour les Anessiens. Comment est-ce que le Havre va réagir? Est-ce que les Anessiens vont modifier leur manière de jouer, etc.? Très intéressant en tout cas. Et des. Oh là là là, Annecy qui mène 1-0 pour Annecy. Et après, les GG, les gars, pour Michel, qu'on remercie encore. Merci beaucoup, Michel. Merci à Kinder Bueninho, du coup, de son ancien pseudo Maligno. Merci à toi pour le don de l'euro qui a été éclipsé par le but, mais t'inquiète pas, on l'a pas loupé. Merci beaucoup Kinder Bueninho, des gros GG les gars pour ça fait bizarre ce pseudo, il est vraiment à rallonge frérot, t'as pas fait d'effort. Je préférais l'ancien en termes de longueur. Merci beaucoup Kinder Bueninho pour le don, les amis, des gros GG dans le chat et des GG également pour les Anessiens qui viennent ouvrir le score incroyable. Annecy, comme vous le voyez au niveau du classement, 15ème. Annecy qui prend 2 points d'avance sur le premier relégable. Et ça devient Valenciennes le premier relégable, les amis. Ça devient Valenciennes. Incroyable. Annecy mène contre le Havre. Mais là, attendez, parce que c'est pas encore terminé. Il reste bien sûr du temps. Hein. 40 minutes à jouer environ dans le temps réglementaire. Forcément, c'est assez pour voir les Havrais revenir au score, égaliser, peut-être même gagner derrière. Après, c'est assez également pour faire le break du côté d'Annecy. Il est possible également de faire le break pour Annecy. Ce serait d'ailleurs l'idéal. Et bon, on sera capté par l'Esmas. Voyons un peu comment le Havre va réagir. Comment les Annéciens également vont réagir après ce but. Parce que eux aussi, hein, ça va être intéressant. Est-ce qu'ils vont continuer de jouer pareil comme ça, ou est-ce qu'ils vont vraiment se recroqueviller en défense, essayer de tenir jusqu'à la 80ème? On verra ça. En tout cas, 1-0 pour Annecy, et franchement, on n'est peut-être pas au bout de nos surprises dans ce match. Wow,
incroyable. Imaginez Valenciennes, Dijon et Nîmes descendre. Valenciennes qui descend, ça ferait mal. Enfin, déjà, Dijon, Nîmes, bon, bah, c'est deux équipes qui étaient en Ligue 1 il y a pas longtemps. Je dis ça comme si on s'en fout de Dijon et Nîmes. Non, non, pas du tout. Dijon et Nîmes, ça fait déjà super mal. Alors, en plus, Valenciennes en plus, je dis pas qu'Annecy on les aime pas, hein, loin de là. Mais en mode Annecy, bah, déjà l'année dernière, Annecy, ils étaient pas en Ligue 2, les amis, c'était en National. L'année dernière, Annecy, j'ai peur de me tromper. Attendez, j'ai peur de me tromper en disant ça. Non, c'est bon, je me trompe pas. L'année dernière, Annecy, voilà, ils étaient en National l'année dernière, Annecy. Donc, les voir redescendre, ce serait pas tant une surprise que ça. Mais Valenciennes, c'est vrai que ça ferait bizarre. Après, c'est pour ça que je souhaite la descente à Annecy, je leur souhaite pas la descente. Juste, ça ferait moins bizarre, est-ce que je veux dire. Là, les gars, ils forcent. Et merci beaucoup Michel encore. Salut à toi. Vaut mieux que ce soit Valenciennes qui reste en Ligue 2, t'as raison, mais le. Enfin moi non j'ai pas dit ça. Hey, oh j'ai pas dit ça. Non, en vrai si, ça ferait un peu plus bizarre tu vois. Allez, ballon qui va pouvoir être dégagé là par Annecy avec Escalès. Escalès pour dégager directement les amis. Escalès. Escalès, Escalès s'est dégagé. Escalès, ballon sur la tête peut-être là d'un vrai. Voilà, tête à vrai, la tête encore une fois de l'écale, l'écale côté gauche. Ballon dégagé par. Par le Havre. Ouais, les petits ballons par dessus, c'est bien fait. Ballon écarté côté gauche. Et il y aura une. Touche à jouer côté droit pour non, côté gauche pour le Havre dans le camp des Annéciens. Par contre le 26 mai on sera pas ensemble à Annecy. Oui c'est vrai que le 26 mai il y aura un Bordeaux Annecy bien évidemment. Pour moi ils sont bien partis pour gagner Mad Tomato. Annecy n'a pas moins sa place en Ligue 2 que les deux autres petits villages. Mais Sven, non, mais je dis pas au niveau du football, au niveau du jeu, etc. Je dis juste que dans l'esprit des supporters de ceux qui suivent la Ligue 2, ça ferait moins bizarre de voir Annecy descendre, étant donné qu'ils étaient en National l'année dernière, que de voir un Valenciennes descendre. Valenciennes qui était souvent en Ligue 1, Ligue 2, mais National, ça. Pas habituel, tu vois, les ballons carte à gauche là pour là, mais c'est le football aussi, hein, bien évidemment. Loris, Opéry pour pourquoi pas écarter côté gauche avec Ali. Oui, il y aura une touche à jouer pour le Havre côté gauche ou bien un coup franc. On va voir ça, mais en tout cas, il y aura un ballon pour les Havre. Il y a directement un carton jaune pour la Jugie. L'arbitre commence à distribuer les cartons, les amis. Carton jaune pour la Jugie. L'Annecien, et là, on sent qu'Annecy commence un petit peu plus à jouer sur la défensive. Forcément, ils ont plus qu'une, voilà, ils ont plus qu'une raison d'attaquer. On va dire maintenant, il faut tenir. Et c'est vrai que cette défaite à Vraise, elle convient, on va dire, au Bordelais, puisque Bordeaux est. Que entre guillemets à 5 points derrière le Havre, c'est quand même énorme 5 points, mais ils peuvent encore espérer quelque chose, les amis Bordeaux. Peut-être qu'il y aura une perte de confiance de la part des Havrais après tout ça. Attends, mais il va où Eagle Eye alors Baradoni? Dis-moi où il va parce que qui quitte Angers? Pas une surprise, mais où il va? Qui a le club qui d'ores et déjà va être relégué. Allez, ballon capté là par Escalès. Escalès pour relancer. Escalès avec la Jugie à droite. La Jugie, les Annecy, un point relancé. La Jugie pour écarter vers Temanfo. Les amis, Annecy est en train de gagner 1-0. Mais c'est pas incroyable ce que nous sommes en train de vivre. Annecy est en train de gagner 1-0. Vraiment, je le répète, mais waouh! Franchement, c'est un délire voir Annecy. Enfin, je rappelle que le Havre, ils ont perdu que contre une seule équipe en Ligue 2 cette saison. C'était en début de saison face à Valenciennes. Valenciennes qui est d'ailleurs actuellement dans la zone rouge. Et là ils sont en train de perdre pour le moment les Havrais. Alors après bien entendu c'est pas encore terminé. Il y aura un changement du côté du Havre. C'est le premier changement du match avec l'entrée du côté Havrais de Djamal Thiaré, l'attaquant à la place de Mahmoud. Est-ce que ce sera le seul changement? Est-ce qu'il y en aura d'autres? On verra ça. On verra ça les gars, on verra ça. Pour le moment. Bon. Pour le moment, ça a l'air d'être le seul. Ouais, je crois que c'est le seul. Hein. Je crois bien, les gars, que c'est le seul changement. Il me semble bien que ce soit le seul. Ouais, c'est le seul. Bah voilà. Et bah, c'est le seul changement. Du côté des Havrais, il n'y aura pas d'autres pour le moment. Je vous tiens au courant. Le jeu qui va pouvoir repartir. Vendre IP des Annéciens avec des Monsi. Des Monsi, il est passé. Ouais, il y a du monde. D'un côté droit, c'est bien. C'est bon, les amis. Pourquoi je bégaye comme ça? Tranquille. Après, c'est un événement aussi, tu vois. Annecy qui gagne. Je m'attendais pas, les gars. Mais bon, faut que je me calme. Allez, ballon côté gauche pour les Annéciens. Avec Jean pour relancer. Jean mieux terrain. Avec Démoncy encore une fois. Démoncy côté gauche. Ouais, c'est bien fait ça pour Démoncy. On est long la ligne de touche côté gauche sur Arochi. Rochi qui est sur la ligne médiane. Il est obligé de revenir avec ses défenseurs. Annecy qui se mouille pas. Ils font tourner tranquille pour le moment.
Moi j'avais dit Bordeaux premier, Metz deuxième et Le Havre troisième. Et j'ai dit ça il y a 6 journées de ça, quand Sochaux et Caen étaient encore dans le coup. Mais FCGB Forever. Bah, en l'occurrence, à mon avis, je pense pas qu'ils sont troisième, les vrais. Mais on verra ça. Hein. On en reparlera dessus en fin de saison. Allez, un petit Alex. Salut à toi, Alex. C'est pas fini. Respire, frérot. Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète. Force à toi, MKT, MTB, supporter du coup de Valenciennes, merci, voilà, j'ai lu le message effectivement, et voilà, force à tous ceux qui sont supporters d'un club relégué en Ligue 1, Ligue 2, peu importe, mais c'est vrai que la descente de Ligue 2 en National est quand même beaucoup plus dure à encaisser que la descente de Ligue 1 en Ligue 2, mais force à vous tous en tous les cas. Je me remets en question, et je mets un appartement, vous la team, vous m'avez aidé, je suis très touché pour votre soutien, respect à tous, merci beaucoup Michel. Et ouais, donc toujours, hein, tu t'installes toujours dans l'appart, t'as avec le ballon deuxième poteau pour les Havrais, le ballon deuxième poteau les gars pour les Havrais. Et ça va sortir en sortie de but les amis, à jouer pour les Alessiens. Mais ça fait plaisir Michel, franchement. Et encore un énorme soutien de sa part, hein, c'est incroyable les gars. Michel, il peut pas faire une arrivée comme tout le monde. Tu peux nous montrer l'animation du but? Non, je pense pas que je vais pouvoir. Attends, je vois mais je pense pas en vrai. La lutte pour rester en Ligue 2, ça va être folle. Ah bah ouais, ça va être folle. Hein. Mais vraiment, la lutte pour le maintien, la montée va être incroyable en Ligue 2. La lutte pour le maintien et l'Europe en Ligue 1 va être incroyable. Ça va être incroyable. Les deux multiplex 37e et 38e journée vont être incroyables. Bah, on dégage par Escalès. Les 6 mètres, le 6 mètres qui joue là pour Escalès. Les années 5 qui vont plutôt bien. Depuis qu'ils ont ouvert le score, ça fait déjà quelques minutes qu'ils ont ouvert le score. On rappelle que c'est à la 50e minute de jeu que Annecy a ouvert le score. Ballon dans les pieds des Havrais. Côté gauche dans leur camp. Le petit ballon par-dessus, c'est bien joué. Ce sera contrôlé par un Havrais. On est long de la ligne de touche. Il y aura une touche pour Annecy côté droit. Parce effectivement, le joueur du Havre qui avait le ballon, il est sorti tout seul en touche. La touche sera du coup pour le Havre. Merci beaucoup les gars pour les 168 likes. On est bientôt aux 200 likes. Les gars, je compte sur vous pour lâcher le petit pouce en l'air pour bien sûr atteindre les 200 likes. Et merci encore à ceux qui s'abonnent aussi. Hein. Franchement, merci beaucoup les gars pour le soutien. Wow, c'est futur. De Ligue 2 à National, c'est horrible. Bon, on est d'accord. Hein. Les ballons par-dessus là pour Moïse Saïdion. Moïse Saïdion qui sera salé en position de hors-jeu. Il y aura un coup franc à jouer les gars pour le hack. J'ai 3 des multiplex sur tous celui de la 37e journée en Ligue 2. Et moi j'ai super hâte aussi les gars. Je pense qu'on a tous à peu près hâte dans tous les cas. Mais wow, ça va être une dinguerie. Hein. Allez, ballon récupéré là par Casimir. Casimir qui revient. Casimir pour écarter côté gauche. Casimir avec un moment dans les pieds là de la défense havraise. Avec Loris encore. Loris il est passé. Allez, Loris qui revient à l'intérieur. Les Havrais qui ont pour écarter à droite. C'est bien fait. Ballon en direction des numéros 24. Ce sera Richardson. Richardson pour écarter à droite. Richardson qui a voulu servir. Jamal Tcharé, le contrôle de Tcharé est mauvais. Alors est-ce que c'est la passe de Richardson qui était mauvais ou le contrôle de Tcharé, je ne sais rien. Mais en tout cas, le constat est là, ballon perdu hein, par les Havrais et le Havre qui ont, ouais, ils ont vraiment l'air d'être déboussolés. Les Havrais avec beaucoup de déchets techniques, un peu d'imprécision dans les transmissions. Et même il n'y a plus rien qui va en fait du côté du Havre. C'est vraiment compliqué pour eux aujourd'hui. Et on va assister à une touche à l'essai de côté gauche. Enfin aujourd'hui non. Depuis la 30e minute, le Havre il montre plus rien, mais tout comme Annecy hein, qui n'a pas montré mieux que le Havre. Le problème c'est qu'on arrive à un moment où on est à l'heure de jeu et Annecy mène. C'est ça la différence entre Annecy et le Havre, pas forcément dans le jeu. Annecy n'est pas non plus incroyable, mais eux ils mènent et ça va être compliqué pour le hack. Allez, hein, c'est quand même pas encore terminé. Bien évidemment qu'ils vont encore tout donner les Havrais alors qu'il y aura une touche, je crois, les amis. Ouais, on a Luc Kalsner qui parle avec ses assistants pour essayer de prendre des décisions, mais c'est vrai que c'est compliqué, ça n'a pas trop quoi faire. Hein. Ils sont pas non plus habitués hein, à être menés, les Havrais. Allez, ballon relancé côté gauche pour le hack, ce sera en direction, pourquoi pas, de El Hadjam qui va pouvoir obtenir la touche. Touche à jouer pour le hack côté gauche, le poteau de corner de Annecy. Salut mon Nicolas, comment tu vas? Merci beaucoup, Alex, ça fait plaisir ce message, merci à toi. Bien sûr, on attend. Après, ce n'est pas Monsieur Texier l'arbitre, c'est pour ça que le Havre ne gagne pas. je préfère que ce soit le Havre et Metz qui montent en Ligue 1. Bordeaux a été trop avantagé de mes Rignan. Ah ouais? Oh, non, moi ça m'est égal. Attention, ballon récupéré là par les Havrais côté gauche, c'est bien fait. La balle, de partout, la frappe de Tcharé. Oh, l'arrêt d'Escalès. L'arrêt d'Escalès, les amis. Oh là là, c'était la balle de partout pour les Havrais. Un ballon en profondeur en direction de Jamal Tcharé venu d'une part. Hein. Franchement, ce ballon en profondeur était vraiment magnifique. Et la frappe de. Alors, je sais pas si c'est Tcharé ou Casimir, mais il me semble que c'est Tcharé. Hein.
Il, ouais, c'est ça, c'est bien ça. J'ai cru me tromper, mais non, c'est bel et bien Jamal Tchare qui vient frapper. Et l'arrêt d'Escalès qui vient prendre ce ballon au-dessus de lui. Il l'arrête d'abord pour ensuite le capter. Voilà, il le repousse pour ensuite le capter. Mais une belle frappe de Tchare qui était puissante, même si je pense qu'elle était au-dessus. Dans tous les cas, 1-0 pour Annecy, mais on a déjà eu un semblant, on va dire, de. Non, un semblant de réaction. Une réaction tout court hein, de la part des Havrais. Maintenant, il faut concrétiser ça par un but. Être plus tueur devant le but, être réaliste. Alors que là, le gardien annécien va pouvoir capter ce ballon tranquillement et il va. Il gagne du temps. Il gagne du temps. J'ai vraiment cherché mes mots pour dire ça, quoi. Allez, il y aura une touche à jouer côté gauche pour le Havre avec à la touche. Non, c'est pas une touche, c'est un coup franc pour le Havre. Bon, c'est pareil. Ballon côté droit avec la jam. Enfin, c'est pareil. En mode, ils l'ont joué de la même manière. Et la jam qui revient. Et la jam vers sans compter. Les Havrais qui font tourner. Bordeaux trop avantagé. Quelle blague. On a encore vu ce week-end avec un penalty oublié sur Gregerson. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre, mais Victor. Je suis mort. La guerre des opinions sur l'arbitrage. Moi, les gars, je reste impartial là-dessus. Faites la guerre, moi je suis la Suisse. Hein. Allez, ballon directement. Oh les amis, le ballon qui va être capté par Escalès sur cette tête de Jamal Tchare. Ouais, belle tête hein, les amis de la part de Jamal Tchare. Elle était croisée. Tchare les gars, c'est un début de coaching gagnant. Il n'a pas encore marqué, donc on peut pas dire ça, mais on va dire que c'est lui qui sème un peu la réaction havraise. Jamal Tchare, on voit un Mathieu Baudemer, le directeur général havrais qui veut cette victoire hein, pour le hack. Forcément que c'est important hein, pour les Havrais de gagner aujourd'hui. Et forcément qu'une deuxième défaite pour le hack, ce serait voilà, ça marquait un petit point noir à la fin de cette saison havraise qui semblait tellement belle. Hein. Allez, ballon récupéré, il a parlé à vrai côté gauche. Ouais, c'est bien joué avec Eladjam. Il y a un appel à côté droit de la part d'un Havrais. Il sera servi. Ballon dans les pieds numéro 24 sera Richardson. Richardson sur son pied droit. Richardson qui revient. Il va pouvoir centrer. Richardson, c'est bien joué. On est à la surface de réparation d'Annecy. Le centre devant le but. Ça passe devant le but d'Escalès. Ça se rapproche pour le Havre. Mais ce qui est inquiétant pour les Annéciens, c'est qu'il reste encore 27 minutes à jouer. Et forcément, 27 minutes, c'est quand même beaucoup. Franchement. Ah ouais, j'ai commencé. Attends. Allez, ballon pour Annecy avec Demoncy à droite, Demoncy vers Temanfo qui revient, Temanfo qui va pouvoir servir peut-être ses défenseurs. Ouais, Annecy font tourner, ils attendent que les Havrais viennent les presser tout, mais c'est normal, hein. C'est normal aussi. Est-ce que je peux me dire si Annecy fait nul la différence de but entre Valenciennes et eux, s'il te plaît? Valenciennes a une bien meilleure différence de but qu'Annecy. Hein. Annecy, ils avaient moins 13 avant le match, ils ont donc moins 12 logiquement. Attends, je vais quand même vérifier, voir si je me trompe pas. Mais attends, je vais dire tout ça si tu veux, les amis, parce que voilà, le classement, les gars, il défile. Hein. Le classement, vous l'avez, mais c'est vrai que les différences de but, c'est quand même important, mais vous les avez pas sur le classement. Je vais essayer de régler ça. Donc Annecy actuellement ont un goal à virage de moins 12. Laval a également moins 12. Valenciennes à moins 8, donc ça va. Et Dijon à moins 5. Voilà pour ce qui est des goals à virage, on va dire, dans cette zone. Allez, dans cette zone, ballon récupéré par les Havrais. Les Havrais qui font tourner pour le moment aux abords de la surface de réparation de Annecy. Mais Annecy, ils tiennent, hein, les amis des Annéciens, poussés par le 12e homme hein, présent ce soir. Le stade d'Annecy, quand même plutôt bien rempli ce soir, le parc des sports. Allez, ballon côté gauche pour les Annéciens, pour les Havrais. Le centre pour le hack. La reprise de volée, elle passe à côté des buts. D'Escalès, cette reprise pied gauche à la part de Halioui, mais elle a été contrée par un Annécien. Il y aura du coup un corner à jouer pour le hack. Voilà, ce joueur de centre en retraite, une frappe après comme ça, on a un peu un effet d'optique et tout. J'ai bien cru que c'était dedans et il y aura un corner à jouer pour le hack à gauche. Corner à jouer pour le hack. Allez, toujours 1-0 les amis pour Annecy. Toujours 1-0 pour Annecy, corner pour les Havrais. Ouais, ce sera de la gauche vers la surface de réparation. Il y aura Halioui qui a pour le frapper, c'est frappé rentrant. Le ballon qui est. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, j'ai vu un joueur du Havre, je crois que c'était Eladjam, il a pris le ballon à la main comme ça, mais en fait, non, l'arbitre avait signalé quelque chose, il avait signalé une faute d'un Havrais sur un Annécien. C'est tellement de faux qui a obtenu la faute. Du coup, il y aura un coup franc pour Annecy dans leur camp. Et je me suis dit, ouais, il prend le ballon de la main. Allez, le Havre, on met Loni. Salut à toi, Loni. Le Havre, c'est Ajaccio de la saison dernière. De très bons arguments défensifs, nous met au futur. Ajaccio, défensivement, ils ont un peu pris l'eau cette année en Ligue 1. On ne souhaite pas ça au Havre l'année prochaine, puisque vraisemblablement, la Ligue 1 les attend. Allez, les amis, changement. Du côté du Havre, c'est un deuxième changement. Amir Richardson qui sort. Yann Kitala qui rentre du côté du hack.
Kitala qui rentre, Richardson qui sort. Le deuxième changement du côté après. Ce qui est bien, c'est que Lucas Elsner, il n'attend pas non plus des lustres hein, pour faire ses changements. Il y a également Maiden El Jawari qui va rentrer à la place de Philippe Ono du côté d'Annecy. Voilà, Kitala qui rentre, Richardson qui sort du côté du Havre. Et comme ça veut dire, Philippe Ono qui est sorti, elle semble en dégager là par les Havrais. Ce sera récupéré par Annecy. Allez, les Annecins qui sont dans le camp du Havre, mais ils vont perdre ce ballon, mais ils peuvent le récupérer derrière avec Desmoncy. Et monsieur l'arbitre qui vient signaler une faute de Desmoncy sur un Havrais. Il y aura un coup franc pour le Hack dans leur camp, histoire de relancer directement. L'ici match à gros enjeu lors du multiplex de la J37, aujourd'hui en Ligue 2, Laval-Nîmes. Sochaux, Metz, Rodez, Pouf, c'est ça qu'il y a ces matchs. Valenciennes, Grenoble et bien évidemment Annecy, Bordeaux. Il y a vraiment, mais dans tous les cas, les deux derniers multiplex, il y aura forcément des matchs avec énormément d'enjeux. Hein. Peu importe, parce que même certaines places que des équipes peuvent gagner à la dernière minute, il y a toujours de l'enjeu, tu vois ce que je veux dire. Non, franchement, c'est incroyable. C'est beau, hein. C'est les deux dernières journées, forcément que c'est un peu triste parce que tu dis, putain, c'est bientôt fini cette saison. Et c'est le meilleur moment de la saison quoi. Allez, ballon à droite, enfin, ça dépend pour qui après hein, les gars, ça dépend pour qui. Franchement, une équipe reléguée, je pense que préfère le début de saison. Allez, ballon pour les Havrais qui vont pouvoir porter ce ballon. On est au milieu de terrain avec un ballon vers les cales pour écarter à gauche. Allez, il faut peut-être donner ce ballon côté gauche. Il revient à l'intérieur, Jamal Charré, le centre. Oh, quelle défense de la part d'Escalès, le gardien nessien. J'ai cru qu'il allait faire la faute, j'ai cru les amis qu'il allait faire la faute. Escalès est sorti dans les pieds de Jamal Charré, mais en fait il a suivi Charré sans jaillir dans ses pieds. Et Charré, je sais pas ce qu'il attendait, mais au final il a jamais touché le ballon et le ballon est sorti en sortie de but. Donc sortie de but à jouer pour Annecy. Une très belle défense de la part d'Escalès. Je pense que Charré a tenté la faute hein, sur lui, alors qu'il y aura une sortie de but à jouer pour Annecy. Sortie de but les amis à jouer pour Annecy. Allez, ballon dégagé par les Annecy, un côté gauche, il y aura directement une touche pour les Havrais. Nous entrons bientôt dans les 20 dernières minutes de jeu, toujours 1-0 pour Annecy dans ce match. Un titre de Ligue 2, ça reste un titre. Ah mais bien sûr, hein, mais c'est super important hein, entre être premier et deuxième. Le titre de Ligue 2, c'est important hein. Allez, ballon pour les Havrais. Le Havre qui va pouvoir relancer avec Zangante pour Loris. Loris à gauche. Loris vers Targaline. Targaline vers les cales. Targaline est passé. Ballon récupéré par les Annecyens. Finalement, l'arbitre qui vient siffler quelque chose, il me semble. Et Patrice Réau, désolé, hein, mais je suis obligé. Arrête de mettre ça, s'il te plaît. Vraiment. Enfin, Patrice Maël, quoi. Les frérots qui voyaient vous deuxième de Ligue 1, soyez francs et sincères. Qui voyez vous deuxième de Ligue 1? Franchement, à mon avis, il reste encore 3 matchs. Je vois mal Lens faire un faux pas. Hein. Je pense que c'est la plupart d'entre nous. Hein. Et c'est pas parce que t'es Lensois, à mon avis, qu'on dit ça. Hein. Franchement, bon, vraiment pas comment on regarde face à Reims. Ils perdent 1-0, ils sont à 1 de moins, ils arrivent à gagner 2-1. À partir de ce moment-là, comment tu veux qu'ils perdent quoi. Allez, il y aura une touche côté gauche, les gars, pour Annecy. 1-0 pour les Annecyens. Il reste encore 20 minutes dans ce match. Et les amis, venez, on se pose là. Venez, on se pose. Il y a un changement. Il y a un double changement du côté d'Annecy. Annecy est en train de gagner 1-0 face au WAC. Je ne sais pas si on s'en rend compte. C'est vraiment la deuxième fois que le Havre perd en Ligue 1. Si, ils perdent un soir parce que c'est quand même pas encore terminé. Mais c'est un truc de fou, vraiment, les gars. Le Havre, du coup, forcément, qui perd des points. Annecy, qui se met plutôt bien pour le maintien. C'était un peu inespéré de voir Annecy gagner. Enfin, je veux dire, Annecy, je pense pas qu'ils avaient pointé sur le calendrier. Ah là, face à eux, on prend les 3 points. Hein. Ça m'étonnerait quand même. Pourtant, ils le font et c'est ça aussi, hein, c'est incroyable. Et forcément, que c'est une victoire vraiment qui a une importance extrême pour les Annecyens. Allez, au niveau des changements, du côté d'Annecy, Bozetti fait son entrée. Moïse Saïdion qui sort. Bon, ça affiche la couleur. Hein, Bozetti qui est un peu moins offensif qu'un Saïdion. On a également Kevin Tesdud qui rentre. Steve Chamal qui sort. Vous avez les changements hein, qui sont notés en bas à droite sur les compositions si vous avez du mal à voir. Donc voilà les changements les amis qui sont notés sur les compos. Je vous affiche les compos si vous voulez. 4 changements du côté de Annecy depuis le début du match. Philippe Ono, Temanfo, Dion, Chamal qui sont sortis, Tesdud, Bozetti, Falconier et El Jawari qui sont rentrés. Alors, du côté du hack, il y a eu 2 changements, Tsaré et Kitala qui sont rentrés à la place de Richardson et de Mahmoud. Et voilà, je vous laisse regarder les changements en bas à droite sur les compos qui défilent. Allez, on reste encore une fois là. Il reste 19 minutes entre Annecy et le Havre ici au Parc des Sports. Pour le moment c'est Annecy qui est en train de mener. Moi je dis un match nul là, nous met Mister Weed. On verra après. Ouais, match nul, c'est peut-être le scénario qui semble le plus
probable, quoique non, hein, je pense que c'est la victoire de Nancy après. Parce que en vrai, le Havre, ils ont pas montré grand chose non plus. Hein. Forcément, c'est le Havre, donc première équipe de Ligue 1, ils ont perdu qu'une seule fois, on voit mal comment le Havre peut perdre. Mais dans le match en lui-même, franchement, on me dit pas que c'est le Havre premier face à Nancy qui a démarré le match au 18ème. Pour moi, c'est un match entre le 8ème et le 9ème. Hein. Allez, ballon récupéré par les Havrais avec Sanganté. Sanganté qui fait tourner, Sanganté côté gauche. Le long ballon pour le Havre, c'est récupéré par Hansi au milieu de terrain. Allez, ballon en direction de Bozetti qui va s'écrouler. L'arbitre qui ne dit rien, ça sera rendu. Ou Havrais, ce ballon avec El Hadjam. Et non, finalement, l'arbitre a signalé une faute sur El Djawari. Il s'est écroulé tout à l'heure, El Djawari. Il va pouvoir obtenir un coup franc précieux qui permet aux Alessiens de gagner du temps. Et peut-être que l'arbitre va sortir un jaune, je ne sais pas, mais ça commence un peu à s'énerver, il y a des mots d'échanger. On est à la limite d'en venir aux mains, hein, les amis, par moment. C'est étonnant que Hansi gagne contre le premier, voilà, c'est ça, Nathan. Le Havre marque souvent dans les dernières minutes. Ah mais oui, Victor, elle a raison les gars. Le Havre, c'est vrai qu'il marque souvent aussi dans les dernières minutes. Donc voilà, on l'a vu il y a une semaine. Hein. On l'a vu il y a une semaine face à Rodez. C'est pas fini. Hein. 18 minutes, c'est beaucoup encore. Hein. Allez, le coup franc. À jouer pour le coup franc les gars. Ouais, on est à 10 likes. Les 200 likes. Merci beaucoup les amis encore pour les likes. Les abonnements et tout. Pouah, merci les gars pour le soutien, vraiment ça fait plaisir. Je remercie aussi Tanguy, parce que pour le moment les amis le jeu est arrêté, hein. Il y aura un coup franc à jouer pour Annecy dans le camp du Havre, mais vraiment proche de la ligne médiane. Et d'ailleurs il va être joué avec Bozetti côté droit, Bozetti pour servir Testude, mais c'est récupéré par le hack à gauche. Donc voilà encore un grand merci aussi à Laurent, Anos, Michel et Kinder Bueninho pour leur don aussi, hein. Merci beaucoup les gars encore. Peut-être faire 1550 abonnés, combien d'atteindre. Merci les gars. Allez, ballon côté droit là pour le hack. Le hack qui va pouvoir rentrer dans le camp des Annecyens. Il y a du monde pour le moment. Ouais, Annecy sont vraiment tous en défense. Bozetti, même Testude, hein, il fait les efforts pour revenir. Le centre, le deuxième poteau là pour le hack. La tête annecyenne pour dégager le ballon. Mais ça restera dans les pieds de l'écale. L'écale, allez, l'écale qui va pour la carte à gauche. C'est bien joué. Il y a du monde dans la surface de réparation. Ils sont 3-4. Hein, les Havrais constamment dans la surface. Le centre vers Djamatjari. Le ballon, deuxième poteau. Le ballon qui restera dans les pieds du hack. On est à 1, 2, 3, 4 mètres de la surface de réparation des Annecyens. Mais le Havre qui recule. L'écale pour la carte à droite. La mauvaise passe de l'écale et Annecy qui vient dégager. Ouais, ils jouent leur vie, hein, les Annecyens sur la pelouse, mais c'est bien normal. C'est bien normal. Et forcément, que cette victoire de Annecy, elle arrange bien les Annecyens, mais elle n'arrange pas les autres équipes qui jouent le maintien. Il fallait pas qu'il fasse jouer Casimir. Je vois dans le chat, ouais, Casimir il est sorti. Hein. Ah non, même pas, il est toujours sur la pelouse, c'est vrai. Allez, il y aura une touche à jouer côté droit là pour le Havre dans le camp de Annecy. Mais c'est vrai qu'en tout cas, un Djamal Thiaré, depuis qu'il est rentré, il a porté énormément. Il est rentré à la place de Mahmoud Thiaré. Allez, ballon à droite pour les Havrais. Allez, le Havre qui va pouvoir revenir peut-être derrière. Avec Allez, oui, avec les cales. Ouais, Annecy, ils arrivent toujours à faire reculer un peu les Havrais. Hein. Allez, ballon côté gauche pour le hack. Oh, il va s'éloigner. Ouais, il y a un Havre qui s'écroule dans la surface de réparation, les amis. On a un joueur du hack qui s'écroule dans la surface. L'arbitre qui ne dit rien, il était juste devant l'action, hein, monsieur l'arbitre. Et voilà, il a fait ça de la main. Il juge qu'il n'y avait pas de pénalty. Oh, ouais, c'est normal, hein. même le Havre, il n'a pas trop réclamé. Le centre pour le hack. Djamal Thiaré. Thiaré encore une fois. On a un Annecy qui va s'écrouler. Cette fois-ci, l'arbitre qui vient signaler la faute de Thiaré sur le numéro 6. La Juji. Et il y aura du coup un coup franc à jouer pour Annecy dans leur coin. Un peu comme une sortie de but. Hein, dans leur surface de réparation vers la ligne des 6 mètres. Ça va être joué de la même manière qu'une sortie de but. Et il va prendre autant de temps que si c'était une sortie de but. Effectivement, le gardien. Escalès, il en profite. Allez, les Havrais qui se replacent, les Annecyens également qui se replacent. On voit les supporters d'Annecy qui tapent dans leurs mains pour justement encourager leur équipe. Ils ont besoin de ce courage. Voilà, ils ont besoin de leurs supporters d'Annecy dans cette fin de match. Et il y aura une touche à jouer côté droit pour le Havre, comme on dit au rugby. Escalès, il a trouvé une bonne touche vers le poteau de corner du Havre. Voilà, en plus, les ramasseurs de balles, ils mettent eux aussi, ils participent à la victoire annecyenne. Les ramasseurs de balles, ils mettent un peu leur vie à donner les ballons. Non, franchement, il a trouvé une belle touche. Et en plus, ça touche à aller pour Annecy, hein, parce qu'elle a été touchée par un Havre. J'espère qu'on se fait pas égaliser dans les dernières minutes, comme trop souvent le met Thomas, supporter d'Annecy. Salut à toi, Thomas. Le Havre va caler, Bordeaux peut faire la montée. Il y a de l'espoir jusqu'au bout, mais Christophe. Attention, il y a une touche côté gauche là pour. Ouais, ça parle un peu de tableau, hein, mais voilà, c'est vrai que ce soir, c'est un match qui allie haut et bas de tableau. Allez, il reste plus que 14 minutes. 14 minutes à jouer dans ce match entre Annecy et les Havre. Toujours un but à zéro pour le FC Annecy. Ballon côté gauche pour le hack.
Il a vraiment pouvoir relancer avec El Hadjam peut-être qui sera servi. Allez, ballon vers Sangante, Sangante, ballon côté gauche, ce sera en direction de Targaline. Le contrôle de oh oui, le contrôle du genou, il est beau là pour le Havre. Mais on a encore des Anessiens qui vraiment sont tous en défense. Le centre là pour le Havre, il est beau, la frappe pour le Havre. Oh, l'arrêt d'Escalès. Oh là 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 là, les amis, quelle occasion pour le Havre, cette frappe captée par Escalès. Escalès, à chaque fois que son équipe elle est en train de subir, Escalès il sort énormément de sa cage. Là, il y avait un ballon dans les pieds d'un Havre qui était pratiquement au point de pénalty. Et lui, il était pratiquement en dehors de ses 6 mètres. Je trouve qu'il joue très peu sur sa ligne, Escalès, par rapport à d'autres gardiens. Je ne suis pas du tout un spécialiste en gardien, mais justement, si je le remarque, ça veut dire qu'il a vraiment une manière spéciale de jouer. Parce que bon, un gardien, voilà, faut quand même être... C'est un poste un peu spécial, le gardien. Mais là, vraiment, il était super près du joueur, alors que vraiment, l'homme était facile. Hein. Allez, attention, le centre là pour les Havrais, deuxième poteau. Le ballon dégagé par la tête d'un Anessa. La reprise de volée. La reprise de volée pour le Havre qui passe à côté des buts d'Escalès. Oh là 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 là, encore l'occasion, mais encore l'occasion de manquer pour le hack sur cette reprise de volée. La ballon dégagé par la tête d'Annecy, la reprise de volée à Brest qui a passé à côté des buts d'Escalès. Les amis, qu'est-ce que c'était chaud, hein. Qu'est-ce que c'était chaud. Ce match, j'aime bien un peu ce match, hein, les amis. C'est on a vécu une première mi-temps qui était un peu éclatée, voilà, faut dire les termes. Mais la deuxième mi-temps, c'est un régal. Hein. C'est un régal. Et bien sûr, il y a le scénario qui fait que, hein, bien évidemment, quand on voit les amis Annecy ouvrir le score, je cherche mes mots. T'es stressant, Listy. Comment ça, stressant? Je suis censé le prendre bien ou le prendre mal? Je te comprends, Michel. Hein, normal, hein, les Marseillais vont pas non plus lâcher les morceaux, mais. Mais vraiment, d'un œil, on va dire, d'un regard extérieur, quand t'es pas. Moi perso, tu vois, je suis pas pour lance de cœur, bah, ils ont l'air vraiment d'être très sereins, tu vois, je les vois pas lâcher leur deuxième place. Allez, il y a un changement, hein, qui se prépare, il y a un double changement qui se prépare dans les rangs à vrai. La touche qui est jouée avec l'écale, l'écale côté droit, l'écale. Allez, il reste plus que 12 minutes dans ce match. 12 minutes en train de scier le Havre, c'est suffisant quand même pour voir un but avec El Hadjam pour écarter à droite. El Hadjam. C'est quoi cette passe, les amis? Le Havre d'aujourd'hui n'est pas le Havre qu'on veut voir, et ce n'est pas un Havre capable de jouer en Ligue 1. Excusez-moi les amis, mais il faut le dire quand même les termes. Ils ont réalisé une saison qui a été absolument incroyable. En aucun cas je remets leur remontée. Je remets en cause le fait qu'ils montent en Ligue 1, parce que bon, ils le méritent globalement. Mais ce soir, sur le match en tant que tel, je vois pas du grande équipe. Hein. Alors les amis, changement du côté du HAC, même si encore une fois c'est un match, hein, ça arrive à tout le monde d'avoir un coup de mou. Attention les gars, je critique pas, je fais un constat sur le match aujourd'hui, et le constat est clair, en plus ils sont en train de perdre, donc même au score, ça se voit. Allez, Joshua Casimir qui sort, Emokran Bentoumi qui rentre du côté du HAC, mais ce n'est pas le seul changement, puisqu'il y en a un autre. C'est El Hadjam qui sort et Mbamba qui rentre. Incroyable. Et Annecy, les amis, je trouve ça vraiment, c'est incroyable. Ils gagnent. Déjà, faire tomber le Havre, c'est quelque chose, parce que je rappelle. Ah ouais, il y a aussi Cornet qui est rentré à la place d'Alioui. Cornet, les gars, est rentré à la place d'Alioui également du côté du Havre. Ils ont fait 3 changements, les Havrais. Ils sont donc à 5 changements. Et donc, ouais, vraiment, Annecy qui gagne face. Enfin, voilà, le Havre qui tombe alors qu'ils ont perdu qu'un seul match. C'est leur deuxième match qu'ils perdent, hein, si jamais ils le perdent. Je trouve ça incroyable. Et en plus, Annecy, ils gagnent dans un contexte où ils avaient vraiment ultra. Vraiment énormément besoin de points, quoi. Allez, ballon à droite pour le Havre. Ouais, il revient à l'intérieur, c'est bien fait. La belle défense de Démoncy, ça fait passer Démoncy. Ballon carté côté droit vers Cornet. Le centre de Cornet en direction de Jamal Thierry. Le ballon deuxième poteau. Oh, c'est tellement récupéré. La reprise de volée pour le Havre. Et ce sera dégagé par Annecy, alors que il y aura un ballon toujours côté droit, il y aura une touche à jouer pour les Arlésiens. Ah non, il y aura une touche pour le Havre. Touche pour le Havre côté gauche. Premier budget, respect à Annecy, le Vincent. Attention avec le centre, les amis, pour le Havre qui ne donnera rien. Là, le ballon sur la tête d'un Arlésien, mais le ballon qui reste dans les pieds des Havrais. Et il y aura une faute. Il y aura une faute de signaler par l'arbitre de ce match. C'est Kital, hein, qui fait la faute. Bon, elle était très 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 légère cette faute. Ah ouais, non, ouais, elle était. Elle était légère, mais elle y était. Il a poussé quand même. L'Alessia, voilà, Kitala, il a quand même poussé avec son bras droit. C'est léger, mais en l'air, ça suffit pour faire déstabiliser le joueur. Allez, il y aura du coup un coup franc à jouer pour Annecy de leur camp. Oh les gars, c'est chaud ce match. Hein. C'est clairement chaud ce match. Hein. Ça fait plaisir, un match un peu chaud comme ça. Ça fait plaisir. Allez, ballon directement dégagé. Voilà, les amis, d'ailleurs, après le match, on parlera un peu du match, on ira voir les 6 pronos.
On parlera un peu de la journée de demain et tout. Je ne vous programmerai aucun live, mais demain, je pense qu'on fera une Terminal AC Milan en live. Hein. Je ne programmerai pas, mais on le fera. Vendredi, tu fais Grenoble-Rodez. Je sais pas, Ram Team, je verrai. Parce qu'il y a Lyon-Monaco aussi, tu vois. Donc si je fais Grenoble-Rodez, ça veut dire que je fais pas d'avant-match sur Lyon-Monaco. Donc en vrai, je verrai. On aura l'occasion d'en reparler, t'inquiète pas, Ram Team. Allez, ballon côté droit là pour les Havre. Ouais, c'est bien ce que font, ce que fait le hack. Il y aura un ballon côté droit. Il y aura une touche à jouer pour Annecy dans leur camp. Oh là 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 là, le Havre est en train de douter. Le Havre est en train de s'énerver. Forcément, que c'est une position dans laquelle ils ont pas l'habitude d'être. Les Havre, quand t'as perdu qu'une seule fois dans la saison, quand t'es premier, bah voilà, c'est pas une. C'est, position délicate comme celle-là, c'est pas une position dans laquelle tu as l'habitude d'être. Et est-ce que ça pourrait pas être source de chute, on va dire, de confiance à vrai? C'est vrai que ce qui peut vraiment faire que le Havre. Voilà, je pense que le Havre va terminer premier, etc. Mais peut-être qu'avec une défaite aujourd'hui, ils vont vraiment avoir voilà, une chute de confiance, une baisse une baisse de confiance, tout simplement, une baisse de morale, j'en sais rien, mais attention quand même. Les Havre, parce que là j'ai vraiment l'impression qu'on avait une équipe du Havre qui n'est pas super bon, mais c'était le cas face à Rolaise. Hein. Face à Rolaise, c'était pas non plus énorme. Les Havre, même si c'était quand même pas mal, on a vu quand même des beaux arrêts de la part du gardien ruthénois. Là, ils étaient bons au début de match pendant les 20 premières minutes. Après, ils étaient pas très bons, mais voilà, y a pas une grosse différence avec Rolaise. Le truc, c'est qu'ils n'arrivent pas à réagir, quoi. Je veux dire, Annecy marque, il n'y a aucune réaction, rien. Il n'y a rien en fait du côté du Havre. Allez, ballon dégagé là par Escalès. Escalès se dégageant. Ballon récupéré par les Havre. Il reste encore 8 minutes. 8 minutes les gars dans ce match en train de scier le hack. Le hack va pouvoir revenir avec son gardien. D'espace pour relancer. Allez, ballon pour Sanganté. Sanganté à gauche. Sanganté, c'est bien fait. Ballon en direction d'Opéry. Opéry, il est passé. Opéry pour revenir. Ça va. Ballon écarté côté gauche là pour le hack. Il y aura finalement une touche à jouer, les amis, pour Annecy. Allez, touche à jouer pour les Annéciens côté. Droit dans leur coin, il me semble. Ouais, il va prendre tout son temps pour la jouer, Falconier. Cette touche, et c'est joué directement. Alors que là, on remarque une hola dans les tribunes du Parc des Sports d'Annecy. Allez, ballon récupéré toujours par le Hack qui revient avec son gardien Desmas. Ils n'arrivent pas à avoir, je sais pas, il n'y a pas de mouvement du côté du Havre. Salut Kair, salut à toi. Je pense pas, la fraude à son ballon par-dessus la poule après. Jamal Charré, la balle d'égalisation, la frappe. Oh, le but pour le Havre. Non, il est refusé les amis, le but en vrai. Le Havre qui avait égalisé, mais le but qui est refusé. Ouh, je réclame un ralenti. Après, on rappelle qu'en Ligue 2, il n'y a pas la VAR. Donc dans tous les cas, le but sera refusé. Après, il y a deux Havre hein, qui sont à l'attaque. Alors est-ce que c'est le Havre qui a marqué qui est hors-jeu? Je ne sais pas, mais non, il est hors-jeu. C'est très bien arbitré. Ouais, il est hors-jeu. Il est hors-jeu. C'est bien arbitré de la part de l'arbitre. C'est bien arbitré de la part de l'arbitre de touche. Franchement, bien joué à lui. Franchement, quand il n'y a pas la VAR ni rien, délicat pour un arbitre de lever le drapeau. Et oh, ça s'énerve, les amis, sur le banc. Ça s'énerve sur le banc entre un membre du staff à vrai et les arbitres. Mais en vrai, c'est très bien arbitré. Hein. Il était hors-jeu, Kitala, pour tout vous dire. Il avait même tout son corps en position de hors-jeu. Hein. Kitala, il avait tout son corps en position de hors-jeu. Il y était, il n'y a pas de débat là-dessus. Et monsieur l'arbitre vient distribuer les jaunes au banc à vrai qui avait réclamé, qui avait râlé, justement parce que eux pensaient qu'il n'y avait pas hors-jeu. Mais si, il y était, et c'est bien arbitré de la part de l'arbitre Lucas Elsner hein, qui va se prendre le carton jaune. Du coup, le coach. Après voilà, hein, toutes ces petites choses là, ça montre effectivement que le Havre n'a pas l'habitude d'être en difficulté. Le Havre n'a pas l'habitude d'être cette équipe là qui pousse pour aller égaliser en fin de match. Mais plutôt le Havre, ils ont plutôt l'habitude d'être l'équipe qui tient en fin de match. Et forcément quoi, et là c'est encore une fois, on remarque toute la nervosité de la part des coachs. C'est vrai que sur l'action il y a plusieurs choses. Sur l'action il y a la position de hors-jeu de Kitala qui marque. Mais avant, il y a aussi peut-être une petite faute. Mais dans tous les cas, la faute, elle est au même moment où Kitala touche le ballon. Donc en gros, il fait action de jeu, Kitala. Parce que si jamais il était pas là, Kitala, bah, il n'y aurait pas eu la faute, logiquement. Enfin bref, en gros, il y a hors-jeu, il n'y a pas de débat hein, pour moi. Donc je comprends que du côté du banc, à vrai, à vitesse réelle, je réclamais le ralenti quand même. Mais là, on est ralenti et il y a hors-jeu. Allez, 1-0 pour Annecy. Il reste encore 5 minutes dans les arrêts de jeu, les gars, avec un ballon côté droit là pour les Annéciens. Plutôt, il y aura une touche à jouer pour le Havre dans leur camp à gauche. Les Reds font quoi, ici 2-0 pour Liverpool. Il reste 23 minutes. Il y a le score en haut à droite. En haut à droite, si tu veux, Michel. Incroyable, les gars. Annecy est en train de mener. C'est genre bien passé. Allez, ballon pour les Annéciens avec Vincent Pajot. Pajot, le long de la ligne de. Pajot le long de la ligne de touche. Ballon récupéré par Annecy, toujours côté droit. Il reste plus beaucoup de temps. Ouh que ça se précise. Ouh que c'est en train de se préciser, les amis. Entre Annecy et le Havre, la victoire pour les Annéciens. Une victoire combien précieuse pour
pour le maintien et une défaite pour le Havre qui vient marquer la deuxième défaite de la saison. La tête pour les Havrais, ballon capté par Desmas. Et ouais, il y a eu une tête de la part d'un défenseur Havrais vers Desmas. Il a failli lober son gardien. Le défenseur du Havre qui est pratiquement marqué un but contre son camp. Derrière, Desmas a capté. Il a été poussé par un Anessien pour laisser, voilà, pour le faire sortir en dehors du terrain. Les ballons récupérés par Anne. C'est le contrat joué pour les Anessiens. À la ballon côté droit pour Anne. C'est bien joué la tête. Peut-être là pour Anne. Sinon, finalement, c'est récupéré par le Havre. Non, si, je ne sais pas. Le ballon qui est ballon qui va d'un camp à l'autre, et finalement l'arbitre qui vient trancher. Il y aura une faute d'un Anessien sur un Havrais. Coup franc à jouer pour le Havre sur la ligne médiane. T'es sûr que c'est pas l'inverse, Vincent? Je sais pas du tout en vrai. Bordeaux vient à Annecy, si mes souvenirs sont bons. Moi j'avais en tête Annecy se déplace à Bordeaux, mais en vrai peut-être que t'as raison. Je sais pas. Ah oui, ouais, il a raison. Oui, parce que ça se joue dans deux journées, donc ouais, c'est logique. Ouais. Bah, t'avais raison. Allez, ballon côté droit là pour les Anessiens. Là avec Bosetti, Bosetti encore. Et non, il a du mal. Il a du mal à compter, les gars. Il a du mal à contrôler Bosetti. Ballon capté par l'espace. L'espace qui va pouvoir relancer. Sanganté. Allez, Sanganté côté droit. Ballon dans les pieds là de la défense Havraise. De long ballon en direction de Jamal Tcharé. Tcharé qui est très présent depuis qu'il est rentré, mais il n'a jamais réussi à faire trembler les filets. Et le ballon qui est une nouvelle fois de plus récupéré par Annecy côté gauche avec un contre à jouer. Peut-être on est le long ligne de touche. Le ballon qui ne sortira pas et ce sera récupéré par Démoncy. Démoncy pour écarter vers Bosetti. Ballon qui restera dans les pieds de l'écale. Le Havrais, les Havrais qui ont le ballon. Il reste encore 2 minutes et 20 secondes dans ce match, dans le temps réglementaire. Il y aura bien sûr des arrêts de jeu, hein, ça vous en doutez. Ballon dégagé par les Anessiens. Loin ce ballon. Et il y aura une tête de Testud. Ouais, Testud, c'est vraiment le numéro 9 qui sert à rien dans cette fin de match. Mais enfin, qui sert à rien dans le sens, voilà. Mais au contraire, s'il a quand même un rôle précieux, c'est lui qui va essayer de gratter les ballons et de gagner un maximum de temps en attaque parce qu'il aura les ballons. Allez, ballon côté gauche là vers Démoncy. Démoncy, il est passé. Démoncy pour écarter à gauche. Démoncy, c'est bien joué. Les Anessiens semblent quand même être plutôt bien. Voilà quoi, plutôt. Salut, Skiza. Plutôt en place, hein, Annecy, ils sont pas non plus. Voilà, je trouve plutôt bien. Lucie, lorsqu'ils ont le ballon, ils le lâchent pas comme ça. Ils ont pas le ballon n'est pas en feu lorsqu'ils l'ont. Ils le gardent tranquille et ils gagnent du temps, on va dire, dans les règles de l'art, hein, puisqu'ils gagnent du temps en gardant le ballon tout simplement sur la pelouse. Allez, ballon là vers Bosetti. Le corner à jouer pour Annecy. Bosetti qui réclame le soutien des supporters. Corner à jouer pour les Anessiens. Qu'est-ce qui joue bien le coup, les Anessiens? Corner à jouer côté droit. Et les Havrais en grande difficulté. Les Havrais qui se dirigent vers une deuxième défaite cette saison en Ligue 2, ce qui peut laisser encore un espoir au Bordelais, puisque sur cette journée de Ligue 2, si ça en reste là, Bordeaux a repris un point sur le Havre et Metz en aura repris 3. Allez, ballon à droite, voilà les Anessiens qui jouent à la baballe vers le poteau de corner. Et oui, oh là là là, les amis, c'est incroyable. Les Anessiens, ils jouent bien le coup, hein. Ils jouent un peu à la baballe vers le poteau de corner. Il y a un ramasseur de balle qui vient donner un ballon. Et après, voilà, ils jouent à la baballe vers le poteau de corner. Et lorsqu'ils sont un peu dans la mouise, et ils viennent tirer sur Havrais. Ça le remet en corner, et hop là, c'est reparti. Il va faire la même chose, hein. Et ballon récupéré directement là par le gardien d'espace. Ça me fume, cette fin de match, ça n'a plus aucun sens. 3-0, ah oui, 3-0 pour Liverpool, effectivement. Je vois que dans le chat, ça, t'as là le même, ouais, il y a 3-0 pour les Reds. Wow, mon accent anglais, je vais arrêter de faire ça. Allez, ballon vers Sanganté qui revient à l'intérieur. Wow, c'est récupéré par Bosetti. Plus que 20 secondes, les gars. 20 secondes en train de scier le Havre. 1-0 grâce à Mwanga, on le rappelle. 90e, on entre dans les arrêts de jeu. Carton jaune pour un Havrais qui est en train de râler. Ils n'ont pas l'habitude, les Havrais, d'être dans une telle situation. Ils sont en train de complètement perdre leur nerf. Carton rouge, les amis. Ils sont en train de complètement perdre leur nerf. Et Jamal Tcharé qui est à la limite foutu un coup de tête à l'arbitre. Wow, carton rouge les gars pour Jamal Tcharé, il a complètement pété un câble. Les Havrais, calmez-vous les gars, oh bah, c'est un délire ça, ils ont 5 points d'avance sur le deuxième. Ils perdent aujourd'hui, ils ont été mauvais et restés dans leur match là. Franchement, c'est vraiment une forme d'impuissance, hein, du côté du hack. Ils sont pas comme d'habitude et quand ils sont menés, ils n'arrivent pas. Les Havrais, et là ils s'énervent au tel point de se prendre un rouge. Attention le hack, attention. Oh là là, le carton rouge les amis pour Jamal Tcharé qui est expulsé. Les Havrais vont devoir un carton jaune pour Sanganté et carton rouge pour Jamal Tcharé. Les Havrais vont devoir terminer un de moins, ce qui va compliquer la tâche. Oh, qu'il a complètement pété un câble, Tcharé. Complètement pété un câble. Carton rouge pour le hack. Oh là 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 là. Préparez-vous mentalement pour la saison prochaine. Mais oui, c'est incroyable.
Jamal Charré, les gars. Oula. Oula, Jamal Charré. Non, mais Jamal Charré, les gars. Alors, je sais pas s'il y a eu des provocations. Je sais pas s'il y a eu des trucs. Waouh. Non, attendez, les gars, c'est une dinguerie. Charré, il était en train de revenir. D'aller au vestiaire, Jamal Charré. Et il y a des supporters qui, voilà, qui l'ont chambré, normal. Et il a voulu monter dans les tribunes pour en découdre. Hein. Je ne rigole pas, les gars. Je n'exagère pas. Ça, la situation s'est calmée. Il est rentré au vestiaire. Mais le jeu a encore été arrêté parce que Charré a voulu aller démarrer clairement des supporters à l'essai dans les tribunes parce qu'ils ont chambré, etc. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Non, excusez-moi les gars, mais là c'est quoi cette fin de match? Calmez-vous, gardez vos nerfs les gars. Alors après, on sait pas les mots qu'il y a eu, hein. Il peut y avoir eu des mots, voilà, on n'en sait rien. Mais pour qu'il s'énerve comme ça, Jamal Charré, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? À mon avis, il y a eu des mots. Hein. À mon avis, il y a eu des mots envers l'arbitre. Parce que Charré, il s'est pris un rouge direct. Donc il a forcément insulté l'arbitre, Charré. Après, pour qu'il réagisse comme ça vers les supporters, qu'est-ce qu'il y a eu? Waouh, non, c'est chaud, les gars. C'est quoi cette fin de match? Le frérot, il s'est pris un rouge parce qu'il a insulté l'arbitre. Il a failli lui mettre un coup de tête. Derrière, il rentre au vestiaire et il veut démarrer les supporters. Oh, calme-toi, mon frérot. Coup franc, les amis, à jouer pour Annecy. Du coup, voilà, on en arrive. 4 minutes, hein, les gars, dans les arrêts de jeu. 4 minutes de temps additionnel. Ça fait déjà 2 minutes et 16 secondes que nous jouons dans les arrêts de jeu. Les amis, et il y aura du coup 2 minutes en plus. Hein. Oula, ouais, on a contact. Le mec, Charré a fait un doigt d'honneur aux supporters. J'ai pas vu. Attends, je vais me mettre les images en arrière pour vous confirmer tout ça. Ballon à droite pour Annecy. Le centre pour les Alessiens. C'est récupéré par les Havrais, il reste encore un peu de temps dans ce match. Le contre à jouer là pour le Havre côté droit. Oh oui, c'est bien joué là pour les Havrais. Le contre à jouer, la grosse faute de la part de Bozetti. L'arbitre vient sortir le jaune pour Bozetti. Que de carton dans cette fin de match. Carton jaune pour Bozetti. C'est quoi cette fin de match? C'est quoi cette fin de match? Putain, un câble. Et je vous confirme les gars, Thierry il a vraiment fait un doigt d'honneur. Thierry les gars il a vraiment fait un doigt d'honneur aux supporters, c'est une dinguerie. Oh. Il a vraiment fait un doigt d'honneur aux supporters, je suis mort. Je suis allé voir les images les gars à l'arrière là, il a vraiment fait un doigt d'honneur. Oh non. Eh Thierry il a forcé les ballons côté gauche là pour les Havrais, ballon récupéré par le hack peut-être par les Alessiens peut-être. Ouais, ballon qui revient vers Bozetti côté gauche. Il y aura une touche pour les Havrais. Plus que 20 secondes les gars, 20 secondes dans ce match entre Annecy et le Havre. Est-ce que vous pariez petit A que Annecy va gagner sans blessés, petit 2 que Annecy va gagner avec des blessés, petit 3 que Annecy va gagner avec des morts? Vous pensez il y aura quoi les gars dans cette fin de match? Parce que probablement vu comment c'est chaud, Thierry il est capable de sortir les tribunes avec un gun, hein. Franchement il va sortir les vestiaires, il va arriver avec un schlass. Ballon côté gauche là pour les Havrais, ouais, c'est bien joué. Ballon le long de la ligne de touche, et il y aura finalement une touche à jouer pour les Alessiens côté droit. Par contre voilà, après on sait pas ce qui s'est passé, hein, parce que Thierry il était quand même vraiment énervé, il a insulté l'arbitre, il se prend un rouge. Donc j'imagine que déjà pour insulter l'arbitre tu dois vraiment être énervé, parce que tu sais, tu te prends un rouge quand tu l'insultes. Et après il sort, il a peut-être vu les supporters qui ont commencé à le chambrer. Derrière il a fait le doigt d'honneur, mais on sait pas après ce qu'il y a eu. Donc bon, j'espère que c'est quand même pas parce que pour le mettre hors de lui comme ça. Attention la tête là pour les Annecyens, va le récupérer par le hack. Il y aura un coup franc pour les Havrais. Allez, le coup franc qui est joué côté droit. Les Havrais qui ont encore du temps, hein. Ça fait 30 secondes que nous avons dépassé les 4 minutes d'arrêt de jeu. Mais l'arbitre qui va laisser 1 minute 30 en plus à mon avis. Ballon côté droit pour les Havrais, la frappe pour le hack. Le centre, deuxième poteau. Oh, la reine Escalès. Quoi? Mais quoi, les amis? La reine Escalès, c'est incroyable. Oh, les amis, la balle d'égalisation, elle était là. Elle était là pour le hack. Et l'arrêt absolument exceptionnel de la part d'Escalès, qui est en train de permettre à Annecy, de rester en Ligue 2. C'est l'arrêt de la Ligue 2, les amis. C'est l'arrêt du maintien pour Escalès. Oh, mais attendez, le but était grand ouvert. Et Escalès y revient de sortir une claque. La quête du démon. Mais c'est quoi cet arrêt les gars? Non, meilleur arrêt de Ligue 1, meilleur arrêt de championnat, meilleur arrêt de Ligue 2, meilleur arrêt de Ligue 2 cette saison. Il est incroyable. Et Escalès les gars, s'il est pas dans l'équipe de la semaine. Non mais waouh, c'est quoi cet arrêt de la part d'Escalès? Et les gars, quand le résumé sera sorti, hein, sur la chaîne YouTube de la Ligue 2, allez voir cet arrêt, hein. Il est magnifique. Pouah.
Oh, Estalès, il revient. Le Havre, il avait tout le but ouvert. Il tire, je crois que c'était, je sais plus qui c'était. Et Estalès, il vient mettre une claquette du turfu. Oh, c'est incroyable. Ballon dégagé par Estalès, l'arbitre qui ne met pas encore le sifflet à la bouche. Allez, le match qui a encore lieu. Et c'est terminé. En train de scier le Havre. Les Annecyens qui s'imposent. Annecy qui s'impose 1-0. Chez eux, une victoire au combien important pour les Annecyens qui leur permet de prendre les 3 points et de sortir en dehors de la zone rouge, de prendre en plus des points d'avance, 2 points d'avance sur Valenciennes et de faire tomber le grand, le Havre qui avait perdu qu'une seule fois cette saison. Les Annecyens ont été tellement bons ce soir à tel point qu'ils ont complètement fait sortir hors de lui un certain Djamal Tcharaï qui s'est pris un carton rouge, qui a carrément fait des doigts d'honneur. J'ai rien compris les gars, ce qui s'est passé. Mais waouh, 1-0 pour Annecy. Quel match! Oh, mais à la fin, les gars, à la fin. Oh, mais tout ce qui s'est passé à la fin du match. Wow, et puis entre le carton rouge et tout, et puis à la fin, la frappe là pour le Havre et l'arrêt d'Escalès, on voit des Havrais complètement abattus hein, sur le banc qui remettent limite leur vie en question. Alors que bon, bah voilà, ils sont toujours premiers, etc. Mais c'est vrai que cette défaite, ils attendaient vraiment pas. J'en reviens pas. J'avais dit pour Annecy, qui a rien de fou. Hey, j'espère qu'il va être dans l'équipe de la semaine. Hein. C'est sûr qu'il est dans l'équipe de la semaine. Escalès, au vu du match qu'il a fait. GG celui qui a mis 30 balles sur Annecy. Oh, comment il se met bien. C'est vrai qu'il y avait un mec qui avait mis 30 balles sur Annecy tout à l'heure. Oh, ouais, il se met trop bien. Bien joué, bien joué. C'est pas Eddy, il est pas encore avec nous. Eddy, je crois que c'était lui, non? Les gars, regardez les notes des joueurs. Hein. Regardez-moi, les amis, les notes des joueurs. Il a seulement entre guillemets 7,6 Escalès. Je lui aurais mis 10 parce que l'arrêt qu'il fait à la fin, je sais pas d'où il le sort. Cet arrêt là, tu peux le faire que maintenant. C'est pas possible. Il y a l'adrénaline, il y a tout. Il s'est senti pousser des ailes et tout. Un arrêt comme ça, tu peux le faire que dans un contexte comme ça. C'est incroyable. Et par contre, vraiment, Djamal Tcharaï, waouh, j'en reviens pas. J'ai tenté les 1-1 au LP, j'étais pas loin. Je peux avoir un petit 0,5 point bonus pour l'audace. Non, clairement pas, frérot. Alors là, clairement pas. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis pas corrompu, moi, les gars. Non, en vrai, on va aller regarder les LP, les amis. D'abord, on va quand même regarder le classement, les amis. Regardez-moi ce classement. Le Havre est à 5 points seulement, entre guillemets, de Bordeaux, parce que ça aurait pu être plus. Bordeaux peut encore espérer le titre, pourquoi pas. Metz, Bordeaux et Le Havre sont vraiment très serrés, du coup. Annecy qui sort de la zone rouge et qui prend 2 points d'avance, notamment sur le premier relégable, qui est Valenciennes. Valenciennes rentre dans la zone rouge. Je vous laisse checker tout ça, les gars. Moi, je vous prépare les LP. Hein. Je vous prépare les LP, les amis, tranquillement. LP, Annecy, Le Havre, hop. Ouais, les Havrais, les gars, qui vont saluer leurs supporters. Hein. C'est des belles images. Et les Annecyens qui vont aussi péter ça avec leurs supporters. Mais quelle victoire! Quelle victoire pour Annecy et d'une extrême importance. Hein. Et si on a un qui a parié 1-0 pour Annecy, Olysse Prono, les choux. Hein. Regardez-moi les gars les stats, hein. 30% à 70 la position pour le Havre, 13 tirs à 5 pour le HAC, 5 tirs cadrés à 2 pour le Havre, et pourtant bah, c'est Annecy qui gagne quoi, incroyable, hein. Je vous remets le classement les gars, parce que franchement, voilà, les notes des joueurs, je pense que vous avez le temps de les voir, Djamal Tcharaï il a carrément 5,2 sur 10, parce qu'il s'est pris un rouge aussi, donc. Moi je lui aurais mis encore moins bien, hein, parce que tout ce qu'il a fait là, son comportement, c'est, voilà, tu montes pas l'exemple, après forcément qu'il est énervé, mais là il y a des limites quand même. On comprenne que certains joueurs puissent péter un câble. Et lui, il a quand même pété un câble à tel point qu'il a insulté l'arbitre. Parce que pour se prendre un rouge direct, il faut clairement insulter l'arbitre. Déjà, quand tu insultes l'arbitre, tu sais que tu vas te prendre un rouge. Donc, déjà, t'es hors de toi si tu fais ça. Parce que tu sais les conséquences qu'il y aura derrière. Et après, il veut taper tout le monde. Heureusement qu'il est retenu, etc. Et il arrive vers les vestiaires. Il fait un doigt d'honneur au. Enfin, il était un peu timide sur le doigt d'honneur. Hein. On me l'a dit dans le chat qu'il a fait un doigt d'honneur. Je suis allé vérifier. Effectivement, j'ai vu un bras se tendre et un petit doigt se lever. Mais c'était un peu timide. Après, il y a certaines personnes qui l'ont tapé un peu sur le bras pour éviter qu'il la fasse. Il le fasse vraiment le geste. Mais il a vraiment voulu monter dans les tribunes pour taper tout le monde. Hein. Tcharaï, je me demande ce qui a pu le mettre autant hors de lui. Est-ce que c'est seulement le match ou est-ce qu'il y a d'autres choses à côté? Mais. Et puis le match en lui-même, Annecy qui marque 1-0, Annecy qui tient d'abord parce qu'ils auraient pu se prendre des buts avant. Ouah, peut-être. Attends, quoi? Il y a 4 personnes qui avaient parié le 1-0 pour Annecy, c'est possible, oui. Donc vraiment incroyable. Et puis après, il y a l'arrêt d'Escalès aussi. Voilà, on a instanté qu'il le met. Il y a peut-être eu des insultes racistes de la part des supporters. Bah, c'est ce que je me demande, tu vois, parce que pour faire ça, faire un doigt d'honneur et puis vouloir monter dans les tribunes pour frapper carrément un supporter. Des supporters, je me suis dit waouh, tu vois, c'est chaud, donc j'espère qu'il n'y a pas eu de ce genre, sinon ce serait honteux, effectivement. Et je prendrais la réaction de Tcharaï s'il y a ce genre d'insulte. Et puisque c'est vrai que dans un
dans un match comme ça avec parmi tous les supporters qu'il y a, il suffit d'un effectivement qui est vraiment pas malin et qui insulte comme ça, des insultes racistes, et forcément qu'après ça peut partir et c'est normal. Et j'espère que c'est pas le cas déjà, et puis si c'est le cas, j'espère qu'il sera sanctionné, supporter malveillant. Après, on va pas non plus partir trop vite, hein, moi je me demande ce qui a pu le mettre autant hors de lui que ça. Je vois pas ce qui. Vraiment, qu'est-ce qui peut t'énerver à ce point? Et bah, c'est justement la question, c'est pour ça que j'ai peur qu'il y ait eu des insultes de ce genre, tu vois. Et si c'est le cas, bah, je comprends la réaction de Thierry, hein, mais. J'espère que c'est pas le cas, par contre. Sinon, laisse tomber. Merci beaucoup, Michel. Bon, pour depuis un mois, le début d'une longue et belle aventure, nommé Michel. Avec les cœurs sans erreur, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Michel. Qui voilà, sub depuis un mois sur la chaîne, ça fait plaisir, les gars. Des gros GG pour Michel dans le chat. Et on va regarder, les gars, le JMT. Regardons le jeu de la mi-temps tranquillement. Regardons les LP. Regardons les LP tranquillement. Moi, je mets des GG pour le grand, le magnifique Michel. Merci à toi. Je sais pas si on va voir mon message dans le chat parce que. Et on voit pas mon message encore, mais c'est une dinguerie, les gars. Pff. Quand je mets des GG, quand je mets un message, on les voit pas. Et si je mets juste @Michel, est-ce qu'on va le voir? Quand je mets un GG devant, mon message il apparaît pas. Et quand je mets pas de GG, ah bah là mon message il apparaît. Ok, bah il faut pas que je mette d'emoji. J'ai même plus le droit de mettre d'emoji, les gars. YouTube, j'ai même plus le droit de mettre les propres emojis de la chaîne. C'est honteux quand même. On va mettre comme ça, les gars. Sans doute de la frustration. Bah ouais, moi je pense que c'est la frustration de Thierry. Parce que ce que je dis, c'est que avant même qu'il voit les supporters, il s'est quand même pris un rouge parce qu'il a insulté l'arbitre. On pourrait insulter l'arbitre, il en faut. Je pense qu'il y a eu des insultes racistes sur le terrain. Donc je pense qu'après, c'est juste que certains supporters l'ont chambré ou des trucs normaux, tu vois. Un petit chambrage, pas forcément une insulte, juste un chambrage, ça peut te mettre hors de toi quand t'es déjà énervé. Bravo à Fun Labo, rien à foutre. Chen sur les man et la meuf de Lucy qui avait parié un 1-0 pour Annecy. Comment vous avez fait? J'en sais rien, mais bravo à vous. Bravo également à Loustic, c'est The Best Alien, qui a parié une victoire de Annecy, un but d'écart, donc peut-être un 2-1 ou un 3-2. Bref, GG à vous tous. Et même rue Enzo, Listi, Poutou, Vive la Haute-Savoie, Hugo, Listi 9-0, Listi 1,5, qui a parié là aussi victoire de Annecy. Je sais pas comment vous avez fait. Mais bravo à vous, les gars, parce que franchement, mettre Annecy vainqueur, fallait le faire. Le classement de la semaine, je vous montre pas, c'est les mêmes, puisque c'est le début d'une nouvelle semaine. Et le classement général, le voilà, les gars. Pouh, mais vraiment, c'est. Ce match, j'en reviens pas. Énorme, les gars. Voyons. Vraiment, je suis. Punaise, des matchs comme ça. Et puis le score, ça fait que entre guillemets 1-0. Et le match en lui-même, il a été énorme. Et c'est vrai, quand on a eu une première mi-temps qui n'était pas forcément dingue, la deuxième mi-temps nous ont gâtés. Hein. Nous ont vraiment gâtés parce que. On ne pouvait pas avoir meilleur scénario. Hein. Quel scénario de malade, quoi. Et ben voilà, du coup les gars, pour tout ce qui est Elisti Prono, les amis, je suis désolé, hein, je dois vous coûter vraiment très rapidement. On a parlé un peu classement, on a vu les notes des joueurs, on a tout vu. On a parlé, voilà, le match, je pense qu'on en a, on aurait encore des choses à dire, hein, sur ce match. Malheureusement, je dois partir rapidement parce que je dois aller réviser un DS, moi les gars, je vous le rappelle. Je suis dans la sauce, mais ça va, je devrais m'en sortir. Liverpool est en train de gagner 3-0 hein, face à Leicester. Les buteurs sont un doublé de Jones et un but d'Alexander Arnold. Le Real Betis est en train de mener 2-1 face à Vallecano, sinon dans les autres matchs. Demain, on se retrouve les gars pour Inter AC Milan. On commencera live vers 20h-20h10. Inter AC Milan en Champions League. 90% que je le fasse. Hein. Si je le fais pas, c'est parce que demain, j'en ai la moins que si je suis vraiment crevé, j'ai crevé, je le fais pas, mais je pense que ça devrait le faire. Hein. C'est vraiment juste, j'y suis fatigué, je le fais pas, mais normalement ça devrait le faire. Et demain les amis, terminons AC Milan. Ça va être un beau petit match. Le retour et mercredi, Manchester City Real Madrid, bref. Les amis, je compte sur vous, hein, ça va vraiment être des gros matchs. Après vendredi, tout le week-end, il y aura les matchs de Ligue 1, tout ça, vous connaissez. Franchement, ça va être une dinguerie là aussi demain et après-demain. Donc voilà, je ne vous programme pas le live maintenant. Je vous programmerai demain soir quand j'arriverai, vers 18h sûrement. Je vais arrêter d'ailleurs le duel des fans. Bravo aux supporters Avray qui ont remporté le duel des fans. Bravo à vous. Bravo également aux supporters Annecy et tout, parce que vous étiez très nombreux des deux côtés. Voilà, donc on se retrouve pour les deux matchs, les amis, de Champions League. Attends, info, OneFootball, super recrue dans la team des membres de la chaîne. Un good. Ah, ok. Je croyais que c'était vraiment premier degré, mais oui. Mais j'aime bien cette info également, Estanteuil. Merci beaucoup encore à Michel, franchement. Les amis, merci vraiment pour votre énorme soutien. 226 likes, merci beaucoup. Merci également pour tous les dons et les subs, etc. Merci à. Voilà, j'en profite pour les remerciements. Hein. Merci encore, Michel. J'ai pas envie d'en oublier, mais attendez. Je suis en train de faire la malice dans ma tête pour pas en oublier parce que bon. Voilà quoi. Merci beaucoup à Laurent également pour.
le don tout début du live. Après, je crois qu'il y avait eu Anos, merci beaucoup pour le don Anos. Merci Michel, merci pour le don de 5€ et pour le sub depuis un mois. Et merci à Kinder Buenino pour le don aussi. Merci à vous tous les gars. Voilà, merci à tous qui sont encore là. Merci beaucoup. Wow, vous êtes nombreux à être encore là les gars. Wow. Victor, The Future, The Metalian, Ram Team, Quentin, Polo, j'ai l'habitude de dire les noms en fin de live. Omar, Nathan, Medo, MKTM, Michel, bien sûr j'aime, Fun Labo, FootCC, FCGB Forever, Enzo, Coolman, Mohamed, Alexanteuil, Alex et Aïl. Merci beaucoup les amis. Je vous dis à demain pour Inter AC Milan. Soyez pas surpris, je vous programme le live quand je rentre des cours, donc vers 18h30. Et on fera AC Milan Inter Milan mercredi. Real Madrid, Manchester City, Real Madrid, plutôt à l'Etihad Stadium. Quel match ce soir, on a vu les LP. Les amis, on parlera notamment du jeu de la mi-temps demain, parce que le jeu de la mi-temps était un peu perturbé, mais j'ai écrit les joueurs sur une feuille. Merci beaucoup les gars, bonne soirée. Souhaitez-moi bonne chance pour mes révisions, les amis. Mais bon, ça va, j'ai encore un quart des révisions à faire. Normalement, j'ai fait le plus gros. Allez, ciao les gars, merci beaucoup pour le souci encore. Franchement, ça fait plaisir et bravo Anti. Hein. Quel match de fou. Et puis on espère que Thierry s'est un peu calmé. J'espère que les circonstances, voilà, j'espère que c'était pas trop grave, etc. Ce qui s'est passé quand même. Et puis on souhaite le meilleur au Havre, bien sûr. On souhaite le meilleur aux Annecyens qui méritent de se maintenir après ça. Ils ont pas le choix, il faut se maintenir. Ils ont pas le choix, il faut se maintenir après ça. Ciao, ciao les gars. Merci du fond du cœur encore une fois pour le soutien. Et à demain pour la Champions League. Qu'est-ce qu'elle nous fait rêver cette Ligue 2. J'ai hâte de vivre les deux derniers multiplex en Ligue 2 en Ligue 1. Un délice, mais avant on aura d'abord un week-end pour la 36e journée de L1 et de Ligue 2. Mais avant ça on aura encore la Champions League demain et après demain. Allez, ciao les gars, il faut que je mette fin à ce live. Ciao les gars, merci encore à tous. Incroyable, ciao.